Dimanche 18 décembre, les amis, 8e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats, direction Lyon, le Groupama Stadium pour OL-PSG. Peter Bose est sous pression. Vincent Ponceau, le directeur du football lyonnais, a été clair. Il y a exigence de résultats. On parle d'un objectif à court terme, être sur le podium après la 15e journée, soit dans moins de 2 mois. L'OL est 5e, à 4 points du trio de tête, et c'est le leader qui se présente ce soir. Paris, qui de son côté est revenu d'Israël avec 3 points, mais également beaucoup de doutes. Les observateurs ont notamment visé la défense de Christophe Galtier. Ce match sans la poudre, j'espère que vous êtes prêts. Lyon-Paris, 8e épisode de votre feuilleton Free Ligue 1. Les portes du Ruiz Club sont ouvertes. 18 septembre, les amis, je vous ai dit 18 décembre, je me voyais déjà bien loin. Rio Ju, comment ça va? Il fait bien chaud pour un 18 décembre. Eh ouais, vous allez bien? Très bien, merci. Ouais. Soyez les bienvenus, les amigos, au Groupama Stadium, donc pour ce 8e épisode de votre feuilleton Free Ligue 1, 8e journée du championnat de France, Ligue 1 Uber Eats, avec Free Ligue 1, partenaire officiel, diffuseur officiel de l'intégralité du championnat de France. Sur tous vos téléphones, tablettes, télévisions connectées, vous avez absolument tout. Comment s'est passée cette petite semaine, les garçons? Ça va ou pas? Très bien, toujours très bien, moi. Bonne semaine, ouais, formation à Clairefontaine. Alors, ça va ou pas? Ça va, beaucoup de boulot, mais c'était sympa. T'as rien foutu, quoi. D'accord. C'est dur, Clairefontaine, tu le sais très bien. C'est dur, hein? Ouais. Et dis-moi, comment va la petite famille, là, les résultats? Le garçon, donne-nous un peu les résultats. La famille va bien, les résultats, on a fait un partout pour le premier match, ouais. Avec les jeunes et le fiston, ils ont perdu 2-1. 2-1 perdu? Ouais. Ah, on joue un peu plus jeune. Et en face, t'as l'adversité quand tu joues Girondin. Comment ça va du côté de la famille Palmieri? Tout va bien. Écoute, moi, le grand Liam, là, il se remet au basket. Uh-huh. Ouais, il avait un peu arrêté. Ma fille, bah, je sais pas, elle veut faire 2 sports, donc elle a pris 2 sports qui se ressemblent, trapèze et foot. Ouais. Voilà, donc ce qui est plus logique. Et ma femme, comme d'habitude, pleine de bourre, les îles flottantes, à foison. Ah, à foison. Ouais, on les attend, les îles flottantes. J'adore. On est au cœur d'un gros match, bien évidemment, avec le Paris Saint-Germain, leader, l'Olympique de Marseille, même nombre de points qui a été accroché, match nul pour les Marseillais. Paris peut donc dormir ce soir, seul leader, en cas de victoire ici à Lyon, avec toutes les équipes de Wall et en régie. On va tout de suite amorcer l'élément 1. L'élément 1, les amis graphiques, ce sont les compositions d'équipe probables de ce match attendu. Avant d'aller voir le dispositif humain qu'on vous a mis en place, regardez cet élément 1, compo probable, avec vraisemblablement Jurio, un changement d'organisation du côté de l'Olympique Lyonnais. Jus, on va passer à deux attaquants. Je pense que c'était dans leur tête depuis un certain temps. Et on a vu dernièrement qu'offensivement, il y avait, dont le match à Lorient, il y avait eu quelques problèmes. Et que ce soir, c'est le match parfait pour déclencher quelque chose de nouveau. 2 défaites consécutives pour les Lyonnais cette semaine de Ligue des Champions. La compo probable offerte par nos confrères du quotidien national, l'équipe. Rio, ton premier regard là-dessus, là? Ben, on change pas de système. Mmh. C'est l'équipe type du moment. Il manque Kimpembe. Moi, sinon, on a le meilleur 11 du PSG. Après, il va falloir vraiment une bataille, et notamment au milieu de terrain. Je pense que la bataille entre les deux paires va être très importante, mais une très très belle équipe du PSG encore. Aurore Thibault, bien évidemment, avec nous. Aurore, comment estamos? Bonsoir, messieurs. Bah, écoutez, ça bonsoir. Va. Bonsoir. Ça va. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Je sais que tu vas avoir un œil attentif ce soir, à la fois sur le basket, sur le France-Espagne, sur le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real, et plein cœur, plein feu sur ce Lyon-Paris-Saint-Germain. Comment sont arrivés les Parisiens, Aurore? Alors, on va partir avec l'élément T53, ça c'est notre lexique en régie. Eh bien, les Parisiens sont arrivés ce midi à Lyon. Petit voyage rapide, et puis après on est allé à l'hôtel comme d'habitude, en sachant que c'est le dernier match avant la trêve internationale. Ah, on a un petit problème d'éléments, vraisemblablement. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Bon, d'accord. Alors, on avait les images du voyage du Paris Saint-Germain, mais ne vous inquiétez pas.
Ça fait partie de cette magie. On va aller saluer tous les membres de la commu qui sont avec nous. Vous pouvez bien évidemment échanger sur le chat. Vous le savez, on va ouvrir la fenêtre pour aller découvrir ceux qui vont nous accompagner durant tout cet avant-match. Il y en a un, c'est un Lascar qu'on connaît bien. Aïe, aïe, aïe. Il habite en Suisse. Je peux vous dire que lui, il a le Paris Saint-Germain jusqu'au bout des ongles. Je peux vous dire que lui, il a une compagne en or massif. J'allais le dire, lui et elle. En or massif. Elle et lui. Monsieur Abel est avec nous. Salut Abel. Salut Abel. Comment vas-tu? Bah, ça fait plaisir de te retrouver. Bah oui. Le fameux épisode où Aurore a dû improviser parce qu'il y avait des bugs techniques. C'était la deuxième ou la troisième journée. Ouais, ça, je vous suis. On est très heureux de te retrouver pour rentrer dans ce vif du sujet. Abel, comment tu vois ce match attendu, ce choc ce soir face à l'Olympique Lyonnais? Quel est ton ressenti? Bah, mon ressenti, au fait, c'est que Peter Bosz n'a pas de droit à l'erreur. En fait. C'est aussi simple que ça. Parce que là, il est sur la sellette. Et puis, parce que Lyon, déjà, ils ont perdu leurs deux derniers matchs, je crois. Donc trois défaites de suite, je crois que ça sent pas bon. Donc il est sur la sellette. Galtier de l'autre côté, il est sur une bonne dynamique. Il a gagné en Israël. Je sais pas comment, mais il a gagné. Donc il est sur une bonne dynamique. Par contre, Peter Bosz n'a pas le droit à l'erreur. Donc je pense sur un match nul. Regarde Abel à la droite de notre écran, ce soir également avec nous, et on salue toute la rédaction des copains de SoFoot qui nous font l'amitié de partager ce moment avec nous ce soir. Et c'est monsieur Steven qui est avec nous. Salut Steven. Salut à vous tous. Salut Steven. Merci infiniment de partager cet avant-match avec, avec nous. On a l'habitude, nous, de feuilleter les bonnes pages de SoFoot qui a vraiment cette particularité de voir le football... autrement, d'aller chercher autre chose, d'autres points de vue sur ce sport qui unit toute la planète. Et je sais que ce soir, je vais demander en régie de nous montrer l'élément 6, tu vas nous apporter cet éclairage, notamment sur le travail qu'a Luis Campos du côté du Paris Saint-Germain. C'est un énorme dossier et SoFoot a bien évidemment proposé, regardez sur ces quelques pages, ça c'est à droite, le visage de Luis Campos, la une de SoFoot. Et Steven, tu as travaillé, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais en préambule, toi aussi, donne-moi ton appréhension de ce gros match attendu de ce soir-là. Bah, c'est surtout pour moi un gros match pour Lyon. Pour le PSG, c'est un vrai test après le premier test Monaco en Ligue 1 qui n'a pas été fameux. Mais pour Lyon, c'est vraiment le premier gros test, et surtout pour Peter Bosz qui est probablement son possible dernier match en cas de mauvais résultat, je pense. Donc à voir, j'attends de voir surtout l'Olympique Lyonnais en fait, à voir comment ils vont réagir. Abel estime. Je vais prendre un petit micro. C'est quoi ton petit parfum de chewing-gum là? J'adore. J'adore. Monsieur Ludovic Giuli qui nous fait l'amitié de partager ce moment avec nous en plein live. Ça va ou pas? Bah, je suis déçu, tu sais pourquoi je suis déçu? Pourquoi? Pas de pantalon blanc. Non, parce que t'es pas venu à la maison hier manger. Tu m'as pas invité. Arrête. Tu m'as pas invité. La porte est toujours ouverte pour toi. Tu rigoles ou quoi? Bon, ça va, vous êtes beau comme ça en jean. Ça change. Bien. Attention, il fait frais ce soir. Voilà. Eh oui. Bon. Ah, voilà. Toi, t'as mis quoi, toi? Non, moi, j'ai. Moi, j'ai rien. Maillot. Ah, mais toi, t'as l'expérience. Non, j'ai petit maillot. Bon, tout va bien? Ouais, on est bien, Ludo. Tu sais, on le rappelle, hein, Ludo, qui est adjoint, bien entendu, de Peter Bosz, en charge principalement du squad offensif de cet Olympique Lyonnais. Ludo, dis-moi. Comment ça s'annonce parce que là c'est bouillant. Là c'est bouillantissime ce soir. Le stade devait être plein, c'est des matchs qu'on a envie de jouer. Même moi qui suis là, j'ai envie de. Même 5 minutes je joue. On est excité forcément. On sait que Paris c'est le match de l'année. Si on fait un exploit, c'est énorme pour nous. On a besoin de points, donc forcément à la maison on est intraitable et on sait que ce soir ça va être difficile, mais on a nos chances.
de l'intérieur, dis-nous tout ce qu'on a lu cette semaine-là. Il y a un vrai ressenti de pression, les déclarations de Vincent Ponceau, le directeur du football, qui a maintenant clairement annoncé qu'il y avait des objectifs, que tout avait été construit avec Peter Bosz, et que du coup, maintenant, on était face à ses responsabilités. Bah, tout simplement parce qu'on est dans un grand club, et l'année dernière, on a fini 8e, ce qui est horrible pour ce club-là. Et on sait que voilà, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc forcément, il y a un discours, il y a des objectifs, il faut les tenir. Et on le sait, quand on arrive en tant que coach dans le staff technique, il faut des résultats rapidement et c'est ce qui se passe. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, le message était clair. On le savait du départ et voilà, c'était bien de le redire pour que tout le monde soit aussi au garde à vous pour justement préparer ces matchs comme ce soir. Ouais Ludo, on va sûrement voir ce soir deux attaquants ouais. d'entrée. Mmh. Toi étant leur entraîneur, qu'est-ce que tu leur as demandé bien particulièrement? Écoute, on a changé de système. Donc forcément, on est avec deux milieux récupérateurs. Normalement, on est à trois milieux. Là, on est à deux. Et justement, on a deux attaquants avec Moussa qui va jouer un peu plus devant et Alex qui va tourner autour. On va essayer de plus se trouver dans les pieds Alex et un peu plus en profondeur Moussa. Mais sinon... Voilà, on a nos chances, on a besoin aussi de grands gabarits, parce qu'on est quand même une équipe qui est petite. Mmh. Et donc Moussa, face à des colosses comme Ramos et Marquinhos, on en avait besoin. Donc voilà, il a fait une bonne début de saison, il est bien rentré. Voilà, on a besoin de jouer en fait, on a besoin de se créer des occasions, du mouvement. Voilà, face à cette équipe de Paris, c'est comme ça, on n'a pas à réfléchir, on a joué notre jeu et voilà. Même si tu es en charge des joueurs offensifs, j'aimerais savoir quel conseil tu donnes à tes défenseurs qui vont jouer contre Mbappé, Neymar, Messi, que tu as connu. Attention, t'oublie pas. Écoute, attention, elle arrive là. Nous, le truc, c'est que, bien sûr, on essaie bien sûr de se focaliser sur les attaquants. C'est bon. Mais c'est vrai que quand on est un entraîneur, on parle à tout le monde. Ouais. Donc on sait que vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de l'équipe, il faut donner des conseils. Donc forcément, on leur dit Mbappé, on sait que si on est serré avec lui, il va prendre la profondeur, il va falloir laisser un peu plus de distance. Que Neymar, il va falloir le presser parce qu'il n'aime pas être agressé. Et Léo, forcément, c'est celui qu'on va essayer de canaliser parce que techniquement, en ce moment, il est très fort. Il a changé son jeu, il devient plus passeur, il est un peu plus en retrait et c'est dangereux. Donc quand tu as des joueurs comme ça, tu donnes des petits conseils. Maintenant, la qualité qu'ils ont, forcément, on va essayer de faire au mieux, mais c'est jamais évident. Mais voilà, on essaie de parler avec tout le monde. Les gars sont bien concentrés, ils savent que c'est un gros match pour eux aussi. Donc le surpassement de soi-même, il est important ce soir. Dis-moi, on a retrouvé Christophe Galtier juste avant le match. La dernière question, logiquement, leur défense est un chantier. Il y a des problématiques dans leur défense. Ouais. Toi, c'est ce que tu vises. Il y a des failles que tu as vues, on peut les travailler. Nous, on va essayer de récupérer très vite le ballon et d'aller vite vers l'avant. Donc forcément, nous, là-dessus, on va jouer en contre ce soir. Il va falloir bien les faire et finir nos actions. Le plus important, c'est justement de garder cette avance qu'on va avoir quand on va récupérer le ballon et d'ouvrir sur les côtés parce qu'on sait que la terreau monte très haut et qu'on va avoir la possibilité d'avoir du champ sur les côtés. Maintenant, c'est facile de le dire. Il faut le faire, donc on va essayer de le faire en tout cas. Dis-moi que tu m'invites à la maison la prochaine fois. Bah, quand tu veux. Dis-moi que tu m'invites, tu m'as pas invité. Mais si, je t'ai invité, tu viens quand tu veux à la maison. Vous venez tranquille, on passe une bonne soirée. Bah, je sais que tu travailles beaucoup, toi, mais. Mais lui il travaille un peu moins avec son club maintenant, il joue et il joue. il m'a pas demandé de venir encore et de porter le maillot. On sait jamais. Quand je reviens la prochaine fois, je te ramène le maillot. Voilà, merci. Collection celui-là, collector celui-là, le maillot. Merci mon Ludo. Bon, merci à vous les gars, je vous laisse travailler. Allez, bon match. Bah, nous aussi. On te laisse travailler. Bah ouais, parce qu'il faut un petit peu. Tu me laisses prêt, regarde, tu es en tenue et tout. C'était chaud. Allez, bonne soirée les gars. Merci à l'heure. Vous, Ludo. Merci. À tout à l'heure. Avec Abel et Steven, avec toi, avec Aurore. Abel, tu retiens quoi là des propos de Ludo et notamment sur ce, au-delà de cette bonne ambiance qui règne, mais du sens tactique apporté, on l'a bien compris. Le choix est très clair, Abel. On va jouer avec deux attaquants. Changement de système tactique pour l'Olympique Lyonnais. Je pense que Peter Bosz a vu que c'est un peu chaud là actuellement. Bah, il a pensé à autre chose. Il a pensé à ramener autre chose, à ramener une autre approche tactique. Parce que là, c'est vraiment, s'il perd ce soir, c'est noir pour lui. Steven, t'en penses quoi, toi, de ton côté?
Non, je trouve aussi que c'est une bonne idée. Enfin, faut tenter de toute façon. C'est pas en restant comme il restait où ça marchait pas, ça allait fonctionner. Donc contre Paris, donc, je me dis en plus avec la défense de Paris qu'on a vu contre Maccabi qui est pas vraiment en forme, qui est friable. Donc je me dis c'est pas une mauvaise idée sur Dembélé qui faisait plutôt bonnes entrées à chaque fois qu'il entrait en jeu. Donc c'est bien même pour lui de le mettre titulaire, de lui donner un peu de confiance. Je trouve ça une bonne idée moi. Et hier, moi, ce qui me... Ah, vas-y, Aurore, vas-y. Hier, Aurore. Peter Bosch, en conférence de presse, a dit alors, trois solutions. Un, marquage préventif. Deux, ne pas perdre de ballon facile. Et trois, croiser les doigts. Voilà. Et tu avais, Aurore, les propos de Vincent Ponceau, non? Le directeur du football qui, effectivement, s'est donc exprimé. C'était cette semaine, en marge de la photo officielle de l'Olympique Lyonnais. Des propos échangés avec nos confrères du Progrès. Il a été clair, Aurore. Alors lui, il a fixé des ultimatums, un petit peu des dates butoirs pour la saison pour Peter Bosch. Il a fixé notamment une place sur le podium avant la trêve de la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde. Et hier, en conférence de presse, on va partir avec l'élément 38 en régie et on écoutera le son. Peter Bosch, lui, n'avait pas du tout le même calendrier que son manager. Il a dit à moi, il faut être sur le podium en fin de saison. Autre chose qu'avant la Coupe mondiale. Mais c'est clair, ça change rien pour moi, c'est normal. On est là parce que l'OL doit être là en fin de saison, absolument. Je suis complètement d'accord avec ça. Il a dit à moi. Donc les temps de passage intermédiaires ne sont pas les mêmes entre l'entraîneur et le manager. Les garçons, vous pensez quoi de cette pression-là positionnée aujourd'hui? Clairement, Ludo vient de le dire, on a été transparent maintenant, on est droit dans nos baskets, c'est très clair, net, objectif fixé par le staff, par l'organisation de l'Olympique Lyonnais. La pression est donc sur les épaules du staff de Peter Bosch. C'est normal, on est à l'OL, un club qui doit viser le podium chaque saison. C'est dernière, ça. Il faut une saison où il passe à côté, et malgré ça, il est quand même maintenu, donc c'est bien qu'il lui laisse du temps. Par contre, maintenant, il faut des résultats. Ils ont ramené Lacazette, ils ont ramené Tolisso, ils ont quand même très bel effectif. Pour moi, au niveau de l'effectif, ils doivent être dans les trois premiers. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu de pression sur le coach. Ouais, non, il a, Ponson a été très clair. Il a déguisé son coup de pression pour faire comprendre à Peter Bosch que maintenant c'était terminé, qu'il n'y avait plus le temps de faire des essayages et qu'il fallait être dans le concret. Ludo l'a dit aussi, 8e pour un club comme ça, c'est inacceptable. Donc leur position est au moins dans les trois premiers. Donc il faut tout faire pour y retourner assez rapidement. Aurore, Corentin Tolisso, qui est l'un des membres actifs là, de cet Olympique Lyonnais, ont rappelé les retours de l'ADN Lyon, qui va être l'un des hommes de cette bataille au milieu de terrain. Il s'est exprimé cette semaine également sur cet environnement particulier qui règne aujourd'hui autour de l'Olympique Lyonnais. Alors, c'était vendredi en conférence de presse, donc on va partir avec l'élément T36 en régie, on écoutera aussi le son. On lui a posé la question sur les rumeurs autour de son entraîneur. Eh bien, la réponse est simple, union sacrée. Non, c'est pas que le coach ou que les joueurs. Je pense qu'on est un groupe. Il faut être unis. C'est tous ensemble qu'on arrivera à progresser, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'ai pu lire des choses où voilà, le coach était en danger, etc. Mais voilà, nous, les joueurs, en tout cas, on est tous derrière le coach et vraiment, on a envie de bien faire et de gagner dimanche, vu que c'est le match en question pour pouvoir continuer et gommer ces deux défaites qu'on a eues précédemment. Non, c'est pas que... Voilà, vous avez entendu donc les déclarations de Tolisso. On est derrière l'entraîneur. Et d'ailleurs, Tolisso avoue régulièrement parler avec son coach sur les positionnements tactiques, sur ce qui est bon ou pas pour l'équipe. Les Twins nous ont rejoints. Comment ça va les jumeaux? Vas-y, bah, ça va nickel. On est très excités pour ce grand match. Lyon-Paris, franchement, c'est un des classiques de notre championnat. Et en plus de ça, on espère un grand Paris Saint-Germain et aussi une grande équipe lyonnaise ce soir. C'est sympa d'être venu avec nous là. Bah, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai envie de taper un peu le ballon, mais bon, j'ai choisi le mauvais métier, je crois. On était à l'instant avec les copains sur la pression qui règne autour de Peter Bosch. Elle est claire maintenant, elle est transparente. Ludo, Julie était avec nous à l'instant. Elle vous semble logique? Cette pression, elle me semble totalement logique. Après, justement, devant un très beau stade, devant leurs supporters,
c'est le meilleur moment justement pour les Lyonnais de montrer justement qu'ils ont cette faim, qu'ils ont cette rage de gagner contre un grand Paris Saint-Germain en face. Changement tactique annoncé, Ludo Juli nous l'a dit, on va jouer avec deux attaquants pour jouer face à Paris. La pression est là. Est-ce que très sincèrement, je sais qu'il y a plutôt un parfum parisien chez vous, mais comment vous voyez ce match? Est-ce que les forces vous semblent être rééquilibrées ce soir? Un petit peu plus, sachant que la défense parisienne, récemment, je l'ai trouvée vraiment un peu plus fébrile. S'il y a Alex Lacazette, Moussa Dembélé devant, ça peut mettre cette pression supplémentaire sur les défenseurs centraux du PSG. Et là, justement, on peut être un peu plus en danger côté parisien. Après, pour Lyon, il faudra tenir le milieu de terrain avec seulement deux joueurs, à voir ce que ça va donner. En régie, les amis, est-ce que vous pouvez nous mettre l'élément 2 pour être en rebond avec les jumeaux, avec Aurore, avec Abel et Steven sur le match face au Maccabi Haïfa, le match de Ligue des Champions? Quels sont les principaux enseignements que vous avez tiré de ce match? On revoit la composition d'équipe qui avait été lancée par Galette, par Christophe Galtier. On a eu un sentiment le même que face à Brest, le même que face à la Juve, quelque chose de poussif. Est-ce que vous avez eu ça? Totalement. On était devant la télé et on s'est dit, quand est-ce que le PSG va vraiment démarrer sa rencontre? On aurait pu le faire avec Kylian s'il avait mis les deux buts, ces deux petites actions. Malheureusement, il n'a pas été trop efficace. Après, il s'est rattrapé en seconde mi-temps. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, il y avait ce décalage qu'on a trouvé entre les attaquants et les défenseurs. Et au milieu de terrain, en première mi-temps, on était inexistant. Il y avait un bloc qui était vraiment coupé en deux. Ouais. Toute la première mi-temps, un bloc coupé en deux. Et pour une équipe comme le PSG, face à une équipe plutôt modeste en Ligue des Champions comme le Maccabi Haïfa, j'ai trouvé quand même la première mi-temps très 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 moyenne de la part des Parisiens. Et attention, parce qu'on aurait pu se faire punir très 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 sévèrement là-bas. Jules, t'as vu ce parallèle entre ces trois matchs, Juve, Brest et Maccabi? Ouais. Mais j'ai l'impression que le PSG, et c'est encore plus clair cette année, a toujours ce problème récurrent des pistons. Et tout le monde le voit en ce moment, c'est même Ludo nous en a parlé. Si Ludo nous en parle, si nous on le voit, c'est que forcément il y a un gros chantier à ce niveau-là. Et encore ce soir, je pense que le problème va venir des côtés. Rio. Ouais, aussi le travail défensif des trois devant. C'est eux qui font que le bloc se coupe en deux. Ils n'ont pas travaillé, et Galette il a dit, ils ont lâché le travail défensif assez tôt. Du coup, ça les a mis en difficulté. Donc on va voir ce soir, on aura un élément de réponse. S'il a réajusté, s'ils sont capables, mais les trois devant, de faire les efforts pour que le bloc soit plus compact et moins facile à transpercer. On a retrouvé Christophe Galtier. Dites-moi juste en régie, s'il vous plaît, si on peut proposer l'élément d'entretien que nous venons d'avoir avec Christophe Galtier. Est-ce que c'est possible ou pas? Dites-moi en régie si c'est possible ou pas. Ok, on vous le retrouvera. Christophe Galtier qui est passé à ce micro. Mathy Bolt, Tolisso, Coco Tolisso, qui lui a été logiquement interrogé sur ce pari, sur la valeur du pari attendu ce soir. Qu'a-t-il répondu, le Lyonnais? Eh ben, on va partir avec l'élément 35. C'était toujours en conférence de presse. Alors, il sait que le match sera difficile. Et en gros, pour faire simple, il va falloir être soudé. Même avec l'équipe qu'ils ont, il faut y croire. Il faut qu'on y croit. Et si on y croit tous, qu'on travaille très très dur, bien sûr qu'on peut le faire. C'est déjà arrivé ici au Parc OL. Donc voilà, faut y croire. Mettre tous les ingrédients pour aller chercher cette victoire. Et moi, je crois. Non, il faut qu'on. Pas forcément ce qu'il faut changer, mais il faut qu'on soit agressif, il faut qu'on soit intelligent tactiquement, il faut qu'on joue bien les coups, il faut qu'on soit tous ensemble, défensivement, offensivement, il faut qu'on fasse. Faut qu'on fasse les choses ensemble. Faut qu'on soit une équipe qui attaque ensemble, qui défend ensemble et voilà, avoir un état d'esprit de guerrier. Un état d'esprit de guerrier. Alex, si tu me permets, on va enchaîner avec l'élément T1. C'était à l'entraînement il y a quelques jours. Regardez Corentin Tolisso, et bien il n'est pas du genre à se laisser faire à l'entraînement. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui ne se passe pas bien, tout simplement, il ne lâche rien. Il n'est pas content, il le fait savoir. Donc ça aussi, c'est une mentalité de gagneur. C'est OLTV qui nous a offert ces images. Le programme s'appelle Best Of. Regardez. Avec la casette. Ah, j'adore ça. Quand ça se passe comme ça à l'entraînement, c'est bien. Il faut que ça se passe comme en match. C'est ça. Abel, est-ce que tu as eu l'impression, on a pu lire dans la presse, une notion de suffisance? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que ce mot va trop loin de la part du Paris Saint-Germain par rapport à leurs adversaires? On pense à Brest, on pense au Maccabi Haïfa. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, on peut clairement parler de suffisance, en fait, parce que
Mais pas trop, parce que Neymar, quand il a, j'y reviendrai plus tard, quand il a commencé la saison, il avait dit que tous les ballons allaient rentrer, tout ça. Donc aussi, il fait ce qu'il a dit. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi de la suffisance, parce que c'est ça aussi, c'est ça qu'on reproche à la Ligue 1, parce qu'il prépare vraiment le PSG pour la Ligue des Champions. C'est que quand il joue contre Brest, contre Nantes, contre Le Rang, des équipes comme ça, c'est pas top comparé à ce qu'on arrive en Ligue des Champions, t'as des grandes équipes, tu vois. Donc il y a un peu de suffisance, oui. Steven, est-ce que pour toi, on a tous lu que, je retiens ce terme notamment, ça flottait partout. C'était l'équipe qui avait titré ça en disant que derrière, problème de chantier, milieu de terrain également, ça manquait de physique. Comme le disait Rio, devant peut-être un peu trop loin, on défendait pas assez. Quel est pour toi, Steven, le principal chantier aujourd'hui de Paris? Quelle ligne? Bah, déjà, clairement, effectivement, le match, ça ressemblait à du Pochettino de l'an dernier, et c'est pas un compliment. Donc déjà, ça. Et après, je suis d'accord avec Rio, pour moi, le principal, c'est vraiment si les trois de devant ne viennent pas défendre, ne viennent pas aider, bah derrière, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Les autres ont beau tout faire, ça ne fonctionnera pas si les trois de devant, ou au moins deux des trois, viennent défendre ou viennent un minimum faire du pressing, comme ils ont pu faire en début de saison. S'ils ne le font pas, ça ne marchera pas, à mon sens. Sinon, les autres, au milieu, ils sont esselés, les pistons, ils sont en galère, et compliqué. Le 11 de départ vient de tomber, les amigos. On va vous livrer ça, c'est tout frais, ça vient de tomber à l'instant. Et donc la confirmation de ce que nous disait Ludovic Juli dans cet avant-match. Changement tactique de l'Olympique Lyonnais. Deux attaquants positionnés donc avec Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette, le capitaine. Lopez dans les buts, Taliafico, Luqueba, Thiago Henrique, Malo Gusto, Cacré, Tolisso, Toko Ekambi, Moussa Dembélé, Lacazette. Qu'est-ce qui est avec nous de... Je regardais, j'ai cité les 11 là. Ouais, c'est bon. Côté Paris Saint-Germain. Alors, Gigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Marco Verratti, Fabian Ruiz titulaire. Ça, c'était pas forcément attendu. Danilo Pereira, Mbappé, Neymar et Messi. Abel, première réaction. Fabian Ruiz est titulaire. C'est une bonne nouvelle. Parce que c'est une recrue du mercato estival, donc on va voir ce qu'il va donner. C'est la première titulaire, donc on va voir ce qu'il va donner. Je suis dubitatif. Les jumeaux, vous en pensez quoi du 11 de Paris là, avec Ruiz? Bah franchement, c'est intéressant. Je pense pas que t'as la même technique. Mais franchement, non. Il a fait une très bonne rentrée face au Maccabi. Il a eu quelques minutes au Parc face à Brest. C'était franchement pour moi une bonne entrée. Maintenant, il est titulaire. Une grande équipe lyonnaise en face. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui voudra gagner. Ça sera un vrai premier test pour lui, un vrai gros test. Et c'est surtout un très gros risque, parce que Vitinha, il a fait un super début de saison. Le voir sur le banc, peut-être que c'est un signe, il était peut-être fatigué de l'enchaînement des matchs, peut-être que son coup qu'il a pris face à Nantes, il n'a peut-être pas forcément totalement récupéré. Fabian Ruiz, à voir ce que ça donne, franchement c'est plutôt intéressant, et surtout il va apporter un peu plus de taille, parce que les Lyonnais, ils auront l'impact physique, ils auront cet avantage-là. Jules, t'en penses quoi toi? C'est une très grosse surprise, parce qu'on était tous presque sûrs que le milieu de terrain n'allait pas bouger avec Verratti et Vitinha, et voir Ruiz, ça veut dire aussi que du côté du PSG, on a un peu peur. On craint un peu cette espèce de milieu de terrain hybride de l'Olympique Lyonnais qui est capable et d'harceler et de jouer au ballon. Et là, il a mis quelqu'un qui est un peu dans cette philosophie-là. Ouais, moi, je pense que qui voit à long terme aussi Galtier. Il faut qu'il implique ses milieux de terrain, notamment Fabien Ruiz. On sait que Vitinha, Verratti, ça marche très bien. Il faut lui donner du temps de jeu, parce qu'il faut qu'il s'exprime, et surtout il y a beaucoup de compétition. Donc moi, ça me paraît aussi un petit peu logique. Vitinha se repose un petit peu, hein, il rate un match. On sait qu'il va rentrer de toute façon ce soir. Mais je pense que c'est bien de le voir là, de le lancer un peu dans le grand bain, comme il essaie de faire dans un premier temps avec l'ancien Lillois Renato Sanchez. Donc voilà, il donne du temps de jeu et un peu de turnover là.
Mais c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète un peu plus, forcément pas ce soir, mais c'est que les autres, ils tournent pas beaucoup devant. Ouais, ouais. T'as entièrement raison. Ça va être l'une des clés de ce match, à n'en pas douter. On fait une parenthèse et elle est de taille avec toi, Steven. On va remontrer l'élément, s'il vous plaît, en régie, l'élément 6. On va enchaîner l'élément 6 et l'élément 7. On va les enchaîner. Steven, pour justement nous parler de ce travail de la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain, c'est un élément très fort parce que Luis Campos, cette semaine, a tenu à faire une mise au point. Il a clairement dit que le mercato n'était pas entièrement satisfaisant. Il y avait un message indirect à Antero Henrique qui a été réarmé dans le travail de Paris, lui qui était l'ancien directeur sportif qui avait été déstabilisé avec une crise avec Thomas Tuchel, puis finalement gardé du côté du Qatar sur la ligue qatarienne de football. Et puis finalement Luis Campos a clairement dit qu'il y avait encore des choses à faire. Steven, vous avez fait un large papier dans les colonnes de SoFoot sur le personnage Luis Campos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans les colonnes de SoFoot? Ouais, effectivement, c'est un gros papier sur le personnage de tout, comment il est arrivé dans le football, son parcours et tout ça. Et il a insisté beaucoup dans cette interview de cette semaine et dans le papier, on en parle, du fait que pour lui, le football, une équipe, c'est un puzzle. Et un puzzle, il faut qu'il y ait toutes les pièces pour que le puzzle soit bon à la fin. Et lui, il lui manque cette pièce qui est le défenseur central notamment. Et c'est pour ça qu'il n'est pas content du mercato. Et tout le temps, en fait, il pense en puzzle. Il pense toujours à un joueur qui vient là, qui remplace un poste, un endroit. Il faut que le puzzle soit complet à la fin. Ce qui là n'est pas le cas, en fait. Et c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné à Monaco, à Lille, ou même avant quand il aidait au Real Madrid, tous les clubs où il est passé. C'est toujours comme ça qu'il fonctionne, en fait. C'est en puzzle. Steven, est-ce que la situation pour toi est pérenne? Est-ce que cette situation peut rester pérenne avec le retour de Luis Enrique, d'Antero Henrique, pardon? Le problème de Luis Campos, c'est pas un problème, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va pas rester si ça lui plaît pas, quoi. C'est pas le genre à rester dans une situation qui ne lui plaît pas. Donc si la situation ne lui plaît pas, il partira, il trouvera un autre club rapidement. C'est vraiment pas quelque chose qui lui fait peur de changer de club, même au PSG. Les garçons, vous en pensez quoi ici sur la pelouse là? Les jumeaux pour commencer là. C'est pas clair quand même ça, non? Mais avec le PSG, est-ce qu'il y a quelque chose de clair de temps en temps? C'est la question que j'aimerais poser, mais c'est vrai qu'on a toujours du mal à vendre. Forcément, parce que les joueurs ont un salaire très élevé, ils jouent pas forcément tous. Rio l'a dit tout à l'heure, c'est que les places se valent cher. Au milieu de terrain, en attaque, les places se valent très cher. Et donc forcément, s'il y a quelques divergences au niveau des stratégies, ça va tout de suite avoir un impact sur le côté sportif et aussi sur le côté économique. Après, il y a un grand changement. Ce mercato, il y a quand même un grand changement comparé aux années précédentes. On l'a vu aussi, il recrute des jeunes, quelqu'un comme Vitinha, des jeunes joueurs comme Renato Sanchez, même s'il y a quand même pas mal de blessures. Et je pense qu'aussi, Rio, moi j'avais une petite question à te poser. Et là, quand tu vois ce stade, t'es un ancien milieu de terrain. Est-ce que ça fait vraiment une grosse pression d'être une personne comme Fabian Ruiz qui est titulaire là aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il doit quand même avoir une certaine pression, hein, même s'il sort d'un gros club où la pression existe déjà. Mais là, le PSG, c'est encore autre chose. Et il sait qu'il doit marquer des points tout de suite parce que ça va vite, le turnover, et si tu ne marques pas de points, il y en a un autre qui jouera à ta place. Ouais. J'avais cette question à te poser parce que justement avec ton expérience en tant que milieu de terrain, voilà. Est-ce que c'est vivable ça? Est-ce que ce qu'on entend la sortie du stade de l'Olympique Lyonnais, est-ce que c'est vivable entre Luis Campos, Antero Henrique, le staff? Est-ce que c'est... Non mais c'est dommage parce que comme je ne sais plus qui, un des frères l'a dit, t'as l'impression qu'ils sont toujours en train de se chercher des puces, si c'est pas dans les gardiens, c'est devant le trio, si c'est pas le trio, c'est à l'intérieur du club. Donc bien évidemment qu'à un moment donné, si ça continue comme ça, un des deux devra partir. C'est obligé parce que c'est deux caractères forts. Et on a côtoyé un peu Luis Campos. Je vois pas Luis Campos se faire marcher dessus. On a une petite surprise, regardez, pour les plus jeunes qui nous regardent, on a trois partenaires avec nous et non des moins. Ça c'est beau ça, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore.
sponsors qui sont là. Comment ça va? Ça, j'adore. Magnifique. Ça, c'est bon, ça. Les sponsors qui sont là à nos côtés sur leur Wisconsin. Ça, c'est sympa. Cette petite casquette-là, magnifique. Ah, magnifique. Ah, magnifique. Magnifique. Il est en forme. Vous êtes bien, hein? Il est en forme. C'est bien, il est bien, mon yo, là. Là, j'adore. Elle est jolie, hein, l'hôtesse. Ouais. Ils vont donner le coup d'envoi fictif, bien évidemment, de ce Lyon-Paris-Saint-Germain. Ça se passe comme ça sur le Ruiz Club. Oui. Attends, on prend. Prenez-moi ça là. Regardez ça. Prenez-moi ça. Voilà qui est joué. J'adore. On va la rendre la petite. Voilà qui est joué. Ça, Aurore, t'aimerais bien être avec nous, hein. Ah là, ah bah évidemment. Ça je sais. Allez, à tout à l'heure. C'est génial. Matt Thibault, on était sur la résonance du match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il y a pas mal de comptes et de réseaux sociaux qui ont. Tu m'as dit, il y a une petite version cartoon de ce match de Ligue des Champions. Oui, alors en fait, on va partir avec l'élément T27 en régie, s'il vous plaît. C'est un petit peu une version cartoon, mais ce qui se passe dans les coulisses de façon tout à fait subjective de la part d'une télé brésilienne, d'un média brésilien qui s'appelle TNT. Vous allez voir, donc en gros, on se focalise un petit peu sur l'histoire d'amour et de désamour de Kylian Mbappé et de Neymar. Donc ça se passe, on imagine, il y a beaucoup de place à l'improvisation, à l'imagination. Donc là, c'était un petit peu, c'est comme ça, précédemment, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Alors là, on voit, ils se sont un petit peu frités, ils n'étaient pas trop contents. Là, poum, on y va, regardez. Vous voyez, le graphisme est très bien fait. Hop, l'arbitre. Voilà, on voit Neymar, Mbappé qui sont en pleine discussion. Bon, mercredi, ça c'est entre eux, ça s'est a priori plutôt bien passé. Il y a juste eu Neymar qui était très mécontent après le carton jaune qu'il a reçu suite à sa célébration. Aurore, ça nous enchaîne, c'est sympa ça, parce que ça nous enchaîne avec un élément important en régie, dans la continuité. Si on peut passer l'élément 5, c'était à la une de l'équipe cette semaine, c'est ce fameux contrat Mbappé, les gars. Ce fameux contrat Mbappé, c'est pas 3 ans finalement, c'est 2+1, ce qui va nous ramener de nouveau en 2024 à se dire, qu'est-ce qu'on fait, les jumeaux là, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire Mbappé? Ça vous a surpris ça? Oui et non. Je pense qu'il a re-signé, mais il sait que le PSG, c'est pas forcément son club d'une vie. Je pense qu'il voudra bouger tôt ou tard. Entre guillemets, on a eu de la chance qu'il prolonge. Parce que là, maintenant, s'il part l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est peut-être une autre histoire. L'année prochaine, on pourra peut-être récupérer un petit peu d'argent. Quand je dis un petit peu, je pense plusieurs dizaines de millions. Après, à voir s'il va pouvoir prolonger ou pas une 3e année, mais ça me semble un peu compliqué. Moi aussi, j'ai la même réaction par rapport à Liam. C'est vrai qu'on était tous abasourdis du fait de cette nouvelle. Maintenant, il y a eu un PSG avant Mbappé, il y aura un PSG après Mbappé. Il ne faut pas non plus se focaliser 100% sur Kylian Mbappé. Il y a aussi 10 autres joueurs qui font une équipe. Et donc voilà. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, ça reste quand même une menace très très importante pour le PSG. Aurore, tu as des éléments là-dessus, hein. Oui, alors on rappelle que cette 3e année serait liée à des conditions aussi bien du côté du joueur que du côté du Paris Saint-Germain. On emploie le conditionnel parce qu'évidemment on n'est pas à l'intérieur des contrats. Et on va partir du côté de l'Espagne avec l'élément T17. On s'est dit, tiens, Mbappé qui pourrait revenir plus vite que prévu du côté de l'Espagne, du côté du Real. Alors sur Gol TV, on a dit quoi avec l'élément T17? Continua el tic-tac, parce que jusqu'à ce qu'il y ait son refus de rejoindre le Real Madrid, tout le monde se demandait tic-tac, il va venir, tic-tac, il n'est pas venu. Et figurez-vous qu'en conférence de presse d'avant-match de Ligue des Champions contre Leipzig, on a posé la question à Carlo Ancelotti, c'est l'élément T16 en régie, tout est dans la gestuelle de Mister Carletto. Et on peut mettre le son, s'il vous plaît. Voilà, donc Carlo Ancelotti qui a dit « Les bras m'en tombent, c'est pas possible avec cette question. » Alors, j'ai d'autres chantiers en cours avec mon équipe et j'ai un très bel effectif avec les stars que j'ai actuellement. J'ai notamment Rodrigo, Benzema et Vinicius. Voilà. Les joueurs que nous avons, surtout les jeunes.
Nous sommes très heureux des joueurs que nous avons, de l'attaque que nous avons, notamment les jeunes et évidemment Karim Benzema. Voilà ce qu'il a répondu. Juju Rio avec Carlo Ancelotti. Aurore, vous avez pensé quoi, vous, de cette annonce là concernant ce finalement 2+1 de Kylian? Bah, franchement, surpris. Surpris parce que c'était une grosse annonce du PSG en disant qu'il avait prolongé 3 ans. Au final, on apprend que c'est 2+1. Donc voilà, ça montre encore une fois que il a son destin entre ses mains, il fait un peu ce qu'il veut et après Paris a dû se plier un petit peu à ses exigences, quoi. Ouais, ça a été une très grosse surprise. Très grosse surprise parce que ça veut dire que tout n'est pas vrai. Tout ce qui se dit n'est pas vrai. Et encore une fois, on aura le droit à la saga Mbappé pendant au moins 2 ans. Je pense que chaque été, il y aura le même cinéma. Et si maintenant, avant ses fins de contrat, il doit partir, ça sera sûrement pour le Real Madrid et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Abel, t'en as pensé quoi, toi, de ton côté ? Tout simplement penser que tant que le joueur n'a pas dit, c'est la preuve, tant que le joueur n'a pas dit, tout le monde joue le site. Moi, j'étais sûr que Mbappé avait signé un truc comme ça. Enfin, c'est impossible qu'il reste au PSG 3 ans. C'est impossible. Donc, on va de nouveau vivre un Mbaflix, comme dirait Riles, un Mbaflix pendant encore le prochain mercato estival. Parce qu'en hiver, il ne va pas bouger, c'est clair. Mais le prochain mercato estival, il y a des chances qu'il parte. Et Steven, quelle a été la réaction au cœur de la rédaction de SoFoot? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Ben, moi, bizarrement, je n'ai pas été surpris parce que dans ma tête, c'était déjà un 2+1. Donc, je ne sais pas où j'ai lu ça, mais dans ma tête, c'était déjà un 2+1. Donc, je n'ai pas été très surpris. Mais en fait, ce qui est plus surprenant, c'est le côté le plus sain qui serait du choix de Mbappé. Et c'est ça, en fait, qui est la surprise. Mais après, je ne sais pas, ça va dans le sens un peu du foot qui se transforme en NBA de plus en plus. Et c'est des contrats qu'on prend beaucoup en NBA, au basket. Donc, pour moi, c'est des contrats qu'on verra de plus en plus pour moi, en tout cas. Des contrats où les options seront choisies par les joueurs. Pour moi, à l'avenir, on en verra de plus en plus. Ouais, c'est ce que je dis. On nous dit pas, en fait, on nous dit pas tout. On nous dit pas tout. On sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est chiant, en fait. Sortie de l'Olympique Lyonnais. Nos caméras sont là pour vous montrer ça, bien évidemment. Ça se passe comme ça sur Free League 1. Tout l'avant-match. Gratuit sur la chaîne YouTube Le Ruiz Club, je vous le rappelle. Et n'oubliez pas de télécharger l'application. Le match de l'Olympique de Marseille cet après-midi, un but partout. Vous avez tous les buts, vous avez les résumés, tout ça c'est gratuit, on vous le rappelle. C'est gratos les amis. Quel que soit votre opérateur, vous téléchargez l'application et vous avez gratuitement tous les buts en quasi temps réel. Et 15 minutes seulement après le coup de sifflet final, vous avez le résumé de la rencontre. Si vous êtes sur l'application, sur la formule payante, c'est vraiment pas grand chose. Vous avez le clipping pendant le match. Toutes les meilleures actions pour au finish avoir 30 minutes de la rencontre. Et alors là, si vous êtes déjà un abonné free, là c'est le premium. Vous avez absolument tout, vous téléchargez et vous avez tout pour pouvoir profiter de l'intégralité de ce championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Ça sent la grosse soirée quand même. Ça sent la grosse soirée. On va être à guichet fermé. On va être full total. Comment vous avez trouvé des places, là, les jumeaux, d'ailleurs, là? Oh! Oh! On nous a invités. Oh! Justement, moi, j'ai une petite question pour Rio et Julian. Justement, les gars, vous avez été footballeurs. Est-ce que ça vous manque pas, justement, ces ambiances? C'est de sentir la pelouse, d'entendre le ballon taper, justement, découvrir une passe. Qu'est-ce que vous ressentez, là, actuellement? Si, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Alex. J'en parlais tout à l'heure. Quand j'ai touché un peu la pelouse, là, oui. Là, ça m'a manqué. Quand je vois les joueurs rentrer avec le stade, la musique et tout, bien sûr que ça nous manque. Mais à un moment donné, on est obligé de passer le flambeau. On est obligé de vivre avec. On le sait très bien. Quand on a une carrière de footballeur, on sait qu'à un moment donné, tout va s'arrêter. Mais ça manque. En attendant, Kylian Mbappé est toujours là. Et on a cette M&M devant qui va nous offrir, on l'espère, encore une soirée de rêve avec Neymar, avec Messi et avec Kylian Mbappé. Neymar qui est sans doute le meilleur Parisien du moment. Je crois qu'à n'en pas douter, alors que les Parisiens sont de sortie, que les sifflets descendent des travées du Groupama Stadium. Abel, est-ce que pour toi Neymar est le meilleur de Paris depuis le démarrage de cette saison? Ah, c'est clair.
Il est clairement le meilleur. Il est à 11 buts et 7 passes décisives en 10 matchs. C'est une stat énorme. Il a gagné en maturité, en efficacité. Et puis, son meilleur début de saison. On est à la limite du Neymar de Barcelone. Ne m'en dis pas plus, ne m'en dis pas plus, parce que je sais que c'est ton focus de cette, de cet avant-match. Je sais que c'est ton focus. Aurore, tu as des éléments, parce que Christophe Galtier s'est bien évidemment exprimé sur ce, sur l'astre brésilien. Alors évidemment, donc Christophe Galtier, notamment avant le match, est revenu sur la gestion du cas Neymar. Est-il ou non, le staff de Christophe Galtier, est-il ou non responsable de la bonne forme de Neymar? Alors Christophe Galtier lui a dit non, parce que le joueur est arrivé très très fit à l'entraînement et que ça dépend aussi de lui, qu'il ne faut pas mettre tous les lauriers sur le staff de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et puis en conférence de presse, eh bien Christophe Galtier est revenu sur la scission qu'il y a eu sur le match de Ligue des Champions, où on a vu les trois devant assez haut et la défense assez basse. Alors quel est le meilleur entre Messi, Neymar et Mbappé pour faire un pressing défensif? On va partir avec l'élément T47. Écoutez, la réponse, c'est Neymar. Les autres, les trois, ont vécu du très haut niveau. Kylian est beaucoup plus jeune, mais tous les trois ont vécu du très haut niveau. Et ils ont cette capacité, en cours de match, de prendre aussi des décisions sur le terrain. Mais très souvent, et notamment à la mi-temps ou dans les... à la préparation des matchs, évidemment que je demande aux trois un investissement, et notamment sur les trois, on s'aperçoit rapidement que Ney est un joueur qui peut être, entre guillemets, ce joueur qui a le meilleur repli défensif, qui a cette capacité à avoir ce repli défensif, qui a cette volonté aussi d'être dans, des fois dans un milieu à trois avec les deux autres. Ça va ? Voilà, donc c'était en conférence de presse de Christophe Galtier. L'amitié de Peter Bosz qui nous fait de nous rejoindre dans cet avant-match. Peter, merci infiniment de nous recevoir à la maison dans ce match de gala. Je note que le costume aujourd'hui pour ce grand match. Hein. Ah ouais, obligé. Hein. Bon, Peter, comment on prépare ce match-là face à Paris? Ludo Giuli nous a fait l'amitié de nous retrouver avant ce match. Changement tactique, deux attaquants. Qu'est-ce qui motive ce changement, Peter? La qualité de notre joueur et la qualité de Paris. C'est toujours les deux. Comment on l'a travaillé? C'est-à-dire qu'à quel moment, pour que les gens qui nous suivent comprennent ce travail de coach, comment on se dit, comment on travaille ça, quel est le jour du déclic pour se dire il faut que je change, il faut que je travaille une autre combinaison pour jouer face à Paris? Ouais, mais ça, c'est pas arrivé la semaine dernière. Bien sûr. On a vu Moussa à trois reprises très bien rentrer. Donc déjà là, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas démarrer? Parce qu'il fait très bien, il marque des buts, il travaille, il garde le ballon, il est devant le but. Donc il a fait un très bon travail. Donc ça, c'est notre part. Mais bien sûr, on joue aussi contre une équipe pas mal. Et là, on regarde aussi comment on va battre Paris. Et là, on a quelques idées. On a vu le PSG avait du mal avec ses pistons, les côtés, qui étaient souvent libres. Est-ce que ça peut être une des clés du match? Oui, il y a plusieurs possibilités contre eux. On sait, avec le ballon, ils sont très bien, très costauds. Cette saison, mieux sans ballon aussi. Mais il y a toujours des bons coups à jouer. Et j'espère ce soir, on verra. Coach, en jouant à deux devant, forcément on retire un joueur au milieu de terrain. On sait que Paris, ils ont une grosse position de balle. Ça va peut-être demander à vos excentrés de venir travailler, et peut-être à un des deux aussi devant, de venir aider le milieu de terrain et pour pouvoir après attaquer en transition. Ouais, mais on peut jouer, parce que tout le monde parle des systèmes de 4-4-2, 4-2-3-1. Mais bien sûr, on peut faire des choses différentes quand on perd le ballon et quand on a le ballon. Peter, juste, on a vu cette composition d'équipe du Paris Saint-Germain. On a assez été surpris de voir Ruiz finalement titularisé. Quelle a été votre réaction, vous? Bon, il joue à 11. Et ça sont tous les bons joueurs. Et c'est vrai, on a pensé que c'était Fetinha qui va jouer. Et finalement, c'est Ruiz. Mais il est à Paris, donc ça veut dire que c'est pas mauvais.
je me dois de poser cette dernière question, ça fait partie de mon boulot aussi. Durant cette semaine, on a parlé de pression avec Vincent Ponceau et les déclarations de votre directeur du football sur ses objectifs, sur ce travail que vous aviez eu en commun, sur cet effectif, et que maintenant la balle est dans votre camp, il y a cette responsabilité. Voilà. Comment on l'a ressenti, comment on travaille ça? Non, mais quand tu travailles dans un grand club comme l'OL, la pression est toujours là. Il faut gagner des matchs. Et quand tu perds à deux reprises, bien sûr, la pression est là. C'est normal. Il y a un peu plus de pression ce soir ou pas? Non, mais non. Mais je pense la pression surtout pour les joueurs. Pour moi, mon travail, ça ne va rien changer. Je veux toujours gagner des matchs. Et ce soir, c'est comme ça. Merci infiniment de cette transparence, Peter. Bon match. Merci et à beaucoup. Tout à l'heure alors. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bon, comme ça c'est clair. Là aussi c'est clair avec ses choix tactiques et ses positionnements. Dis-moi. Regarde le réchauffement. Regarde, ça je l'ai rarement vu ça. Est-ce qu'on a avec nos caméras de wall, si on a toutes nos caméras pour pouvoir Rio taper sur ce qui se passe à l'échauffement? Ça, moi je l'ai jamais vu moi faire ça. Racontez-moi, c'est du spécifique de quoi ça les gars? Eh bien là ils travaillaient les coups de pied arrêtés, sûrement défensif, la hauteur à laquelle se mettre et comment défendre en zone. C'est des choses que tu fais la veille de match, ouais, normalement. Et là en fait ils ont travaillé les coups de pied arrêtés, les zones et apparemment en transition pour repartir avec le ballon. C'est, j'avais jamais vu ça en échauffement dans un match. Mais c'est un petit rappel je pense, hein. Ouais, c'est original. En régie les amis, est-ce que vous pouvez me mettre s'il vous plaît l'élément 8? Élément 8 en régie. Et on va offrir la main et on va donner la main à Abel. Puisqu'effectivement Abel, tu m'as dit en préparant ce match, mon focus, ma libre antenne, ma prise de parole sera sur Neymar. Regarde cette petite photo que tu m'as envoyée. T'as une photo? Tu m'as fait une petite photo de beau gosse. Tu m'as fait une photo de beau gosse. Allez, la parole est à toi. Focus, Neymar, signé Abel. Bah, franchement, Neymar, c'est le jour et la nuit par rapport à la saison passée. Bah, il avait fait une interview, je pense que tout le monde l'a vu, en début de saison, il disait, je crois que c'était à un pote à lui, brésilien, qui disait que cette saison, tout va entrer, les coups francs, les occasions, tout va entrer. Donc là, il a vraiment gagné en maturité, en efficacité, au fait. Donc là, je pense qu'il va continuer ce soir. Là, il a déjà 11 buts et 7 passes décisives en 10 matchs. C'est énorme. Son meilleur début de saison au club. Depuis le début. Et puis, il est quatrième meilleur buteur de l'histoire du PL. Et de toute façon, il est affûté pour la Coupe du Monde. Donc, faut faire attention, faut faire gaffe. Le focus signé Abel sur Neymar. Aurore, tu as des éléments encore hein, sur le petit Brésilien. On va partir avec l'élément T8. Vu du Brésil, Neymar, c'est un petit peu le roi de la Ligue des Champions. Et on va revenir aussi après avec les éléments T31 et T30 sur ce qui s'est passé pendant le match de Ligue des Champions où Neymar a pris un carton jaune. Et il était très en colère contre l'arbitre parce que l'arbitre a estimé que sa joie était une provocation envers le public. Et Neymar lui a dit non, ça fait longtemps que je fais ça, il n'y a pas de message caché et quelque part c'est un manque de respect envers l'athlète. Je vais conserver mon carton jaune et l'arbitre ne s'excusera pas parce qu'il s'est trompé. Donc on a eu un gros coup de gueule du Brésilien aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en zone mixte auprès de nos confrères sud-américains. Regardez ces images proposées là. Qu'avez-vous pensé là avec Neymar? Regardez, écoutez-le. Qu'avez-vous pensé là, Rio, chute ça là, de cette histoire avec les cartons là? Encore une fois, c'est à l'image. C'est à l'image de ce qu'est en train de devenir l'arbitrage. Il n'y a plus personne qui peut rien faire. Les gens ont tous. Les joueurs ne peuvent plus rien faire. Entre l'avare, les cartons jaunes parce que tu célèbres les buts. Tu dois marquer, tu célèbres, pour célébrer ton but, il faut attendre 5 minutes à savoir s'il y a but, s'il n'y a pas but. Et après quand il y a but, tu célèbres.
à ta façon, parce que Neymar depuis le début de la saison il fait ça, c'était pas seulement pour ce match. Tu es content de marquer, tu veux faire un truc, pendant tu prends une biscotte. C'est un carton gratuit qui sert à rien et qui peut être pénalisant pour la suite. Ouais, mauvaise interprétation de l'arbitre. Je l'avais dit, mauvaise interprétation. Après c'est aussi la connaissance des joueurs et de leur célébration. Les entraîneurs, ils étudient l'équipe adverse. Je pense que quand tu es arbitre, eh bien, tu regardes aussi un petit peu les joueurs qui sont potentiellement qui vont marquer des buts, leurs célébrations, surtout les grandes stars comme Neymar, on les voit quand même tous les week-ends. Et il faut juste un petit peu se renseigner. Parce que ouais, c'était pas en rotation, c'est comme a dit juste un carton inutile. On aurait pu s'en passer de cette histoire. La perception, Steven, la perception. Ça y est, l'année d'adaptation est passée. On a, semble-t-il, trouvé la dernière phase de la mue de Messi au Paris Saint-Germain. Qu'en pense la rédaction de SoFoot avec toi? Après, je ne suis pas son plus fervent supporter, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce Messi-là, de voir Lionel Messi en fait au PSG. On le sent plus apaisé, je pense qu'il a peut-être aussi digéré son transfert au PSG qui n'était pas forcément sa première volonté. Et puis il y a aussi quelque chose, il y a la Coupe du Monde dans 2 mois, et il est focus Coupe du Monde, donc en fait il veut se préparer, il veut être prêt dans 2 mois, donc du coup il est prêt maintenant pour être prêt dans 2 mois. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif, soit pour lui ou pour Neymar, c'est pareil. Je pense que s'ils sont aussi bons en début de saison, c'est aussi parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive très vite et ils veulent être prêts pour l'événement. Aurore, en parlant de Messi, on l'a vu omniprésent face à Brest. Je crois que c'est un élément qui a trouvé raison. Oui, on va partir avec l'élément T2. C'est un petit extrait d'une émission ESPN en Argentine. Alors, on s'est dit, tiens, le PSG n'a gagné que 1-0 face à Brest. Et certains spécialistes ont dit, ouais, mais bon, ça voulait dire que quelque part, le trio offensif était un petit peu en deçà. Alors, le consultant présent sur le plateau lui a dit, attention, il faut y aller mollo, parce que un championnat, ça se joue sur la durée. Il faut pas être non plus trop exigeant. Et puis, on rappelle quand même que Lionel Messi a fait une passe décisive et qu'il a des statistiques quand même qui sont assez très intéressantes pour cette saison, et notamment aussi en Ligue des Champions où Lionel Messi a quand même réussi des stats énormes, et notamment il est devenu le joueur qui a marqué contre le plus d'adversaires différents en Ligue des Champions, je crois que c'est 38 ou 39, et puis il est celui qui a le plus marqué sur la durée de participation à la Ligue des Champions. Rio, tu nous en parleras pendant le match, parce que je sais que c'est ton focus. J'ai eu 13 poteaux pour Lionel Messi en Ligue 1. C'est l'ensemble. Brest en a mis 14. Brest, toute l'équipe en a mis 14. C'est pour te dire à la différence. Il fait une énorme saison là aussi, lui. Hein. Bien sûr, mais moi je le savais, je l'avais dit. Tu nous l'avais dit. Moi je l'avais dit, quand tu fais 22 ans dans un club et que tu changes de club, il y a forcément un temps d'adaptation. Tu changes de langue, de culture, de football, de façon de vivre. Tu vivais en Espagne, à Barcelone, où il fait bon vivre, à Paris aussi, mais c'est dans une autre façon de vivre. Et il fallait un temps d'adaptation, alors plus ou moins long. Mais l'année dernière, on oublie aussi que l'année dernière, il a touché énormément les montants, les poteaux, les barres. Et cette année, voilà, Ludo Jules l'a dit, c'est un autre registre. Il vient chercher les ballons un peu plus bas, il est dans la dernière passe, mais voilà, on voit qu'il est en train de retrouver son niveau, peut-être parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais ça fait plaisir de voir un Messi souriant. On va prendre l'élément 4, les amis en régie, l'élément 4 qui concerne cette semaine, Marquinhos. Quel joueur avec effectivement cette une de presse où on évoquait les doutes qui pouvaient planer autour du capitaine du Paris Saint-Germain cette saison qu'on estimait moins performant, et ce depuis le match face au Real Madrid et l'élimination en mars dernier. Abel, est-ce que tu étais d'accord avec ce papier, notamment du Parisien? Est-ce que tu sens, toi, que Marquis n'est pas oui le Marquis de la saison passée? Après aussi, il y a aussi le choc, ce qui s'était passé à Bernabeu, il faut qu'il digère ça. Donc c'est aussi, je pense qu'il est encore dans la saison passée, mais il faut qu'il laisse tomber ça, qu'il
qui mettent ça à la poubelle, qui se focus sur la situation actuelle là, commencent un peu à se réveiller quoi. Ouais, moi je sais pas tant, c'est pas tant dans le jeu que Marquinhos, je trouve un peu moins bon que l'an dernier, surtout dans sa, bah dans son côté capitaine en fait, je trouve moins bon en tant que capitaine par rapport aux autres années, j'ai l'impression qu'il arrive moins à s'imposer, qu'il est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu qui va moins bien que les autres années, plus ça que dans le jeu, il est un peu moins bon, mais ça reste un bon défenseur, mais c'est vrai que dans le côté capitaine, je trouve un peu moins bon, ouais. Les ballons, donc non, pour moi, c'est toujours un joueur fiable, un joueur solide, le joueur qui représente pour moi le plus le PSG, qui a l'état d'esprit, et voilà, il fait jamais de vagues en dehors, et sur le terrain, il est toujours bon. Alors oui, ce match à Madrid, je pense qu'il ternit un peu son image, hein, qu'il a depuis qu'il est au PSG, mais dans l'ensemble, franchement, moi, je suis entraîneur, vous mettez des joueurs comme ça, je les veux tout le temps. Hein. Bah oui, en fait, j'ai l'impression que, comme Léo l'a dit, toute sa période PSG a été résumée sur ce match-là, sur le match du Real Madrid, où c'est vrai qu'il est passé complètement à travers. Et après, il est vrai que sur cette fin de saison, après le Real Madrid, il a relâché complètement et c'était pas le Marquinhos, le vrai Marquinhos. Cette saison, on le retrouve avec son réel niveau. Ça va ? Et toi ? Ça va, toi ? Cédric Kuras, avec qui j'ai joué au Sporting. Et voilà, donc moi je suis pas inquiet pour Marquinhos, c'est le patron et il va le rester. Aurore, le coach s'est exprimé, on lui a posé la question à Christophe Galtier. Oui, Marquinhos. Alors la question a été posée, on partira avec l'élément T46 avec le son en régie, la question a été posée en deux temps. D'abord sur son rendement sportif où Christophe Galtier était clair, lui il estime qu'il y a aussi une période d'adaptation. Et sur le capitana, alors on a soulevé en conférence de presse l'émergence naturelle, le charisme naturel du leader de Sergio Ramos. Donc, enlever le capitana à Marquis, ça fait 10 ans qu'il est au club. C'est un joueur important du club, il connaît tout, à la fois du club, du championnat. Il a cette capacité aussi à pouvoir parler et échanger avec des arbitres, quand il y a des situations où les arbitres ont besoin d'échanger. Donc en aucun cas j'ai pensé lui enlever, lui retirer le capitanat. Sur la capacité à être un bon capitaine, il est irréprochable, il sait à quel moment il doit parler, il sait à quel moment il doit intervenir, il sait à quel moment il peut venir me voir pour partager avec moi sur certains points de vue, de manière non pas individuelle mais de manière collective, comment on peut aménager aussi nos temps de récupération, nos semaines. Non, en aucun. Et du coup, Christophe Galtier a aussi ajouté dans cette conférence de presse qu'il avait plusieurs hommes aussi sur qui il se repose. Il y a un capitaine, il y a aussi des leaders dans le vestiaire, dont Sergio Ramos. Mathieu Bolt, on va devoir, comme tu le sais, bouger, changer de position. On va monter d'un tout petit étage, aller se positionner. Est-ce que tu peux driver avec Abel et Steven, et notamment sur l'après Ligue des Champions? Je sais que tu as pas mal d'éléments sur Haaland, sur le Barça-Bayern. On a en tête le match du PSG dans cette Ligue des Champions. Mais échanger quelques instants sur ces retours médiatiques Ligue des Champions. Et on se retrouve sur la passerelle. Ok pour toi? Ok. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors Abel, Steven, je vais vous demander un petit peu votre collaboration, votre participation active. Alors juste un petit mot pour revenir sur les compositions d'équipe de ce soir. Est-ce que quel est votre avis? Je te laisse commencer, Steven. À toi l'honneur. Allez, bah, je commence. Non, moi j'étais très surpris des deux côtés en fait. Du côté lyonnais, j'étais très surpris de l'association Dembélé-Lacazette, mais de manière je suis assez content de ce. Enfin, c'est une bonne surprise pour moi, cette double association. En revanche, côté parisien, la surprise Vitignac sur le banc, ça, je la comprends un peu moins. D'autant qu'on a vu contre Monaco que quand Vitignac était suspendu, c'était compliqué au milieu de terrain. Après, à voir si c'est en raison de sa blessure de la semaine dernière, si c'est physique ou pas. Mais si c'est juste pour donner du temps de jeu à Fabian Ruiz, je me dis qu'il pouvait attendre une semaine pour lui donner, quoi. Fabian Ruiz, d'ailleurs, si pour la petite anecdote, je pense qu'à SoFoot, vous êtes hyper friand sur ça, c'est le fils de Carlo Ancelotti qu'il avait fait venir à Naples, Davide Ancelotti, dont la
femme est une Sévillane. Et pour l'époque, pour l'anecdote, à chaque fois, il allait à Séville assister au match quand il allait voir sa compagne. Et du coup, c'est là qu'il est, entre guillemets, selon ses termes, tombé amoureux de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, toi, Abdel, composition du PSG, est-ce que pour toi, un jour, il va falloir faire souffler la Messi, Neymar, Mbappé? Bah ouais, mais là, c'est contre Lyon, donc tu dois les faire jouer. Mais à la limite, contre des adversaires comme Brest. Après, j'ai pas envie de dire oui, parce que contre Brest, ils ont souffert. Mais il faut qu'ils soufflent un peu. Il faut qu'ils soufflent un peu. Mais surtout, Verratti, à côté de lui, Fabian Ruiz, faut voir. Parce que Vitinha, comme il disait Samir Nasri, je crois pas que quand ils vont arriver à l'heure de vérité en Champions League, je sais pas ce que ça vaut. Bon, on va faire une petite digression, on va parler un petit peu de Ligue des Champions, on va parler aussi d'un joueur qui marque l'Europe, qui, par ses statistiques, est parfois supérieur au cadre que nous avons au Paris Saint-Germain, c'est Haaland. Haaland, il a encore continué à marquer hier, c'est le roi actuellement en Angleterre, c'est le cadre de Pep Guardiola. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer un petit élément, T4. Vous avez le vrai Haaland et vous avez le faux Haaland. Alors vous allez me dire, ils se ressemblent énormément. Quand on va découvrir les images, vous avez le droit de rigoler, vous avez le droit de dire que c'est pourri, mais bon, c'est pas grave. ça fait un peu l'ambiance. Donc le voilà. Il ressemble ou pas? Attends, j'ai pas encore l'image. Ouais, j'ai pas non plus, c'est décalé. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que c'est le bon choix d'être allé à est-ce que c'est le bon choix d'être allé à Manchester City pour à Haaland, parce que Guardiola avait vraiment besoin d'un numéro 9. Ah oui. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est le bon choix. C'est le très bon choix. On va partir avec les éléments T29 et T40. Ça, on va revenir sur son but en milieu de semaine en Ligue des Champions. Donc, c'était la loi des ex parce qu'il était revenu à Dortmund. Et son but, un but à la Zlatan, on pourrait dire, mais c'est aussi un but, selon Pep Guardiola, à la Johan Cruyff. Alors, on vous a ressorti un petit peu la photo du but de Johan Cruyff. C'était contre l'Atlético. C'était en saison 1973-1974. Et ce but avait marqué les esprits. Donc, pour vous, est-ce que aujourd'hui, Haaland peut devenir le meilleur attaquant en Europe? Il y a de très grandes chances. Il y a de très grandes chances. Mais vas-y, Steven, je t'écoute. Non, j'allais dire, il est peut-être déjà devenu, en fait. Il est fait peut-être déjà, pour moi, c'est déjà monstrueux ce qu'il fait. Et il a de grandes chances d'être le meilleur. Avec Lewandowski, Benzema, mais c'est vrai ce qu'il fait depuis plusieurs années. Et là, depuis qu'il est à City, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il peut vraiment marquer. Ouais, c'est. Est-ce que quelque part vous êtes surpris par la rapidité de son adaptation? Parce que souvent on dit qu'il faut un petit temps pour être performant, et là ils y sont allés tout de suite. Ouais, je suis très, très surpris, vachement surpris, parce que, ouais, comme tu as dit, il faut 3-4 mois en joueur pour s'adapter, parce que c'est un changement de culture, changement de langue et tout. Et lui, pas du tout. Il arrive et il plante direct. Il joue à Manchester depuis 4 saisons. Donc je suis très très surpris. Et on va faire un petit mot rapide sur l'autre grosse affiche, l'une des grosses affiches de Ligue des Champions, c'était évidemment le Bayern-Barça avec l'élément T23 en régie, parce que, on va être honnête, c'est un petit cartoon de Fortunes, vu du vestiaire de façon tout à fait malhonnête et de façon tout à fait commandée. Voilà comment étaient les joueurs du Barça avant d'entrer sur le terrain à Munich, parce que on sait qu'il y a un passif, on sait qu'il y a... quelque part un peu la trouille des échecs et des claques passées. Donc ça s'est encore une fois pas très bien passé, même si dans le jeu, Xavi a déclaré que son équipe aurait mérité de gagner et que le score ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre. On va partir avec l'élément T24. C'était à la fin du match, vous allez voir l'accolade entre Robert Lewandowski et Johan Laporta, parce que le Robert Lewandowski en Espagne, on a dit qu'on l'attendait énormément sur ce gros match et malheureusement ça n'a pas réussi. Donc vous, alors deux questions en deux temps. D'abord, est-ce que Lewandowski vous a déçu et vous déçoit parfois dans les gros matchs? Et deuxièmement, est-ce que ce Barça commence et peut de nouveau rivaliser sur la scène européenne? Bon, bah, je vais commencer avec la première question. Déjà, il a roi de rater les occasions. Ça reste Lewandowski. Il a déjà mis plein de buts depuis le début de saison. Il en mettra 50 à la fin de l'année. C'est juste qu'effectivement, il n'est pas passé à côté, mais il a vraiment raté ses occasions, des occasions qu'il ne rate pas habituellement. Et après, sur le Barça de manière générale, effectivement ça se met en place et ça, c'est plutôt contre le Bayern Munich, c'était plutôt agréable à avoir joué, c'était plutôt cool, quoi.
Abel? Ouais, en fait, non, je suis pas déçu parce qu'il y a eu deux grosses occasions que normalement il avait mis au fond. Donc oui, je suis pas déçu. Donc mais je les attends au match retour au Camp Nou. Et puis oui, le Barça cette année va tout remporter. Un petit mot sur les prestations françaises en Europe. Alors on va parler de vite fait de l'Olympique de Marseille. On va parler de Rennes, des clubs engagés. Est-ce que y a que Paris qui a sauvé l'honneur? Ouais. Vas-y Abel, je t'en prie. Ouais, c'est Paris qui a sauvé l'honneur à Marseille. J'ai rien compris comment ils ont réussi à perdre ce match quand ils voyaient gagner. Et puis en même temps, c'était Francfort en face. Ils ont remporté la Ligue Europa l'année passée, donc il fallait faire gaffe un peu. Et puis sinon, c'est Paris qui a sauvé l'honneur. Donc, comme ça pour Paris, quoi. Est-ce que, Alex, vous nous entendez? Parce que là, je suis en train de me faire engueuler sur les réseaux sociaux. On me demande de la fermer pour laisser l'ambiance. Alors, je vais me taire et je vais laisser l'ambiance si la magie de la technique marche. Il faut pas. Vous ne pouvez pas critiquer Aurore, c'est pas possible. Non. Elle vous assure le meilleur des compétitions européennes. Et regardez, c'était le temps pour nous aussi que l'éclairage revienne et qu'on vous assure le meilleur de cette retransmission. On va en profiter ainsi pour remercier Abel de nous avoir apporté son éclairage dans cet avant-match. Abel, mille merci de nous avoir accompagnés depuis la Suisse. Dans quelques minutes, nos joueurs seront sur ce pelouse. Ce soir, on va aller chercher les trois points tous ensemble. Avec je ne sais pas si on a entendu Abel ou pas. Je ne sais pas si on t'a entendu, mon cher Abel. Steven, si tu nous entends depuis la rédaction avec... Merci à vous, merci. On vous salue, les copains. Merci. Et on vous remercie d'avoir été dans cet avant-match. Merci, Steven. Merci Abel. Merci à vous. Salut. Merci à vous. Merci. Ouais, merci, on va se plonger dans ce Lyon-Paris-Saint-Germain. On vous rappelle que Paris peut ce soir être seul leader. Après le match nul de l'Olympique de Marseille cet après-midi, match ultra important, capital, Rio-Jus, on vient d'assister à un show laser en musique d'ambiance de fou furieux. Ça fait penser un peu au show en Espagne, t'as fait l'Atletico. Oui, c'est vrai. Ça ressemble un petit peu à ça, et franchement c'est bien pour le spectacle, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là, même si à l'école demain, on en voit beaucoup dans les tribunes, mais je pense qu'ils se régalent le foot de ce spectacle, et Lyon en tout cas ils ont fait ça très très bien. Il y a encore un tifo, là regarde, il y a derrière le virage sud, ça s'appelle plus comme ça, mais c'est une entrée, ouais, c'est impressionnant de voir tout ça pour un match de foot, un stade plein, ça fait plaisir quand même. On vous rappelle les compositions d'équipe avec une surprise du côté du Paris Saint-Germain. C'est la titularisation de mon frangin, Fabien Ruiz, qui est titulaire. Côté Paris, pas de Vitinha, associé à Verratti. Choix Rio, Fabien Ruiz. Ouais, choix fort hein, de Galtier. Voilà, comme je dis tout à l'heure, il essaie un peu de concerner tout son effectif. Et c'est une bonne chose parce qu'au moins il sera tout de suite au cœur du jeu et face à une très belle équipe de Lyon. Donc au moins on va voir ce qu'il a dans le ventre pour ce premier match titulaire avec le PSG. Et j'ai le choix fort de l'Olympique Lyonnais, c'est ce changement tactique. Deux attaquants choisis par Peter Bosz, confirmation par Ludo Juli. On aura et Lacazette et Dembélé titulaire. Ouais, on s'y attendait un peu ces derniers temps. L'Olympique Lyonnais avait du mal offensivement et beaucoup demandaient qui est ce duo devant, parce que voilà, Dembélé, à chaque fois qu'il est rentré, il a fait son boulot et même bien plus. Et Lacazette, c'est le patron de l'équipe. Donc tout le monde voulait voir ce duo et ce soir, je pense qu'on ne peut pas faire mieux en termes d'affiche. On a parlé de pression avant ce match, pression essentiellement sur Peter Bosz, on l'a vu avec Vincent Ponceau, le directeur du football, mais pas seulement finalement pour Galette. Après ces trois matchs, comme on a dit, poussifs, il va falloir que Paris montre aussi un autre visage, c'est peut-être ce soir face à Lyon. Ouais, et c'est aussi voir un peu l'impact qu'il a sur l'équipe et notamment sur les trois de devant. C'est pour ça qu'il est venu avec l'appui de Luis Campos. On a pas mal observé le manque de travail défensif des trois devant. Donc là ce soir on va avoir un élément de réponse. Est-ce qu'ils sont capables d'écouter leur coach et de travailler avec le collectif pour les aider tous, parce que derrière ils souffrent. Hein. Alors après il a mis aussi Fabien Ruiz pour ça. Pour pas qu'il y ait non plus que ça parte trop dans tous les sens avec Vitinha et Verratti. Il a mis ce joueur aussi pour mettre un peu d'impact. C'est vrai que c'est pas non plus le Golgoth que tout le monde voulait, mais
c'est un autre profil que Vitinha et Verratti. Donc on verra ce que ça va donner. Mais il y a aussi, c'est vrai, ce trio devant qui plombe un peu le travail défensif du PSG ces derniers temps. Et peut-être que l'affiche va leur donner envie. C'est pas mal du coup ce qu'on va avoir. Je sais que Jules, tu m'as préparé, tu vas nous le dévoiler tout à l'heure, un focus sur Cacré. Mmh. Mais Cacré Tolisso face à Ruiz Verratti. C'est ça. C'est pas mal ça les gars. C'est ça, je suis curieux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, ça va être pas mal, hein, franchement. C'est deux duos qui sont très sympas, deux des meilleurs duos évidemment dans le championnat. Quand on parle d'un duo du PSG, peu importe lesquels, mais voilà, ça va être vraiment une opposition intéressante. Et au milieu de terrain, il y aura vraiment cette bataille. C'est vrai que Peter Bosz, il nous a dit tout à l'heure que c'est le système qu'on l'anime, etc. Mais je pense que si on n'a pas le travail des deux excentrés côté Lyon ou un des deux attaquants qui vient aider le milieu de terrain, ça va être quand même très compliqué pour eux. Mais je sais que avec les trois de derrière, si Hakimi et Nuno ne font pas le travail, côté lyonnais, ça peut aller très très vite et ils peuvent punir le PSG. Maintenant, encore une fois, si le PSG est dans un bon jour, ça peut être très compliqué aussi pour l'Olympique Lyonnais. C'est le premier gros match du PSG cette année en Ligue 1. Donc à voir ce que ça va donner. Coup d'envoi donné par l'Olympique Lyonnais avec Alex Lacazette aux côtés de Dembélé. On vous l'a dit, c'est la, non pas surprise, mais la nouveauté. C'est parti avec Cacré qui est venu se mettre en opposition sur Kylian Mbappé pour éviter de voir le numéro 7 du Paris Saint-Germain venir mettre la pression sur la première relance de Lyon. Ça sent la poudre les gars, je peux vous dire, ça sent la poudre ce soir. Et gros pressing lyonnais tout de suite. Hein. Ouais. Mais tu vois, de suite, Lacazette a pris le ballon et Ruiz lui est tombé dessus et a récupéré ce ballon. C'est quelqu'un de très physique. Hein. Premier accrochage, il est signé Tolisso qui a dit à sa défense centrale. Qui dit à Thiago Mendes, exactement. Venez tout de suite. Et c'est un élément qu'avait dit tout à l'heure Ludo Juli. Exactement. Il aurait dit quand je les vois arriver, faut prendre du recul sur Mbappé. Et ils ont, à mon sens, trop reculé. Là, ils ont trop reculé. Il y en a qui sortent, Il était 5 autour de lui. C'est ce qu'a dit Tolisso à sa charnière. Il a dit hop, venez mettre le tampon tout de suite. Bien sûr. C'est pas à moi de rattraper là. Ils sont montés au début. Si on revoit l'action au début, ils sont montés sur Mbappé et d'un coup, ils se sont reculés. C'était pas la chose à faire. Je vous rappelle les amigos, si vous êtes avec nous, téléchargez l'application Free Ligue 1. L'option gratuite est très simple, quel que soit votre opérateur, vous téléchargez l'application dès qu'il y a un but, vous l'avez en quasi temps réel avec une petite bullet point qui s'affiche en haut de votre application, vous cliquez dessus, vous avez le but et au terme de la rencontre, 15 minutes après le match, vous avez le résumé complet. Si vous êtes sur l'option payante, vous avez une forme de clipping, dès qu'il y a une action qui se déroule importante, un clip vous est offert et au finish vous avez 30 minutes de la rencontre. Je vous dis bien 30 minutes de la rencontre. Le choix est pour vous, il est fait. Et vous restez avec nous gratuitement sur la chaîne YouTube jusqu'au terme de cette soirée. Ballon pour la défense du Paris Saint-Germain avec Ramos, Marquis et Danilo. Alex, on précise que ce soir, Neymar dispute son 100e match en Ligue 1. Waouh. Quatrième meilleur buteur, toute compétition confondue du Paris Saint-Germain. Ça, on le sait également pour Neymar. Derrière les Cavani, derrière les Zlatan Ibrahimovic, derrière Kylian Mbappé, il a devancé Paoletta, le père Neymar, qui petit à petit fait son chemin finalement à Paris. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'entendre 100 matchs en Ligue 1 alors que ça fait 5 ans qu'il est là. Je trouve que ça fait peu quand même. Ouais. Ça fait peu, mais en tout cas, c'est un chiffre rond pour lui. Et surtout, il est très performant et il est très décisif, je pense. Ouais, bon là, il fait un début de saison tout simplement exceptionnel. Mais on a toujours cette Coupe du Monde. Moi, j'ai toujours cette Coupe du Monde en tête. C'est est-ce qu'il a ses stats justement pour préparer sa Coupe du Monde ou il a ses stats vraiment parce qu'il est en pleine bourre et qui réfléchit pas et qui joue sans penser à cette Coupe du Monde. C'est ça qui me gêne un peu. Lacazette qui vient de demander à Tété notamment de prendre le couloir, passer dans le dos. Lui, il sert de relais. C'est Lacazette qui s'est mis derrière Dembélé. C'est lui qui tourne autour de tout le monde et qui réoriente la phase offensive en demandant à Tété d'aller chercher le côté de Nuno Mendes. Ouais, c'est le patron. C'est tout simplement le patron, Lacazette. Quand il dit quelque chose, il faut le faire. Là c'est lui qui a récupéré le ballon, alors il fait une petite faute sur Neymar, il le pousse mais c'est lui qui allait le pousser quoi, donc il montre l'exemple. Tout de suite, hein, ils sont en contact. Faute encore sur Neymar, signé Malo Gusto.
on vient au contact tout de suite, c'est la demande, hein. c'est ce qu'a dit Ludo. C'est ce que nous a dit Ludo. Ballon pris, paf. On vient coller. Je sais pas si on tient comme ça 90 minutes, mais si c'est le cas, ça va envoyer le couscous, les gars. Ouais, c'est sympa à regarder quand même. Tu vois, bon, Ruiz, c'est un beau bébé hein, quand même. Ouais. C'est carrément un autre profil. À voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant. Danilo, le couteau suisse, comme d'habitude, qui vient se positionner dans cette défense. On rappelle, on a oublié de le préciser, l'absence de Presnel Kimpembe. Et c'est Danilo qui est entré dans ce jeu défensif. On avait vu la possibilité, comme l'avait dit Christophe Galtier à notre micro dans l'avant-match, qu'on pouvait éventuellement, c'est vrai, changer de tactique. Mais on va aller se priver d'un mec de devant. Ouais. Mais il y a d'autres possibilités. On peut aller faire d'autres choses avec une défense à 4. Est-ce que dans une défense à 4, d'ailleurs, messieurs, vous pensez que Marquis et Ramos seraient plus à leur aise que dans cette défense à 3? Même s'ils l'ont déjà fait, je pense qu'ils sont quand même plus à l'aise à 4. À 4, Attention. Attention à Neymar et Messi, les amis. Neymar et Messi, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Cinquième minute de jeu. Combinaison en une touche de balle. Incroyable. Pied gauche de Messi. Et ça fait 1-0 pour Paris. C'est allé très, très, très vite. C'est allé très, très vite. C'est, ça part de Mbappé, Neymar et qui la met à Messi. Et Messi, en une touche de balle, il sait déjà d'entrée avant qu'elle arrive, il sait où il va la mettre, il sait comment la mettre. Dégainez-moi vos téléphones, les amis. Dégainez-moi vos téléphones. Je sais que vous avez les applis chargées. On va observer de nouveau ce but pour aller le décrypter ensemble à la maison. Si vous avez tout ça également, allez checker sur votre appli. Et on va décrypter cette ouverture du score. Tôt, peut-être trop tôt pour Lyon, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais là, le projet de jeu, là, il va peut-être un peu changer. Hein. Ouais. Il va falloir se découvrir. Bon, alors après, voilà, c'est les 5 premières minutes. Est-ce que... Ah, c'est dur, quand même, quand t'es Peter Bosch, tu prépares ton match, t'as un plan de jeu, et au bout de 5 minutes, tu prends ce but. Lyon qui va réagir tout de suite dans la même intention qu'au début de match avec la montée de Malo Gusto. Décalage pour aller chercher Tété, la casette qui était derrière. Intervention de Cacré juste devant Neymar. Impeccable pour Tolisso. Peut-être la frappe, décalage sur le côté gauche avec Toko Ekambi. Il y a du Dembélé dans la surface, ballon perdu. Récupéré par l'Olympique Lyonnais. Écoute, moi je peux pas, j'ai un problème. Tu l'as pas encore ? Un problème est survenu. Alors, ça y est, Rio là. Ça arrive, ça tourne. Ça tourne, ça mouline, mais on va la voir en décryptage. Attention. Il y aura faute sur Messi. En tout cas, ils sont en jambes. La faute de Loukeba. Les trois devant. Loukeba qui a persisté. Ils sont plusieurs joueurs à persister avec ces fameuses chaussures vertes de l'équipementier aux trois bandes. C'est le dernier modèle sorti, mais vous pouvez imaginer que quand on est à Lyon et qu'on porte du vert, ça ne passe pas. Je peux vous dire, dans le virage Gaune, Dembélé, c'est un message qu'on a fait passer. Ah, le ralenti là. Ouais, Mbappé d'extérieur, en intérieur, il élimine trop facilement Cacré. Cacré, ouvre trop la porte. Cacré qui ouvre. Ouais, et là, après, là, une fois qu'il est vers l'avant, ça combine. Et là, paf. Il y a un problème avec les centraux qui sont restés derrière. Oui, parce qu'ils ont été attirés par la patte de Mbappé. Exactement. Mbappé qui les a suivis. Mbappé, les deux ont suivi. Il n'y en a pas un qui est venu décaler sur Messi. Et ils se sont fait happer. Très bon travail. Très bon travail. Danilo, très Lyon en contre-attaque. Et Danilo qui récupère derrière. Très bon travail, effectivement, sur l'avance offensive du Paris Saint-Germain. La combinaison entre les trois hommes, c'est métronome. Ouais. Et c'est là où on voit aussi l'importance d'Mbappé dans le jeu sans ballon. Parce qu'il a réussi à étirer les défenseurs et ils ont tellement peur de lui qu'ils le suivent et ça libère des espaces. Et les deux autres malins, ben ils s'en sont servis. Ouais. Donc Messi, on a un petit peu fêté sa première année après sa première titularisation un an après. Donc on en est à 45 matchs joués, 17 buts, 23 passes décisives et 2 titres. Et dis-moi, Mathieu Bolt, c'était l'anniversaire de son fiston, hein, Messi ? Ah, l'un des trois. On va partir avec l'élément T14 en régie, s'il vous plaît. Alors, c'était l'anniversaire celui qui est au milieu, entre les trois garçons.
Matteo, il a la réputation d'être le plus fourbe de la famille Messi dans une interview à TIC, un média argentin. Il avait dit que c'était une petite teigne. Je dirais même pas le mot qui avait été employé parce que c'est un mot qui en Argentine veut être beaucoup plus gentil qu'en France. Et ce petit gamin-là, il a fêté ses 7 ans avec toute la famille. Donc il y avait la petite cérémonie, il y avait Ciro, il y avait son grand frère, il y avait Antonella, et du coup on sait que Messi est très familier. D'ailleurs Neymar a expliqué la très bonne forme de Lionel Messi cette saison, notamment aussi par le fait qu'il ait retrouvé un équilibre familial, qu'il ait réussi à poser sa vie, son football, parce que dans un entretien à DAZN, nos confrères, on lui a posé la question sur son amitié avec Lionel Messi. Il a dit, de toute façon l'année dernière je ne le sentais pas très bien, cette année il est très épanoui, donc quand il est épanoui forcément le jeu va mieux. Il a aussi réussi à comprendre le projet de jeu et il a donné un nouveau sens à son jeu. Voilà. On a tous un enfant plus margoulin que les autres. Hein. Ah oui, je te le confirme. Toi aussi ou pas? Oui. Moi aussi, je confirme. Je te le confirme. Mais je vois c'est lequel, son petit, dans les vidéos, il fait que tacler. Exactement. Tu vois, à chaque fois qu'il joue au ballon, c'est lui qui met les tacles. Exactement. Fabien Ruiz à la baguette avec Léo Messi en retrait. Ouais. À 20 mètres, c'est plein axe. Décalage dans la surface des Neymar. La contre-attaque était fulgurante du Paris Saint-Germain. Bis répétita. Et on était tout près de la passe des de nouveau de Neymar pour Messi qui avait ouvert le pied. Les deux hommes se check. Encore impeccable, Zario. Ouais, et encore le même scénario. Hein. Ouais. Mbappé qui part. Appel de Mbappé. Ruiz s'est servi de lui. Il a joué vers Messi. Et Messi, voilà, encore la justesse de la passe. Elle arrive pile poil. Il la prend du droit. Et son collectif, ouais. Il la prend du droit, Messi. Ça va tellement vite de la part de Mbappé que les deux centraux de Lyon ont du mal à se dire vite lequel va et lequel sort. Ouais, ils ont du mal. Ça se chauffe un peu dans la surface, quand même bien méchant. Je sens quand même une équipe lyonnaise. Ramasse tout seul. Je sens quand même une équipe lyonnaise très nerveuse. Très très nerveuse. Qu'est-ce qu'il faut faire les gars quand on est dans cette situation du coup? Est-ce qu'il faut dès le départ se dire c'est toi qui choisis à chaque fois la profondeur et toi qui sors? Il faut mieux faire ça ou il faut agir en fonction de là où on est? Parce qu'on est en zone. Plutôt en zone, celui qui est côté ballon il joue, parce que si il est à l'opposé, il faut qu'il traverse. Faut savoir qu'une charnière centrale ne doit jamais se croiser. Si un joueur part dans le dos, il faut parler avant tout. Donc si le joueur est du côté de Thiago Mendes, c'est à Thiago Mendes de le suivre. Si c'est Luqueba, et ben non, c'est de la zone là. À ce niveau-là, c'est de la zone. Pas les deux en même temps comme ils sont en train de faire. Les deux coachs, Galette et Boss, sont sortis de leur zone technique en observation, les deux, et le ballon est dans les pieds du Paris Saint-Germain jusqu'à Fabien Ruiz. Ça va dérouler avec le capitaine Marquis. Après, c'est le fait que Lyon souffre un peu avec la vitesse d'Mbappé, c'est pas surprenant. On les avait déjà identifiés sur le premier match. Ils avaient du mal un petit peu dans le dos. Et là, c'est vrai que tout de suite, c'est ce qui sautait un peu à mes yeux, c'est qu'avec sa vitesse, Thiago Mendes, qui n'est pas défenseur naturel, ouais, central, il allait un petit peu souffrir. Et là, on voit que la charnière, carrément, elle souffre. Donc c'est... Et pour moi, Thiago Mendes, à ce poste-là, c'est une erreur. Erreur ? Ouais, depuis le début de la saison, pour moi, il a, c'est pas son poste. Il a rien à faire là. Et je pense qu'il y a un vrai problème à l'Olympique Lyonnais à ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. Hein. C'est vrai que Thiago Mendes, comme ça, moi je le préfère au milieu de terrain. Il est beaucoup plus impactant. C'est un bon joueur. Il met du tempo. Il est agressif quand il est au milieu de terrain. Et derrière, ouais, il peut être bon pour la ressortie de balle. Mais sur les courses dans son dos, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Tactiquement, tu sens qu'il se cherche. Tu vois, on est dans l'exemple. Hein. Il sait pas s'il doit y aller, il sait pas s'il doit reculer, il sait pas. Et tout ça, c'est des trucs de formation. C'est que t'apprends. C'est la discussion qu'avait Tolisso tout à l'heure avec lui d'ailleurs. Hein. Messi récupère, a pris ce ballon, veut le donner à Kylian Mbappé. Le jaillissement de Malo Gusto, mais ça reste dans les pieds parisiens. Avec Achraf Hakimi, ballon dans la charnière centrale. Ça sortira proprement, oui. Mais derrière, Paris récupère Fabien Ruiz qui ouvre sur Kylian Mbappé sur le côté gauche pour entrer dans la surface. La frappe de Kylian. Ça attaque fort. Contré par le bloc lyonnais. Côté PSG, ça attaque fort. Et le bloc, ils ont perdu au moins 30 mètres, hein, le bloc lyonnais. Ouais, mais au départ, ils arrivent à presser haut et là... Ouais, mais j'ai remarqué que dès que Paris pose le pied sur le ballon, les 11 joueurs, même au début du match, les 11 Lyonnais mettaient derrière le ballon et tous dans leur camp. Il n'y en a pas un qui essayait de jouer un peu la carotte, la casette. Il est déjà un peu énervé parce que le pressing, c'est pas non plus... c'est pas un pressing de fou là, de la part des Lyonnais.
Tété est trop bas là. Voilà, il sert à rien là, Tété, en fait. Voilà. Ouais, c'est pour ça que Lacazette lui dit de monter d'un cran. Ouais. Et ouais, le capitaine qui lui dit monte d'un petit cran, monte, Kylian Mbappé dans la surface, Messi. Petite passe intérieure au niveau des 6 mètres. Heureusement, la sortie de Lopez, précieuse dans les pieds de l'Argentin, corner à suivre. Il y a un problème avec Tété qui ne s'est pas assez situé là, en fait, par rapport à Nuno et le joueur à gauche. Je ne peux pas dire qui est à gauche parce qu'ils font que changer les trois. Ouais, c'est dommage que Mbappé prend cette option. Il y a Neymar dans l'axe tout seul. Alors c'est bien, il est collectif, il sert Messi. Mais t'as Neymar. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que les deux ils sont checkés, donc il n'a pas tenu rigueur. Mais il avait l'option Neymar. Corner de Messi, c'était pour la tête de Sergio Ramos. Ça sera pour celle de Cacré au premier poteau. Repoussé, le ballon revient sur Messi. Toujours sur le côté gauche, on regarde dans la cage de Lopez. On va chercher au milieu peut-être une position de frappe avec Danilo. Décalage jusqu'à Achraf. Par-dessus, à droite maintenant avec Fabian Ruiz qui va s'incruster dans la surface. La frappe de Kylian Mbappé sur Lopez. Quand ils sont comme ça, ils sont injouables. Neymar, si les trois, regarde, les trois défendent. Enfin, pas Messi, mais Neymar qui redescend derrière. S'ils alternent et qu'au moins 2 sur 3 défendent, ça passe. Ouais, c'est bien sûr. Ça serait bien pas mal. Si on alterne. Bien sûr. Mais tu vois, les trois se mettent derrière le ballon. S'ils font tout le match comme ça, ça va être compliqué. On a Titi 83 qui nous demande votre avis sur le début de match de Fabian Ruiz. Très bon. Moi j'aime bien. Ouais, il est intéressant, franchement, il touche beaucoup de ballons, il joue vers l'avant, il est disponible. Ouais. Et puis il est aussi impactant, il a un bon gabarit. Non, franchement, pour l'instant, il se situe bien, puis il vient pas chercher dans les pieds, hein. Il essaie de se mettre entre les lignes. Donc c'est intéressant. Là, il a un gabarit à la Rabiot finalement, un peu. Ouais. Finalement. Ouais, dans le profil, mais gabarit. Hein, à la Rabiot, un peu plus, ouais. Tu vois, plus Thiago Motta. J'allais dire à la Thiago Motta, voilà. Mais il fait ce qu'il sait faire. Voilà, il s'invente pas une vie, il s'invente pas un truc de technicos. Il est là, il se cale entre les lignes pour libérer justement, ce qu'on vient de voir, pour libérer Messi qui redescend un peu plus bas pour faire le jeu. C'est intelligent, c'est très intelligent ce qu'il fait. Il fait un bon début de match. En régie, les amis, est-ce que vous pouvez me mettre l'élément 9 dès que je le vois apparaître? Juge, je te donne la main pour ton focus. Cacré, c'était un élément important dans ce début de match. Le milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais qui court énormément autour du ballon des Parisiens. Très dur à prendre. Dès que cet élément apparaît, le voici. Maxence Cacré, focus, signé Julien Palmieri. Alors, ce jeune Maxence Cacré qui est un 2000, hein, c'est un gone. C'est un jeune joueur formé à l'Olympique Lyonnais. C'est un profil un peu unique dans cet Olympique Lyonnais. C'est un jeune joueur qui est capable et de harceler et d'aller chercher le ballon dans le pied de l'adversaire. Et après, qui est capable de jouer au ballon, de combiner. C'est très bien qu'un joueur comme Tolisso soit venu à ses côtés pour lui donner encore un peu plus d'expérience et de confiance. Mais en tout cas, c'est un joueur d'avenir. Il frappe de loin, il frappe aussi beaucoup de loin, chose qu'à l'Olympique Lyonnais, on n'avait plus trop. Encore une fois, Tolisso est revenu au club et ça va aussi l'aider à se lâcher un peu plus à tous les niveaux pour Cacré. Donc moi, j'ai voulu faire ce focus et le mettre un peu en lumière parce que c'est un très jeune joueur. Mais par contre, on a l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il joue parce qu'il a atteint une espèce de sérénité au milieu du terrain pour son jeune âge qui est assez impressionnante. Et il a tout simplement gagné sa place alors qu'il y a quand même du beau monde. On parle beaucoup du jeune Le Penant qui est aussi très bon. Il y a Tolisso, il a fait reculer mine de rien Thiago Mendes. Donc c'est un très bon joueur et qui est malheureusement assez seul dans cet Olympique Lyonnais dans son profil. Focus signé Julian Palmieri. Rio, tu abondes ? Oui, clairement c'est un super joueur. J'entends son nom depuis très jeune par des coachs qui me parlaient de lui. En jeune, il était déjà surclassé. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas non plus un gabarit énorme, mais il est capable de s'imposer par ses courses, par son agressivité. Et franchement, pour moi, ça représente un des joueurs d'avenir de l'Olympique Lyonnais. Ils doivent baser peut-être à l'avenir l'équipe autour de lui parce que voilà, il représente l'esprit lyonnais. Et franchement, je pense que s'il continue comme ça, il aura certainement un avenir en bleu. Ouais. Il a un très gros volume. Très gros volume.
D'ailleurs, Matty Bolt, associé à Tolisso. Tolisso, bien évidemment, qui s'est penché sur l'équipe de France cette semaine en conf. Oui, alors on l'a entendu en conférence de presse parce que vous savez évidemment qu'il n'est pas sur la liste de Didier Deschamps. Donc on va partir avec l'élément T34 en régie. Question lui a été posée sur son absence sur la liste. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y croit encore par rapport à la qualification et par rapport à la possibilité d'être dans le groupe pour la Coupe du Monde? Espoir. Je vais pas vous mentir, j'avais un petit espoir, bien sûr. Après, c'est vrai que par rapport à l'enchaînement des matchs, à tout ce que j'ai pu avoir précédemment, c'est vrai que c'était un peu tôt aussi. Il faut plus que je joue, que je monte en rythme, comme je l'ai dit, que j'enchaîne les matchs et puis que voilà, que je sois très très bon. Oui, parce qu'il est aussi content d'avoir un peu de continuité, parce que ça c'est très important pour pouvoir éventuellement postuler à la Coupe du Monde. Et là, il est heureux d'enchaîner les matchs parce qu'on sait qu'il était arrivé du Bayern, il avait un petit problème musculaire au mollet et du coup ça lui avait un petit peu tronqué sa préparation avec l'Olympique Lyonnais. Tolisso, équipe de France ou pas, les gars? Non. Pour moi, non. Non. C'est d'une trop tôt et de deux, en ce moment, il y a meilleur à son poste. Ouais, il faut qu'il monte plus avec l'Olympique Lyonnais. Là, pour le moment, ce début de match, même Cacré, je trouve un peu au-dessus. Donc, ouais, il faut qu'il montre un peu plus, je pense, pour revenir en. Lyon qui vient de nous offrir un mouvement offensif assez intéressant pour aller chercher sur le décalage, qui avait un bon 3 contre 3 à jouer, mais l'avant-dernière passe a été un passé dans le bon tempo qui a permis aux Parisiens de revenir. Et sur cette phase de transition, je peux vous dire que j'ai vu les mecs revenir. Bon, Hakimi est revenu comme une fusée. Par contre, Fabien Ruiz, je pense que c'est quand même un profil qui est assez lourd. Il a mis vraiment du temps à. Il est au même rythme que Ramos pour revenir. C'était quand même impressionnant. Là, il vient de m'insulter un Ruiz et il vient de m'insulter Ramos. Alors là, le mec, il vient de me détruire. Les mecs. le mec, il vient de me détruire. Il y a quand même Tété qui est plus que discret. Hein. Alors que bon, normalement, c'est ces joueurs-là, dans ce style de jeu, qui devraient être les déclencheurs. Alors que de l'autre côté, Toko Ekambi, voilà, tu vois, Toko Ekambi qui fait les appels, qui provoque. Ça oblige Ramos à venir couvrir la balle côté d'Achraf Hakimi. C'est ça. Chose que Tété ne fait pas beaucoup. Oh, bon ballon. Oh, bon ballon. Hop, le coup de boule signé Alexandre Lacazette. On se demande encore comment le cadre lui échappe. Ça, il faut pas le manquer, ça, les gars. Ah, ben non, ça, c'est ça, ballon d'un peu. Exactement, ils doivent être efficaces, ils ne donneront pas beaucoup. Mais là, Tolisso, il met un super ballon, franchement. Bon. Et on voit les défenseurs parisiens focus ballon. Et Lacazette, il ne peut pas manquer ça, pas lui. Il ne peut pas rater ça, pas lui. Exactement, pas lui. Pas lui. On l'a tous vu dedans. Ouais. Mais il lui met un sachet. Sortez-moi l'appli, les gars. Voilà. Sortez-moi l'appli, les gars. Sortez-moi l'appli, je veux voir le ralenti. Oh là là là. N'oubliez pas la c'est maison 1. Pour ça. Revoir l'action, comme ce n'est pas un but, il faut soit être abonné free, dans ces cas-là vous êtes premium, soit prendre l'option payante de l'application Free Ligue 1. C'est vraiment quelques euros, c'est pas grand-chose. Et vous avez la version clippée de l'action. Attention à l'occasion, la frappe. Elle est signée Toko Ekambi pour les bras de Gigi Donnarumma. Le groupe Ava Stadium est en train de monter d'un cran. Ouais, il réveille le stade et franchement là, les Lyonnais ils sont bien, ils sont dans un temps fort. Ça fait deux grosses situations où ils doivent au moins mettre un but. On le voit. Franchement, c'est bien, ça emballe le stade et c'est bien, ils récupèrent le ballon plus haut. Ils se parlent beaucoup au milieu de terrain. Ils sont beaucoup plus haut. Moi j'ai un problème de réseau, il n'y a rien qui marche. Allez, Alex Lacazette opérer des cordes vocales là pendant la trêve internationale. Et même pour vous dire que l'info a fait le tour de l'Europe, on va partir avec l'élément T43 parce que on a trouvé ça sur le site, la version numérique du quotidien espagnol AS. Vous allez voir, c'était écrit Lacazette va pouvoir chanter à nouveau sur ses buts. Parce que déjà, quand on l'avait interrogé, vous l'aviez interrogé lors de notre premier déplacement sur cette saison, on avait déjà remarqué qu'il avait les cordes vocales qui étaient un petit peu atteintes. Voilà. Exact. Polype au niveau des cordes vocales et cette opération qui va donc avoir lieu. Si j'ai mis un petit soufflet à Rio, c'est parce que je regardais l'occasion, je me dis comment il a loupé ça. Alex, comment tu loupes ce coup de tête là? Hop. Merci. Il y a nos copains Nico et Mickaël de toute l'équipe Free Ligue 1 qui nous rapportent quelques,
quelques denrées et pour nous rafraîchir également. C'est un bon match pour l'instant, les gars. C'est un très bon match de ballon. 24e minute et Paris qui mène à 1-0, je vous le rappelle. Neymar qui vient de se faire soigner sur le bord, là, légèrement touché. Mettez-moi juste moi, la plus générale, générale avec la belette. Marche pas. Juste que je remonte. Vas-y. Tac, 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 tac. Voilà, nickel. Voilà, comme ça, je vous montre. Et je vous rappelle, les amigos, regardez. Avec Pierre qui est derrière la caméra, on va montrer ça. Soit je rapproche un petit peu. Tu me dis, Pierre, si je rapproche encore. Je rapproche. Vous voyez en haut les petites bulles, ce sont tous les buts de la journée de Ligue 1. Vous pouvez les faire défiler, tous les buts sont là et c'est gratos. Et vous voyez le passage de Ludovic Juli à notre micro ici. Vous pouvez le voir facilement, c'était dans l'avant-match. Si vous voulez revoir l'interview, elle est là. Les buts sont juste au-dessus, vous pouvez les faire défiler. Tous les buts et c'est gratos, on vous le rappelle. Les sifflets, il faut que Lyon joue avec ça. Il faut que Lyon aille jouer avec ça. Ouais, il faut qu'ils arrivent aussi à monter un petit peu, là, parce qu'ils attendent Paris, vont pas sortir. Hein. Il faut qu'ils remontent un peu là, Lyon. Là, il faut remonter chaque passe en arrière. Ils doivent gagner 2 mètres, 3 mètres. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont assez d'énergie pour tenir ce rythme-là. Là, il faut regagner, tu vois, boum. Et là, regagner, boum. Il y a Galette qui est en train de d'opérer quelque chose. Il y a quelque chose qui le dérange. Là. Ouais. Ça, c'est la spécialité de Paris, ça. Quand ils n'arrivent pas, ils vont casser le ballon, casser le rythme. Ils reculent, voilà, et ils cherchent les fautes. Marquis dans le rond central, avec Fabien Ruiz qui vient réclamer ce ballon. Ramos est à droite. Il est servi, l'international espagnol. Tiens, Mathy Bolt, on parlait de Ramos, international espagnol. On a vu qu'il n'était pas dans la liste de Luis Enrique, alors finalement, on pouvait peut-être l'attendre. Oui ou non, est-ce qu'il va y aller? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, évidemment, on a demandé à Luis Enrique en conférence de presse s'il y avait de la place pour Sergio Ramos et puis pour les absents de la sélection. On va partir avec l'élément T42 en régie sur Gol TV. Alors, Sergio Ramos a dit, ma liste telle qu'elle est, ce serait pour si le mondial avait lieu demain. Donc, rien n'est fermé, rien n'est ouvert. Mais beaucoup de spécialistes, journalistes en Espagne estiment que ce sera très difficile pour Sergio Ramos de retrouver le groupe espagnol, de retrouver le capitana de l'Aurora, parce que déjà, Luis Enrique a construit et bâti un autre groupe et que peut-être que la présence omniprésente de Sergio Ramos pourrait perturber un petit peu son équilibre. Donc, en Espagne, on est plutôt pessimiste. Décalage pour le Paris Saint-Germain, couverture. Ramos en sélection ou pas, les gars? Ramos, on l'emmène au Qatar ou pas? Ramos, on la met dans cette équipe ou pas? Moi, je dirais que oui. Mais... Si tu me dis non, Rio, écoute-moi bien. Dans quel rôle? Dans quel rôle? Dans quel rôle? Dans quel rôle tu le veux? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi oui. Dans quel rôle tu le veux? En titulaire, en patron. Ambianceur, il amène le Castagne. c'est pas Adil Rami, hein. Non, mais là, il a retrouvé son niveau. Alors oui, c'est plus le Ramos d'il y a 10 ans, mais il mérite d'être appelé. Ben, moi, ce que je trouve compliqué, c'est l'équilibre. T'as un équilibre de vestiaire à avoir. Peut-être qu'il y a des nouveaux cadres. Ramos, il vient, naturellement, il va s'imposer peut-être. Il va prendre de la place. Est-ce que le coach, il a envie de ça? Mais c'est sûr que sur le terrain, il est bien revenu cette saison. Maintenant, il faut qu'il enchaîne. Mais là, il est bien revenu cette année. Le niveau est là. On sait qu'il a le niveau. Maintenant, c'est qu'est-ce que veut le sélectionneur surtout? Allez voir sur son compte Instagram. Je sais qu'Aurore a déjà jeté un coup d'œil. Il vient de se faire un dernier tatouage. La Tour Eiffel! Encore? La Tour Eiffel. Oh. Eh ouais, papa. La Tour Eiffel. Pour montrer également son amour à Paris. Cacré qui récupère ce ballon, comme le disait Jules à l'instant. Il va chercher. Voilà ce qu'on veut de Tété. Voilà ce qu'on veut de Tété. Allez, percuter là-bas sur le côté droit. L'intervalle est trouvé avec Dembélé. Ça repasse par Cacré. Tolisso qui décale maintenant avec Toko Ekambi là-bas sur le côté gauche. Peut-être avec la casette, la frappe de Toko par-dessus. Il y a un appel qui arrive comme une balle à gauche. Glisse-lui. Ça, c'est l'ancien latéral qui parle. Mais non, mais il arrive super vite. Il arrive, il est lancé, le mec il fait l'effort, mets-lui-en une quoi, juste pour voir. Mais bon, c'est pas grave.
Fais gaffe parce que moi, mets-lui en une, c'est pas le même langage. Hein. Non, mets-lui le ballon, quoi. Glisse-lui le ballon. Peter Bose toujours debout alors que Gallet, lui, est revenu, ça y est, s'installer dans le carré. Pas pour longtemps, j'en suis sûr. Récupère à Lyon dans le rond central. Oh là là. Pas pour longtemps. Messi là, qui fini. Prend ce ballon. L'appel là-bas sur le côté droit d'Achraf Hakimi, qui est parti comme un TGV dans la surface en retrait. Kylian Mbappé. Tu vois, la différence, elle est là. Messi a un appel, il lui met. Il met dans le bon tempo. Hein. Là, c'était pas dans le bon tempo pour Kylian. Ouais. Achraf avait fait l'effort. Maintenant, on a laissé le côté. Et du coup, Lyon va attaquer là-bas sur ce même côté. Sobhij Ramos à venir essayer d'arrêter Toko Ekambi. Le passage sur la casette. La casette, une fois, deux fois, la frappe. Non. Oh, ce qu'il a fait, Ramos. Et je vous dis, Ramos, il veut pas aller en section. Regarde ça. Oh, Ramos, il est tombé. Il est tombé, Ramos. Oh, mettre Ramos au sol comme ça, c'est rare. Alexandre Lacazette. Oh, j'ai cherché la ralentie là. Sur la relance, Ramos s'est trompé. Il envoie directement ce ballon sur Toko Ekambi. Toko peut-être pour frapper. Je peux te dire que la chute de Ramos, elle est virale. Dites-moi qu'il doit aller en section. Oui. Moi je persiste. Mais je te dis. Regarde Ramos. Regarde ce que vient de faire Ramos. Incroyable. Il vient de faire ça à Achraf et il lui a fait ça. Je m'excuse, il s'est incliné devant Achraf Hakimi pour lui dire « Je m'excuse ». Regardez, il met les deux mains sur le torse auprès de tous les coéquipiers pour dire « Pardon, 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 les gars, je me suis gouré ouais, ». Ah oui, non, il s'est bien trompé là. Et deux fois de suite. Hein. Mais je peux te dire qu'il va y avoir de sacrés montages sur sa chute. Ah ouais, ça je peux te dire que Matty Bolt, les mémés, comme on les appelle en Espagne, ça va y aller. Tu vas te régaler, Aurore. Régaler. Là pour l'instant, on est à 74% de possession pour le PSG. Avec un nouveau ballon sur le côté gauche. La montée de Nuno. Il était en position, le ballon est sorti. Vraisemblablement de l'aire de jeu, la touche sera pour Lyon. On a passé la première demi-heure. Lyon, ils vont s'en vouloir. Lyon, ils vont s'en vouloir quand même parce qu'ils ont, beaucoup de situations pour eux. Et ils doivent marquer au moins un but sur ces grosses situations, notamment la tête de Lacazette. Celle-là, c'est la plus grosse. Et voilà, ça concrétise pas leur temps fort, quoi. Cacré, passage sur le côté avec Gusto, qui va accélérer. Neymar est à la défense. Gusto est passé. Maintenant, face. Aïe. Mais ce côté droit ce soir, ils ont du mal. Gusto avait ouvert le champ à droite, c'était lui avait pris l'intérieur, mauvais appel, confusion, ballon perdu, rendu à la défense du Paris Saint-Germain. Lyon qui regagne quelques mètres pour le pressing. Ça joue sur Verratti qui est obligé maintenant de défendre, il est quatre fers au sol. Verratti sur la pression de Lyon, Mbappé récupère, main non signalée. Interception peut-être du milieu, double râteau de Mbappé qui passe entre 1, 2, 3 Lyonnais. Ballon dans le rond central avec Lionel Messi qui s'est remis dans le sens du jeu, qui veut tenter d'aller alerter Neymar. Faute de Lacazette. Regarde Alex, Alexandre Lacazette qui demande encore à ses deux centraux. Ouais, les gars, comprenez ce qu'il faut faire. Montez d'un cran, les gars. Je pense qu'à la mi-temps, ça va bien discuter là. Ça, c'est souvent les débats que tu as avec tes coéquipiers. Ouais. L'attaquant, ils veulent que tout le monde monte. Ouais. Le défenseur, ils veulent que ça redescende. Il faut trouver le juste équilibre et ça sera au coach de le régler. Et notamment à Tolisso, parce que Tolisso, lui, il est au cœur du jeu. Donc il peut ressentir les choses. Et il est venu aussi en tant que leader. Donc c'est à lui de diriger un peu l'équipe. Il est dans cette position de sentinelle. C'est là qu'il doit agir. Oui, mais c'est là aussi que Thiago Mendes, il y a Luqueba qui est très jeune. Luqueba qui est très jeune et Thiago Mendes qui joue pas à son poste. Donc forcément, ce genre d'automatisme, c'est compliqué. C'est compliqué dans ce style de match. Et c'est là où je dis que Thiago Mendes, il est pas à son poste et c'est pas un cadeau de lui faire jouer ce match-là, ce style de match. Ça passe avec Kylian Mbappé sur le côté. Gusto était monté d'un cran. Cacré est obligé de redescendre, couvrir. Mbappé dans la surface qui est passée. Mbappé une fois, deux fois, trois fois. Non ! Le centre-tir au premier poteau. Heureusement, le pied de Lopez pour enlever corner pour Paris. Voilà, Cacré dans le 1 contre 1. C'est dur, hein. C'est dur. Hein. C'est dur, il va tellement vite. Mbappé. Là, il a dû jeter un regard à Gusto lui disant « Papa, va pas trop loin parce que… » Reste à droite. Arrête de monter. «
Corner à suivre. Messi qui laisse ce ballon à Neymar. Est-ce qu'on va le jouer en deux temps? Voilà qui est joué. Monsieur l'arbitre, ouais, qui avait d'abord... ça chauffait depuis tout à l'heure. Ouais, ça chauffait, t'as bien vu, bien vu. Il y a notamment Ramos, je crois au deuxième poteau là-bas. Il aime ses frictions, il aime ses frictions sur les coups de pied arrêtés. L'international espagnol. Je dis l'international espagnol, hein. Allez, ouais, prends ça dans les langues. Tu l'as vexé, voilà, tu l'as vexé. Ah ben j'ai vu le premier même sur Ramos, Ramos Lacazette, il y en a certains qui disent que ça se rappelle un certain Messi Boateng en Ligue des Champions, ah, voilà. Ah, oui. Non là c'est trop violent là quand même. Ah bah, moi je répète ce que je vois, hein. Il est passé, ouais, tu as raison Thibault. Neymar était passé, il a cassé les reins, je sais pas si Cacré, c'est Cacré, Cacré encore. Ouh Cacré. Mais on là, est bien. Une. Là, oui, oh, bien joué, ça. Bien joué. Ballon le long de la ligne, ouais. Cacré en une a voulu adresser là-bas sur la position de Toko. Ça ne passera pas, dommage. Il faudrait que les Lyonnais arrivent à mettre une phase de possession un peu plus longue. Il faudrait qu'ils arrivent à faire courir les Parisiens. Il faudrait qu'ils arrivent à garder un peu le ballon pour faire courir, ouais. Parce que là. Il y a souvent un problème un tout petit problème de tempo de passe, ouais, côté lyonnais. De timing, ouais. De timing, c'est toujours un tout petit peu trop derrière à chaque fois et on perd un temps de. Il y a Lacazette qui vient sur le côté, qui vient chercher les ballons. Il voit, il parle à Tété parce que je pense qu'il voit que Tété est dans le dur aussi. Il a vraiment ce rôle de leader. Il le fait pleinement. C'est très bien. Il parle beaucoup. Tu vois là, regarde Rio, il dit, Lacazette, il dit qu'il faut se calmer. Voilà. Et ouais. Pas perdre. Prendre un temps bien de jeu. C'est bien amené, ouais. Ballon jusqu'à Toko là-bas sur le côté gauche, face à Achraf. Ouais, il est dédoublé dans son dos. Ça sert à rien, ça. Et voilà, ballon perdu par Toko. Téléphoné. Attention, ça part là-bas. Oh, s'il lui met. Ouh là 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 là. Ah là, faut profiter là. Allez. Alex Lacazette, plein axe, 25 mètres, ballon par-dessus pour aller chercher un coup de boule. C'était pas mal joué, mais pas assez dangereux pour bien évidemment déstabiliser Gigi Donnarumma. Il y a un problème aussi, c'est que ni Lacazette, Lacazette Dembélé, aucune connexion. Ouais, pour le moment, oui, c'est vrai. Zéro c'est vrai. Connexion. Je sais pas s'ils ont fait une passe, ils ont eu une passe l'un de l'autre, mais ils ont du mal à se trouver. Ouais, Lacazette qui est peut-être plus dans un rôle de numéro 10, il vient un peu sur le côté, ouais. Voilà, il vient un peu organiser le jeu offensif, mais c'est vrai que les deux, on les a. Après, les Lyonnais n'ont pas trop le ballon non plus dans les 30 derniers mètres. 35 minutes, le choix de Peter Bosz. Vous le validez ou pas pour l'instant, les gars? Oui, oui. Moi, avec les deux attaquants. Ouais, c'est validé. Et ce qui aurait pu encore plus le valider, c'est le but. Hein. Oui, c'est voilà. Vrai. Après, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Ils prennent un but au bout de 4 minutes. Donc, ça serait trop facile de dire non, faut tout changer. Ils ont eu des occasions de. Je vous montre les positions moyennes. Regardez les garçons. Position moyenne de l'Olympique Lyonnais qui attaque vers le bas. Ok. Regardez la position de Lacazette avec pour l'instant ses positions de jeu un peu partout. Vous l'aurez compris. Voici les positions du Paris Saint-Germain. Plus en bloc. Ouais. Ouais, ça se ressemble quand même. Il y a un déséquilibre ici. Logiquement. C'est clair. Avec les montées là de Mendes et l'alternance entre Mbappé et Neymar qui viennent beaucoup sur le côté gauche. Le côté de Gusto, c'est encore le cas avec la montée de Mendes. Gusto qui est accroché, la faute sera signalée. Ouais. On a une question de Xavi Star qui vous demande si Peter Bosz peut éventuellement être limogé ce soir en cas de grosse défaite. Est-ce que non? Ah, de grosse défaite ? Grosse défaite. Je pense pas parce qu'il y a la trêve et au sortir de la trêve c'est Toulouse pour Lyon. Et je pense qu'on va travailler pendant la trêve peut-être un plan de l'Olympique Lyonnais éventuellement et qu'on lui mettra encore plus de pression face à Toulouse. Ouais, voilà. Ouais. Je pense surtout que si il perd ce soir, il aura un ultimatum contre Toulouse. Mais moi ça me dérange, ça manque d'expérience. Je te montre juste ça pour montrer aux copains là. C'est la position moyenne. Je sais pas si tu vas réussir à voir, tu me dis. S'il faut que j'approche. Oui. Regardez la position moyenne de l'Olympique Lyonnais pour le moment. Regardez la position sur le côté gauche de votre écran. Voyez le numéro 27, c'est Gusto. Voyez le déséquilibre alors que de l'autre côté on est assez haut et Gusto est assez bas. Paris travaille énormément sur ce côté. Sur ce côté, obligeant les Lyonnais à redescendre.
C'est reparti pour Lyon sur le plan offensif. Il y a carton sur Verratti, j'annonce. Sur Verratti. Pour Verratti. Pour Verratti, ok. Merci Pierre. Attention Neymar, Neymar qui tient le genou. Voilà. Ça fait deux fois Neymar, encore le genou. Verratti, carton, c'était annoncé. Par contre, il a pas le droit de toucher. Hein. Non, t'as raison. Ouais. Il prend le jaune, il continue. On pense à Presnel qui le paye. Par contre, attention à Neymar, il s'est tenu le genou direct. Non, c'est du pipeau ça. Par contre, il y a un problème. Alors, on parle beaucoup de Ramos, mais il y a Toko Ekambi qui, dans ses appels en profondeur, se régale dans le dos de Ramos, qui fait pas une super première mi-temps. Il y a Marquinhos qui vient beaucoup l'aider. J'adore Verratti. Mais Verratti, il n'a pas compris, je crois. Il y a Thierry Oleksiak, qui est l'adjoint fidèle de Galette, qu'on vous l'a dit tout à l'heure, qui est descendu dans la zone technique. Galette est resté lui assis, c'est Thierry qui donne les consignes. Le corner est à suivre pour Lyon. Ballon ressorti, Cacré qui va tenter de récupérer en deux temps. Neymar n'a plus rien du tout, il est reparti comme un TGV. Ballon par-dessus pour Messi, en première intention pour la fusée Mbappé. Il y a la possibilité avec un Achraf dans la surface, ballon en retrait. Lionel Messi peut-être pour la frappe, non. Mais Mbappé devait passer, d'après moi, le ballon au deuxième direct à Achraf. Il a attendu Neymar, Mbappé. Ouais. Il a attendu Neymar. Il doit la mettre en une. Il doit la mettre en une sur Achraf. Il va à 2000. Il doit la mettre du gauche en une. Oh oui, Ramos. Ramos est passé. L'international espagnol. Ramos, moi je le dis, attention à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a, Lopez, encore à s'énerver? Il ne faut pas qu'ils sortent du match, les Lyonnais, là. Il ne faut pas qu'ils sortent. Il faut peut-être aller travailler sur Verratti, justement, qui, lui, semble être sorti, là, depuis 2-3 minutes. Ce match peut être un match à bascule. On est rentré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Matty Bolt, ça va ou pas? Ça va, t'as pris le thé et le miel ou pas? Je suis avalé de travers. Corner à suivre sur la droite, en regardant la cage de Lopez. Tolisso qui est sur Ramos. Ah oui, c'est chaud, c'est très très chaud. Ça va être frappé par Messi. Voilà qui est fait directement sur les points de Lopez. À la retombée, Verratti de la tête pour remettre sur Messi, qui combine en 1-2 avec Verratti. En retrait, c'est bien joué pour Fabien Ruiz. Décalage manqué. Récupération, Alexandre Lacazette qui est seul, qui doit attendre. Peut-être l'appel de Gusto. Ouais. Gusto était monté, mais très bonne couverture de Mendes. On a vu un petit peu là, peut-être un des points. Axe d'amélioration pour Fabien Ruiz, c'est la lenteur dans l'enchaînement. Ouais. Il a fait contrôle, le temps de se remettre en route. La casette est récupérée. Là-dessus, il va falloir que ce soit plus dynamique. Ouais, d'accord avec toi. Dans quelques minutes, je vous rappelle à la mi-temps, comme d'habitude les amis, vous êtes fidèles maintenant, interview Free League 1. Cette semaine, nous étions à Auxerre, la JOCR qui nous a accueillis, avec un coach historique, avec un coach aussi avec des histoires folles, 64 ans, Jean-Marc Furlan est un totem maintenant du foot français. Il a réussi une nouvelle montée avec la JOCR, c'est sa cinquième montée, c'est un record en France. Et vous allez voir qu'il a plein d'anecdotes, c'est à la mi-temps pour l'interview. Oh non, de Neymar, Lopez qui enlève ce ballon, qui a failli aller mourir au pied de son poteau gauche. Question anecdote aussi, Alex, on avait aujourd'hui dans l'équipe la ville lyonnaise de Galtier. J'ai redécouvert petit. Du coup le fait qu'il avait grandi notamment à Lyon, quand son papa était policier, ils avaient été mutés avec la famille, et puis il a été l'adjoint après d'Alain Perrin. Exactement. Il est né à Marseille, il est arrivé à 2 ans à Lyon, il est resté jusqu'à 7 ans. 7 ans, oui, 5 ans avant, il est resté. Avant de rejoindre Marseille de nouveau. Effectivement, et ensuite un retour à Lyon dans les années 2000, adjoint d'Alain Perrin. C'est ça. Là, je pense que les Lyonnais attendent la mi-temps en espérant ne pas prendre un pion. MVP les gars, première période. Verratti, il va falloir qu'il fasse attention avec ses tacles. MVP, Messi. Messi. Messi.
Neymar récupère. On est plein axe, décalage sur le côté gauche dans la surface de réparation avec Kylian Mbappé qui temporise, qui remet à Neymar. Petit crochet, protection du groupe lyonnais pour sortir ce ballon comme on peut. Voilà qui est fait avec Alexandre Lacazette. Regarde où il est Lacazette pour récupérer son... Ça c'est bien joué, ça c'est bien joué Dembélé qui a réussi en premier ballon à trouver Toko Ekambi là-bas sur le côté gauche pour aller défier Ramos. Il est tout seul, il n'y a personne. Ramos met le pied, ça ne passera pas. Récupération Verratti. Oh l'appel. Et si Messi commence à jouer en profondeur Là, c'est dommage pour les Lyonnais qui font pas une mauvaise première période non plus. Ils ont été punis bien trop rapidement. Mais ça promet une belle deuxième mi-temps. Je pense qu'ils vont bien discuter de ce fameux problème là, de reculer ou avancer sur l'attaquant qui vient chercher les ballons. Et ça pourrait faire une belle deuxième mi-temps. On a Blackjack qui nous dit le résumé de la première mi-temps, c'est un peu Lacazette contre le PSG. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on a aussi Lacazette, il joue 6, 8, 10 ou 9. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Malheureusement pour lui, en fait, il joue où il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes à droite, il est parti à droite. Il y a eu des problèmes en bas, il est descendu. Il y a eu des problèmes à gauche, il a joué à gauche. Et malheureusement, ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts. Et sa seule occasion et la seule vraie occasion. Là. Sur un bonbon. Ballon dans le rond central avec Marquis. Tout le bloc lyonnais retranché, bien entendu, pour attendre ces derniers instants. Dernière minute du temps réglementaire. Temps additionnel annoncé. J'en ai pas vu. Non, je pense que c'était vite. Voilà. Et il n'y en aura pas. Voilà qui est joué. Coup de sifflet. Et 1-0 pour le Paris Saint-Germain qui provisoirement est seul leader de cette Ligue 1 après le match nul de l'Olympique de Marseille. Premiers enseignements. Le PSG. Paris efficace. Ouais, Paris efficace. Je ne dirais pas jusqu'à dire au-dessus, mais efficace parce qu'ils ont eu quand même beaucoup de situations. Ils en ont mis une. Et Lyon a eu une très très grosse, ils n'en mettent pas. Donc pour l'instant, Paris efficace. Et c'est, voilà, ils mènent logiquement. Non, moi je dirais clairement au-dessus, déconne pas. Ils ont pris le ballon, ils l'ont monopolisé. Ils ont eu. Avoir le ballon, c'est pas un signe de. Ils ont eu 3 ou 4 occasions de plus que l'Olympique Lyonnais. Ils ont été au-dessus, clairement, de l'Olympique Lyonnais. Après, peut-être qu'il y a des coups à jouer quand même. Là, je vois Cédric Kuras qui met des plots. Donc peut-être qu'il y aura des changements à la mi-temps, mais. Mais voilà, il y a des coups à jouer pour l'Olympique Lyonnais, mais quand le PSG accélère, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Ils ont des joueurs de qualité, c'est logique. Ouais. Maintenant, il faut tenir en compte justement le projet de jeu, ce que nous ont dit Ludo Juli et le coach. Voilà, il a dit on va attendre, on va leur laisser le ballon, donc ça on le savait. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un gage de maîtrise ou d'être supérieur. Et après, c'était dans les occasions qu'ils ont eues. Là-dessus, dans la transition. Là, ils n'ont pas été efficaces. Et si, évidemment, avec des si on refait le monde, mais sur ces 3-4 situations, il faut marquer. Et Paris l'a fait. Donc, c'est ça que je dis. Moi, c'est logiquement que Paris mène au score. Et largement dessus, il aurait fallu qu'ils mettent, par exemple, les 2-3 buts d'écart. Là, je t'aurais totalement d'accord avec toi. On va profiter de la pas mi-temps. Il va pas y avoir un changement. Là. Restaurer un petit peu. Et on va observer ça, nous, ici, à distance. On va laisser également Aurore aller prendre sa petite tisane avec du miel pour se faire du. Pour soulager la gorge, on va vous offrir cet entretien Free Ligue 1 comme chaque semaine. Et cette semaine, comme annoncé, nous étions du côté de la JOCR pour aller rencontrer Jean-Marc Furlan, le coach de l'AGIA. Très bon moment passé une nouvelle fois dans l'antre du stade de l'Abbé Deschamps. Moyen signé des équipes de Starting Block pour Free Ligue 1 et le Ruiz Club, Jean-Marc Furlan. Les amis du Ruiz Club, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Auxerre, dans l'antre de l'Abbé Deschamps, une place historique du football français. En haut de ces marches, nous attend notre hôte aujourd'hui. Vous savez, j'en ai l'habitude, je vous montre une petite photo comme indice. Notre hôte a un rapport particulier avec Laurent Blanc. Ce Laurent Blanc, celui du milieu des années 80. Qui est-il? Il nous attend. Nouvel épisode de l'interview Free Ligue 1. C'est parti. Les amis du Ruiz Club, notre hôte de la JA, celui qui a cette anecdote avec ce Laurent Blanc de cette époque,
Il est là, c'est M. Jean-Marc Furlan qui nous accueille, le coach de la GIA. Jean-Marc, mille merci une nouvelle fois de nous accueillir à la maison. On commence toujours avec une petite anecdote, et cette petite anecdote, je l'aime bien, parce que tu as connu donc une version du Laurent Blanc que tout le monde connaît. Tu l'as connu dans ta deuxième passe à Montpellier. Tu as connu ce jeune bonhomme-là. Mais oui, hein, exact. Ce jeune bonhomme. C'est exactement ça. Je l'ai connu parce que moi, j'étais plus âgé et il jouait à meneur de jeu. C'est fou. Avant, il jouait meneur de jeu. C'est-à-dire que moi, j'étais arrière central avec Yougoslave. Et lui, il était meneur de jeu. Ouais. C'était un bon bonhomme ? Ah ouais, ouais. C'est vrai ? Si, si, c'est une très belle personne. Et puis, c'était un joueur haut de gamme. Et c'est beaucoup plus fort que moi. Il n'y a pas de doute. Écoute, je vais te montrer quelques photos et on va baliser ensemble quelques étapes de ta vie parce que c'est l'intérêt comme ça de retracer ces parcours qui te mènent aujourd'hui sur le banc de la GIA. Je t'en montre une première et tu vas comprendre. Sainte-Foy-la-Grande. C'est ça. La porte du Périgord. Ah, c'est génial. Parce qu'en fait, tu es le premier à me faire ce coup. Mais il faut savoir qu'à Sainte-Foy-la-Grande, il n'y a pas de foot, il n'y a que du rugby. Bon, il y avait un peu de foot, mais très très peu. Et c'est beaucoup de rugby. Qui était le petit Jean-Marc ? Avant d'être Jean-Marc Furlan, qui était le petit Jean-Marc ? Comment étaient tes parents ? T'avais des frères et sœurs ? Qui était ce petit bonhomme-là ? Alors moi, j'ai deux sœurs et j'étais l'aîné. Et quelque part, Alexandre, ce qui est intéressant, c'est que du côté des Furlan, c'est italien. Et ça veut dire langue du Frioul. Et quand tu vas dans le Frioul, à Cinto Camaggiore, Settimo, tout ça, il n'y a que des Furlan. C'est vrai ? Ça fait peur. Non, mais ça fait peur à chaque fois. Quand j'y suis allé là-bas, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait que des Furlan partout. Mon papa était un footeux. Ah, c'était un footeux, ton père ? Mon papa était un footeux, Défenseur central ? Défenseur central aussi. Ah, c'est génétique. Et c'était... il était un peu comme moi, un peu malade, un peu... pas beaucoup de cerveau, quoi. Pour les plus jeunes qui nous regardent, Jean-Marc, joueur de ballon du milieu des années 70, professionnel jusqu'au début des années 90, avec 11 étapes sur 10 clubs, puisque tu es passé à deux reprises par Montpellier. Dordogne, Gironde, logiquement, on pense aux Girondins de Bordeaux. C'est logique et c'est par là que tu as commencé. Et on a tous des mentors dans la vie. Moi, en retraçant ton parcours, je t'en ai trouvé deux. Tu vas comprendre pourquoi. Vas-y. Je vais te montrer le premier. Je sais que logiquement, tu vas me voir venir à 10 000. Mais je vais te montrer ce premier qui a un nom important dans l'histoire du foot français aussi. Non, arrête. C'est bien. André Menot. Ah, ouais. André Menot. En fait, moi. Il est ici avec Aimé Jacquet. Oui, bien avec sûr. Aimé. Figure du football girondin. Ouais. Aimé qui, d'ailleurs, lui, m'a poussé à faire le diplôme d'entraîneur professionnel. OK. C'est génial ce que tu fais parce qu'André, c'était mon mentor et. Il m'a engagé au centre de formation des Girondins de Bordeaux. Et c'est même lui qui m'a fait débuter en professionnel alors que j'avais 18 ans. On parlait des Girondins de Bordeaux. Donc du coup, je te montre ces photos parce que je les adore, ces photos. Je les adore. Ah ouais. Cette tête de grand chevelu blond là. Franchement, t'es magnifique sur ces photos. Quel souvenir tu as de Bordeaux, de ses débuts, avec Gigi ? Ouais, avec Giresse. Avec Alain Giresse. Ouais, c'est des questions merveilleuses parce qu'on m'a jamais posé ce genre de questions. T'as vu, avec Daniel Jean Dupeux. Ouais, Daniel Jean Dupeux. Un phénomène. C'est des souvenirs très attachants parce que moi, quelque part, j'ai été élevé au Girondins de Bordeaux. Ouais. Et on avait une mentalité très particulière. Bon, d'abord, on était des gros guerriers. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on jouait contre Nîmes ou Toulon ou Bastia, à chaque fois, il y avait bagarre. Moi, j'ai été élevé. À l'époque, tu sais, c'était marquage individuel. Et il y avait le 4 et le 6. Ouais, on était des serial killers. Mm. On nous collait la photo de l'avant-centre là. Ils m'ont dit, nous, il faut pas qu'on le voit. Il faut qu'il disparaisse, tu vois. Ouais, j'adore. Mais c'était fou. À l'ancienne, c'était fou. C'était des combats terribles. D'ailleurs, un gars comme Omar Da Fonseca, avec qui j'ai joué. À Tours oui. Mm. Il me disait, mais comment t'as pu faire, toi, pour jouer au football, tu mettais le nez contre la nuque de l'avant-centre pendant 95 minutes. Ouais, c'est ça. De l'anecdote avec Laurent Blanc, c'est marrant, mais tu as croisé Jean-Louis Gasset également, la première étape à Montpellier, oui, quand t'es prêté. Oui, que oui, tu... oui. Je suis revenu, et Jean-Louis, c'était génial parce qu'il a été mon entraîneur. Il était joueur avec moi. Exact. C'est génial. C'est génial, ces photos. Regarde ça, 78, ouais, c'est ça. 78, voilà. Il est là, Jean-Louis. Alors quand moi, t'es là, quand tu vois maintenant ce ticket, Jean-Louis, quand tu as eu ce ticket blanc Gasset. Oui, il a des grosses capacités. Alors moi, autant, sincèrement, autant Laurent, moi je ne passais pas du tout. C'est vrai ? Tu serais un coach ? Non, je ne passais pas. Moi, jamais j'avais imaginé ça. Tandis que Jean-Louis, oui. Regarde, quand on voit toutes ces photos, tu
tu l'évoquais tout à l'heure, il y a eu là aussi la période lyonnaise. Oui. Beau gosse, là. Hein si. Là, tiens, oui. Là, t'avais la petite ouais. Beau gosse avec cette période lyonnaise. J'adore ce maillot et j'aime beaucoup cette photo, là. Mais là, il y avait que Jeannot des stars. Tigana. Moi, j'avais les là, pieds. T'as une grosse équipe. Non, et moi, j'avais les pieds carrés. Mais là, c'était génial parce qu'une fois, Michel Delgaux était venu. On avait joué contre l'Olympique Lyonnais et il m'avait sélectionné une équipe de France à prime. C'est le plus haut où je suis allé. Et c'était une sélection après, c'était ouais, celle-ci. Ouais. Et c'était après. Et donc là, c'était fantastique parce que tu jouais au milieu de terrain avec Jean Tigana, Gzuereb, Lubin, ouais. Moisan, Chiesa. On avait des rôles très particuliers. C'est-à-dire que moi, quand même, à cette époque, faisais partie. Autant je marquais jamais de but, j'étais nul pour marquer des buts, autant j'étais dans France Football parmi les 5 meilleurs. Bien sûr, t'étais un des plus gros défenseurs oui, centraux. Voilà. J'étais parmi les 5 meilleurs. Mais défensivement, parce qu'offensivement, j'avais les pieds carrés. T'es allé un peu comme ça partout en France, finalement, en quittant la Gironde. T'es allé, tu l'as dit, Tours. On a vu avec Lyon. T'es allé en Corse également. Ouais. T'es affilé dans le nord, du côté de Lens, un autre bastion du football, comme les Auxerre. Oui. C'est une belle équipe, ça aussi. Tu es juste là avec Jean-Guy Wallem, qui est là. Ouais. Il y a du Sicora, qui est tout jeune. Oui, oui. De Lens, tu gardes quoi, de Lens? Oh, je garde le souvenir, surtout avec le peuple. Le peuple qui était merveilleux. Parce que. T'as un attachement à ça, en particulier. Oui, j'ai un attachement. Ouais, t'as un attachement. J'ai un attachement envers l'environnement. Parce que je pense que nous, au-delà du football, c'est comment tu es capable de créer des identités, tu vois. C'est vrai. Et comment tu es capable de remplir des stades. Quand tu fais cette carrière de professionnel. Et tu t'arrêtes donc au début des années 90. Il y a quelques années de latence, là. Et tu penses à une première reconversion. T'as un fiston. T'ouvres un magasin de sport. Oui. Hein? C'est ça. T'ouvres un magasin de sport. Oui, c'est tout le mec. Attends, il a téléphoné partout, le mec, je te jure. C'est tout. T'ouvres un magasin de sport. Par chez toi. T'es revenu chez toi. Ouais, okay. Ouais. Et puis là, tu accompagnes ton fiston aux entraînements. C'est là, Alexandre. Oui, c'est ça. C'est là. Ouais. Et c'est là que tu commences. Et tu vas toucher les débutants. En débutant et en bénévole, poussin et pupille. Voilà, j'ai commencé pendant 3 ou 4 ans. Ouais. Et tu as mené cette carrière de coach, ce qui t'amène aujourd'hui à Auxerre. T'es quand même, on le rappelle, hein, tu as un record, 5 montées. Mmh. 5 montées de deuxième division en première, avec 3 avec Brest et donc avec la J Auxerre, élu 2 fois meilleur coach de Ligue 2. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ce temps de coach? Par rapport à l'environnement autour de nous, c'est une très grosse pression, vois-tu. Ouais. C'est très, très important parce que comme nous, on est le sport le plus populaire au monde, tout le monde s'intéresse, que ce soit dames, les filles, les garçons, tout le monde s'intéresse à ça. Et tu as toujours envie de rendre les gens heureux. Dans ma passion, une des premières valeurs, c'est comment je fais grandir les joueurs. Ça, j'adore ça. Et puis ensuite, comment tu remplis les stades et que tu rends les gens heureux. Voilà, c'est ça, ces deux choses-là me plaisent beaucoup. Alors, ça fait que, Alexandre, des fois, tu as un stress. Quand tu perds 3 fois, tu te dis, oh, comment je vais m'en sortir? Tu as un stress terrible. D'ailleurs, comme disait Didier Deschamps, il a dit une fois dans un article, il disait, quand j'étais entraîneur, j'avais pas de vie sociale. Sélectionneur, j'ai une vie sociale. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de vie sociale, il faut le savoir. Là, tu m'intéresses. Aucune parce que vie sociale. Je t'amène à ton deuxième mentor. Selon moi. Alors vas-y. Ok. C'est Cécile, j'adore. Et ton épouse. Oui, exact. Deuxième mentor parce que ça m'intéresse, parce que je crois que tu n'es pas sans elle. Elle n'est pas sans toi. Elle oui, a repris une célèbre phrase de Montaigne il y a peu. Je l'ai lu de nouveau, qui est très juste parce que c'était lui, parce que c'était elle. C'est d'une évidence absolue entre vous. Elle enseigne la psychologie dans le sport. Et je sais qu'elle est une aide docteur en psychologie. Très précieuse. Ah ben elle est une aide très précieuse parce que sincèrement un fou pareil, il faut le canaliser. Voilà, t'as tout dit. Mais je reconnais que si elle n'était pas là, peut-être que je serais un malade mental grave, c'est sûr. Et on me dit, et je pense que tu l'as validé, tu l'appelles 2 fois avant le match. Deux petits coups de fil avant le match. Oui, c'est vrai. Une fois pendant que ton staff est à l'échauffement et une fois juste avant d'entrer sur la pelouse, c'est ça? Et te donne des derniers petits mots. Oui, parce que nous, les entraîneurs, on peut très bien déraper, on peut très bien se comporter d'une façon insensée. Donc, quelque part, par rapport à ce qu'elle connaît des sportifs, parce qu'elle en connaît beaucoup de tous les sports, elle me dirige sur quelques phrases, quelques citations qui me permettent, moi, effectivement, à la fois de me canaliser et de rester très, très positif vis-à-vis de mes joueurs. Voilà. Tu as 64 ans.
Ouais. Est-ce que tu as pensé à l'après ? Tu vas pas me rouvrir un magasin de sport ? Non. Oh non, non. Qu'est-ce que... Mais c'est génial ce que tu dis parce que mais c'est génial ces questions-là parce que c'est toujours en train. À la fois, je suis un fou passionné de football, mais il y a énormément de stress et d'angoisse par rapport à ça, par rapport aux résultats et tout ça. Et c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Alors après, je me dis, peut-être que je peux prendre une sélection, mais faut-il encore qu'il y ait des mecs qui veuillent fuir là en sélection ? C'est pas évident, tu vois. Mais c'est vrai que, Alexandre, c'est une question que je me pose souvent. J'ai dit, si jamais tu devais arrêter du jour au lendemain, qu'est-ce que tu ferais au bout de... Bon, bien sûr, au bout de 3 ou 4 mois, ça va. Mais au bout de... Qu'est-ce que tu ferais au bout de 4 ou 5 mois ou 6 mois ? C'est vrai. Bouge pas, je te remontre celle-ci. Ah, vas-y. Ok ? Ouais. Si aujourd'hui, Jean-Marc Furlan est en face de ce Jean-Marc, qu'est-ce qu'il lui dit ? J'aimerais dire à ce Jean-Marc-là qui a 20 ans, je dis, quelque part, sois plus souple, sois plus cool avec ton environnement, avec ton combat pour ton métier, parce que j'ai été élevé beaucoup dans toujours le dépassement de soi, toujours faire mieux, toujours avoir des buts très importants. Et ce que j'aurais envie de lui dire, je lui dirais, écoute, au lieu d'avoir des buts très très importants, recherche tes valeurs. Comment, sur tes valeurs, tu grandis et tu vis en fonction de tes valeurs, mais parce que là, j'étais un peu malade. J'étais malade. Mais ouais. Merci pour ce très bon moment. Merci beaucoup. Voilà, non, c'était un très, très bon moment parce que t'es le seul à m'avoir vraiment posé ce genre de questions et c'est merveilleux, quoi, parce que ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça m'a beaucoup ému. Juste un personnage, hein. Ouais, c'est un personnage, ce Jean-Marc. Hein. Ouais, on savait que c'était un personnage et il fait que le confirmer, quoi. Donc, on savait que c'était un bon mec, que c'était un bon vivant. Et il l'a dit à la fin, là. Il le dit à la fin que c'est des questions qu'il n'a pas l'habitude d'avoir et que voilà, il aime ce genre d'interview. Donc, je pense que c'est un peu ton but aussi. Bien sûr, c'est l'objet de ces entretiens, d'aller chercher quelque chose de différent et d'aller rencontrer ces individus, ces personnes qui se cachent derrière ce nom que l'on connaît tous, mais qui est l'individu qui est derrière. C'est un peu l'objet de ces entretiens. Et d'ailleurs, c'est génial parce qu'on apprend toujours quelque chose. Dis-moi. Avec ces interviews. C'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend toujours quelque chose et qu'on retient des petites anecdotes qui font qu'après, bah, ça morcelle un peu le personnage, ça le façonne et on le voit différemment. Merci Matty Bolt, c'est gentil ça. Je te dirai combien tu me dois après. Hein. Non, mais tu vois, je pensais que t'étais allé sortir, non ? Alors, retour des Lyonnais, on a vu le petit Le Penant qui va entrer. Tolisso. À la place de Tolisso ? Ouais. C'est Tolisso qui sort. Avant le match, Jus, en préparant ce match, tu m'as dit je vais peut-être faire le focus sur Le Penant. On a finalement choisi Cacré titulaire. Pourquoi Le Penant ? Pourquoi tu voulais partir sur Le Penant ? Parce que je trouve que c'est un jeune qui a sûrement un grand, grand, grand avenir dans ce football français. Il est très, très jeune, vraiment très jeune. Et ses débuts en Ligue 1 sont juste impressionnants. Il se pose pas de questions. Il triche pas, il est généreux, très bon joueur de football, et c'était un joueur que j'avais envie de faire, que j'avais envie de découvrir un peu plus en allant à la pêche aux infos. Et voilà, j'ai changé parce que tu l'as dit, on a eu un doute qui au final s'avérait bon, mais pour 45 minutes. Et là, on a un milieu de terrain qui fait que ça a 20 ans de moyenne avec Cacré et Le Penant. Donc, j'ai hâte de voir ça. Pas de changement du côté du Paris Saint-Germain. Les mêmes 11, le même 11 de départ du côté de Galette. On a envoyé Carlos Soler à l'échauffement. Le premier travail du côté du coach du PSG avec l'ensemble de son staff. Comment va jouer Paris maintenant dans cette gestion, d'après toi, Jules ? Je pense que non, parce que le monsieur il me demande de me pousser parce qu'il voit pas le match. Ah. C'est magique. Et
je pense qu'ils vont continuer à pousser. Et qui, ben voilà. Je pense qu'ils vont énorme continuer. Énorme occasion de Lionel Messi qui est sauvé sur sa ligne. Ouais. Par Loukeba qui est venu enlever ce ballon. Assez surprenant. On va faire... Il y a un petit je trouve qui demande une photo. Vas-y, salut bonhomme. Tu t'appelles comment ? Cyril. Ça va ? Mais regarde. Magnifique. Et je les vois pas s'arrêter de pousser. Ils vont essayer d'en mettre le plus possible. Mais le corner est à suivre pour Paris. Avec Lionel Messi pour le frapper à droite en regardant la cage de Lopez. Frappé sur le gardien. De nouveau la défense qui s'en sort. C'est Toko Ekambi qui était venu passer ce coup de boule. Et ce ballon revient jusqu'à Messi. Cacré pour tenter de le récupérer et offrir ce ballon en 6 mètres à son gardien. Est-ce que vous voulez des statistiques sur la première mi-temps ? Alors, possession 29,7 pour l'Olympique Lyonnais, 70,3% pour le Paris Saint-Germain, 8 tirs pour Lyon, 9 pour le PSG, 3 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais, 4 pour Paris, 187 passes pour Lyon et 442 pour le Paris Saint-Germain. Ouf. Tu te rends compte, presque 500 passes dans une mi-temps, c'est énorme. Et des statistiques uniquement sur Kylian Mbappé, alors 5 dribbles réussis sur 6, 8 duels gagnés sur 10, 21 passes réussies sur 24, un tir cadré sur 1, un ballon perdu. Énorme. Soler, Mukiele et Vitinha l'échauffement. Côté Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi. Très grosse mi-temps de Mbappé. Très très grosse mi-temps. Avec Sergio Ramos jusqu'à Marquinhos. Il m'énerve, c'est pas possible. Ah, merci. Espera. Tête à louper une occasion de Paris d'entrée. Messi, sauvetage sur sa ligne, côté lyonnais. T'as mangé un petit peu ou pas ? Même pas. Non. Vide. Non, par contre, j'ai pu revenir plus léger. T'as pu aussi, toi ? Ok. Ballon sur le côté de changement, c'était quoi alors ? Le pénal Tolisso. Ah, qu'est-ce que t'en penses ? Sûrement un problème ou ? Oui, je pense. Tu penses quoi ? Problème physique, je pense. Oui, je pense. Le Tolisso ? Ouais. Le pénal, t'aimes bien, toi, hein ? Tu me disais aussi, Rio. Ouais, le pénal. Pareil, hein, je pense qu'avec Cacré, ça sera l'avenir. De l'Olympique Lyonnais. On va se remettre dans ce match parce qu'on en était un peu sorti là sur les quelques interventions qu'on a eues, en plus avec le public très sympa, mais on en était un poil sorti. Lionel Messi qui récupère dans quelques minutes le focus également de Rio sur l'Argentin numéro 30 du Paris Saint-Germain. On a eu les stats de Mbappé, Rio. Ouais. Incroyable. Déjà Lyon, ils ont fait presque 180 passes. Le PSG 500. La montée de Danilo avec Neymar, le public du Groupama Stadium qui va tenter de nouveau de porter son équipe. Ça ne passera pas. Ça sera pour Mbappé sur le côté gauche. Arrêté sur sa trajectoire. Non. Par Thiago Mendes qui renvoie loin devant une brique. Voilà. Ouais. À destination, c'était là-bas au fond pour l'ami Dembélé. Mais moi j'ai mauvaise sortie de Donnarumma. J'ai souvenir d'un Donnarumma qui avait un jeu au pied impressionnant quand même. Là, c'est pas le cas. Il était bon au Milan, hein. Au Milan, au pied, il était bon. Ah bon ? Ouais. Je pense que Benzema, il l'a foutu dedans, quoi. Bon, y a un avant, un après jeu au pied Donnarumma depuis Karim Benzema. Ce fameux match de mars face au Real Madrid. Lacazette au défi avec Marco Verratti. Ballon sur le côté avec Toko Ekambi. Derrière sur Taliafico. Lacazette appelé dans l'intervalle. On repasse sur le penant. Par-dessus pour partir maintenant sur le côté droit jusqu'à Malo Gusto qui lève la tête. Le centre de Gusto dans la surface de réparation. Toko Ekambi qui va peut-être récupérer. On avait manqué ce coup de boule du côté de Lyon. Ballon de Le Penant par-dessus. Le coup de boule était signé Taliafico, mais il était manqué. Ouais, il était manqué. Et il y a Kimi qui a défendu bizarrement quand même là. Qui a défendu à l'envers, je pense. La solution pour Lyon, elle est un peu là, en passant par les côtés, je trouve, et en apportant des centres. Ce qu'on a vu sur Le Penant, il a trouvé à l'opposé là-bas, Gusto, tout seul. Je pense que s'ils arrivent à les déplacer sur la largeur, ils vont pouvoir avoir des solutions. Au prochain arrêt de jeu, en régie, préparez-moi l'élément 10.
élément 10 pour le focus de Rio. Élément 10. Ballon dans les pieds de Ramos avec Achraf sur le côté droit. Poursuivi par Toko. On va remettre sur Ramos. Marco Verratti, rond central jusqu'à Marquis, Marquinhos. Et le focus est annoncé. Rio, focus, Lionel Messi. Pourquoi ? Ouais, Lionel Messi, parce que l'année dernière, force est de constater qu'il a une saison, il a une saison galère quand même. Hein, on en a parlé un petit peu en avant-match. Les poteaux, sa situation familiale, on le sentait pas heureux. Il y a aussi ces sifflets, hein, faut reconnaître ces sifflets qui ont été quand même très très durs, moi je trouve, envers Lionel Messi, et je vais inclure Neymar aussi. Et cette année, Messi en 7 matchs, il a déjà la moitié de ses stats de l'année dernière, sur toute la saison, en championnat. Bon, rien que ça, je trouve ça impressionnant. Et puis dans son jeu, on sent qu'il a pris du recul dans le terrain, il se repositionne un peu plus dans le milieu, et il est plus dans un rôle de distillateur. Il va donner les passes, et dans la surface, il est juste chirurgical, à l'image de ce soir. Donc pour moi, Messi, c'est un peu le joueur qui vient à Paris, qui a combien de ballons d'or ? 7 ballons d'or. Et malgré ça, il a l'intelligence, et je trouve, j'appelle ça l'intelligence, de mettre son ego de côté pour laisser les pénaltys, les coups francs à Neymar, à Mbappé, et ils se font dans le collectif. Pour moi, c'est juste la classe, et ce qu'il fait cette saison, c'est impressionnant, et en plus, il revient à top niveau. Donc c'est pour ça que je le choisis, et en plus, ce soir, il montre encore une fois qu'en toute simplicité, en donnant le ballon au bon moment, en jamais forçant le jeu, eh bien, il est efficace, et moins s'il a moins de jambes, je trouve que c'est un joueur qui régale, et il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a de l'avoir dans notre championnat. Focus signé Rio Mavuba. Jus sur Messi. Que moi, dire ? Bah oui, moi j'ai juste à confirmer ce qu'a dit Rio. On a une chance énorme d'avoir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Quand l'année dernière j'ai entendu les sifflets de son propre stade, je me suis dit qu'on n'avait rien compris et qu'il fallait juste profiter de malheureusement de ce qui nous reste comme temps pour le voir sur un terrain, parce que voilà, il est plus proche de la fin que de ses débuts, mais voilà, cette ballon d'or, il vient avec toute sa modestie. L'année dernière, on l'a dit tout à l'heure, il avait du mal avec sa famille, il avait du mal avec son adaptation. Là on se sent épanoui, on se sent heureux, donc c'est plus le même joueur, c'est plus du tout le même joueur. Et ça se voit, ça se voit dans ses stats, ça se voit dans sa façon d'être, sa façon de jouer, donc c'est un pur régal. D'ailleurs, Lionel Messi, il y a une frange des supporters, tout comme Neymar, qui ne vont pas saluer au Parc des Princes. C'est Luis Campos qui l'a dit cette semaine en interview. Et moi, j'ai une petite question pour Rio. Est-ce que tu crois, Rio, que Lionel Messi s'est aussi délesté du poids de marquer des buts ? C'est plus un objectif prioritaire. Maintenant, avec l'âge, du coup, il a un nouveau rôle. Et est-ce que dans ça aussi, ce n'est pas plus épanoui que d'être derrière la course au stats, au but à proprement parler ? Ouais, t'as raison, Aurora, c'est une très bonne question. Je trouve que... Attends, regarde les ballons. Non, ça va. Je trouve que là-dessus, il y a moins cette guéguerre qu'il y avait en Espagne, évidemment, avec Lionel Messi. Et puis, il est moins à la recherche du ballon d'or. De toute façon, il sait que personne le rattrapera. Donc, peut-être que tout ça, ça l'a libéré un petit peu. Et aujourd'hui, il se met dans un rôle où il va plus être en mode « je vais distribuer, je vais régaler mes coéquipiers, faire jouer mon équipe ». Et je pense que lui, ça le dérange même pas d'être le troisième larron derrière les deux autres, hein. Je pense qu'il a assez prouvé, et au contraire, là, cette année, je trouve qu'il montre encore d'autres qualités, ouais. Vitinha qui va faire son entrée en jeu du côté du Paris Saint-Germain, pas à la place de Ruiz, je pense. Matty Bolt, oui, Dis-moi, il y avait pas un petit match en Espagne là, en même temps ? Si, il y a un petit match qui s'appelle le Derby de Madrid. Et ouais, pour le moment, on est à... Dis-moi juste le score, là, comme ça, là. 2-0 pour le Real. Rodrigo, merci, Valverde. Bon. Ok, merci. Tu m'alertes, hein. Ballon dans la surface de réparation. Le Paris Saint-Germain qui s'en sort avec Verratti. Côté gauche, lancé Neymar. Rattrapé par Cacré, bien joué Cacré. Ouais, il gratte des ballons. On sent qu'il y a la place en plus pour les Lyonnais. Ouais, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tagliafico, côté gauche, Toko. Qui attend le penant. On sent plus du égal à égal là maintenant. Ouais. Logiquement, Paris attend un peu, logique, on mène au score.
on est moins dans la folie de la première période. Ouais, plus dans la gestion, t'as raison. Cacré, le relais sur Dembélé. Cacré passé une fois, le deuxième, une, deux peut-être. Verratti dans sa spéciale, Cacré, les fesses au sol pour récupérer. Cacré, le devance, ballon dans la surface, ça revient encore avec Malo Gusto. Intervalle, Verratti une fois, Verratti deux fois, Verratti trois fois, contre favorable et ça passe. Oula, oula, attention, s'il part. Avec Kylian Mbappé qui a tenté ce que sait faire Modric, mais il n'a pas réussi à faire l'inverse un peu. Extérieur pied droit pour aller chercher Neymar. On verrait plus Neymar faire la passe et du label. T'as raison, t'as raison. Matty Bolt. Oui. Je t'ai pas entendu. Donne-moi le score de Atlético Real. On est 2-0 pour le Real. Ah, merci, pardon, j'avais pas entendu, pardon. Il n'y a pas eu de danse encore, hein? Si, 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 il y a eu une danse de Rodrigo rejoint par Vinicius parce que on va revenir sur rapidement sur ce qui s'est passé. Il y a eu aussi quelques pseudo-supporters à l'entrée du Civitas Metropolitano qui ont eu des mots à caractère raciste envers Vinicius. Donc la danse, c'est le hashtag qui a fait fureur un petit peu tout le week-end avec Danse Vinicius. Il y avait même Neymar qui avait apporté son soutien dans les premiers temps à Vinicius avec l'élément T32 en régie, s'il vous plaît. C'est, il avait même écrit hier matin « Ah, je suis le seul à me réveiller et à rêver que Vinicius danse demain » parce qu'en Espagne, depuis... Depuis 10 jours, on va dire qu'on décortique énormément le jeu assez provocateur de Vinicius. Donc ça, c'est l'élément T32, s'il vous plaît, en régie. Donc c'est un jeu assez provocateur de Vinicius qui fait partie de son personnage. Et puis, de fil en aiguille, on est parti sur ses danses qui, pour certains, a été jugée comme une provocation ultime pour les supporters. Et ça a dépassé les limites de l'entendement humain avec certaines insultes racistes. Le Real a condamné ces propos. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils entameraient des procédures judiciaires à l'encontre des personnes qui prononcent de telles paroles. Et Vinicius, lui, a publié une longue vidéo de plus de 2 minutes. Vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle il exprime tout simplement sa joie de jouer, son envie de jouer. C'est l'élément T45 en régie, s'il vous plaît. Son envie de continuer à être heureux, ça fait partie de la vie des Brésiliens. Et depuis, on a le hashtag Baila Vinicius, Vinicius danse. Et on a notamment Gabriel Jesus cet après-midi qui, lorsqu'il a marqué avec Arsenal, a aussi dansé. Donc là, voilà, on est parti dans ce mouvement de soutien envers Vinicius parce que, comme à l'image de cette société, le football est parfois bien sclérosé. Verratti est foutu, les gars. Je vous dis que Verratti a pris un gros taquet, il n'arrive pas à reprendre. Et le staff médical vient de le signaler là, aux proches avec Christophe Galtier. Et regardez, il boite un peu bas, une sorte de grosse béquille. Et il n'arrive pas à reprendre le coup. Il y a Sarabia, je crois, qui est parti s'échauffer. Qui accélère. Qu'avez-vous pensé de la performance de Ruiz, de Fabien Ruiz, sorti et donc remplacé par Vitinha? Pas extraordinaire. Oui. Bon, on l'a pris pour ça, hein. Pour pas faire non plus trop de bruit, pour pas faire trop d'ombre. Il a été efficace. On l'a dit tout à l'heure, il a fait son travail sans faire trop, voilà, plus besogneux que Verratti et Vitinha, mais il a fait une première mi-temps correcte. Ouais, je suis d'accord, hein, il fait une bonne entame, hein, on le signale, et après il s'est un petit peu éteint, je trouve, au fur et à mesure du match, et voilà, je pense qu'il manque encore un peu de rythme, qu'il connaisse mieux ses partenaires, qu'il trouve un peu sa place et sa position, mais on l'a senti au niveau du dynamisme sur les 2-3 premiers appuis, il a été un peu plus en difficulté. Verratti, 89% de passes réussies pour l'Olympique Lyonnais, 93% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain. Ouais, mais avec évidemment un ratio de passes qui est largement déséquilibré, hein, parce qu'on peut tout dire avec les statistiques. Hein. 5% de 200 et 93% de 5 837 000, ça fait pas pareil, quoi. Je
Verratti qui est battu. L'Olympique Lyonnais qui avait un bon coup à jouer là. Récupération peut-être dans les pieds avec le penant. Bataille face à Vitinha. Vitinha s'impose. Contre-favorable. Lancement de Marquis vers Kylian Mbappé. Retour de position de hors-jeu. Galette qui appelle vite. Mais Verratti, ça fait 5 minutes qu'il demande le changement. La position de Moukielé maintenant. Choix sur Moukielé. Sarabia avait accéléré. Ça sera Moukielé. Avec son numéro 26 qui va faire son entrée en jeu. En attendant, Lyon va essayer de presser, profitant de l'espace laissé par Verratti. L'intervalle avec le penant, près du poteau de corner là-bas à droite, en regardant la cage de Donnarumma. L'avantage est laissé à la touche, à la défense Paris Saint-Germain, Verratti est au sol. Moi je suis Lyon, je sors TT, je fais rentrer chez Ryan Cherki. Cherki ? Ouais, parce que là... À chaque fois, il lui laisse des miettes. Cherki qui vient de prolonger avec l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, discussion avec sa famille, ça a finalement été opéré. Et notamment dans l'intervalle avec Ludovic Jolie. Il n'est même pas à l'échauffement. Je ne sais pas ce qu'il y a avec Cherki. Pour revenir sur l'action de Lyon, là, le compte de Dembélé, il doit se servir de l'appel croisé pour jouer avec la casette qui était seule sur la droite. Il joue sa première option alors qu'il doit s'en servir. Ce qui arrive après, c'est ça la différence avec les joueurs avec le PSG. De classe. Hein. Voilà, ouais. La différence avec le PSG quand tout le monde suit Mbappé et qu'au final on sert à droite, bien à Kimi, on sert. Là il va remonter, je pense, Danilo au milieu. Danilo. Et Moukielé va rentrer peut-être axe gauche alors. J'espère que pour le PSG c'est pas trop grave, hein, Verratti non, quand même. Non, bah après il y a la trêve. Mais ouais, c'est peut-être une béquille et à froid dans le sein. Mais là je fais quand même des changements. Hein. Côté lyonnais. Hein. J'essaierai de faire rentrer un peu de fraîcheur quoi. Ouais. Le staff de Galette qui n'ayant plus que deux joueurs à l'échauffement s'interrogeait sur savoir qui envoyer comme troisième homme. Ils ont longuement hésité. Et finalement c'est Juan Bernat qui part s'échauffer, un peu à contre-cœur, mais bon. Il était bien au chaud lui. Hein. Voilà la sortie opérée. Verratti donc sorti et Moukielé pour faire son entrée. On va voir donc ce positionnement. C'est derrière le genou gauche. Ouais, c'est un coup apparemment, non ? Derrière le genou gauche pour Verratti. Peut-être au niveau ligamentaire derrière. Hein. Non, je pense qu'il a dû se faire... Un coup, toi ? Ouais, je pense que c'est un coup. Ouais. Parce qu'il je pense qu'il montre une marque. Donc, on a Ramos qui est passé à gauche. Et on a Moukielé qui est à droite. Ils sont passés à 4. Et Marquis, exactement. Donc, on a Achraf qui est monté d'un cran. Non, je pense qu'ils ont dû rester à 3. Non, il reste à 3 oui. Avec... il reste juste à 3 juste inversé, avec, ouais. Ramos, Marquinhos, Moukielé. Exactement. Ramos, Marquis, Moukielé. Achraf à droite et Nuno à gauche. Et Danilo... Et Danilo, oula, pardon, oula. Et Danilo qui est monté d'un cran. Danilo qui est monté d'un cran. Il n'y a rien du tout. Ça passe pour Lyon. Faut jouer. Toko et Kambi dans la surface de réparation face à lui Moukielé. Ballon non, deuxième pour non, la tête non. De la casette en deux temps dans la surface. Ça non. passe pas. Marquinhos. Ouais. Marquis. Oh, attention, ballon encore. Malogusto qui a récupéré peut-être en deux temps. Voilà qui est fait avec Toko et Kambi maintenant qui est à 20 mètres plein axe. Ah, il manque de largeur. Sur manque de largeur. Peut-être la frappe pour Toko et Kambi qui est rentré dans la surface. Le centre deuxième, il n'y a personne. Bah, y a personne parce que c'est lui qui est à gauche normalement. Tagliafico qui a fait l'effort, qui est allé récupérer. Ballon en retrait avec Cacré. Ballon au deuxième, la tête de Ramos. Petite tête piquée dans les pieds de Neymar. Ah là, ça peut accélérer à tout moment là. Bien joué quand même, la part lyonnais dans le temps fort, mais c'est dommage qu'ils n'utilisent pas ses arrières. Ils sont tous dans l'axe. Du coup, facile pour le PSG ouais, de défendre. PSG de défendre ouais. Bah oui. Surtout que Toko et Kambi, il traverse le terrain et il va centrer côté droit au second poteau pour lui-même en fait, parce que c'est lui qui doit être là. Et le PSG, ils m'ont l'air de se contenter
de ce petit but d'avance, mais il faudrait faire attention quand même. La longue touche vers Marquinhos, la pression de Dembélé, Mukiele qui est passé juste devant. Moi j'aime beaucoup Mukiele. Ouais. C'est un garçon dont la polyvalence défensive vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ramos, on est sur le côté gauche maintenant, Vitinha qui vient chercher avec Danilo, Vitinha de nouveau, Ramos. On revient vers la droite, Mukiele qui va s'appuyer sur Marquis. Vitinha qui demande tous les ballons comme d'habitude. Qui est tout le temps en mouvement, tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Récupération Lyon, rang central. Mais c'est trop ouais. c'est trop vite perdu. Cacré là, ça passe pas là. Techniquement, c'est pas passé. Position de hors-jeu peut-être de Kylian Mbappé. Défensivement, Mendes qui s'arrête et hors-jeu de Kylian Mbappé. Mendes en voulait à monsieur l'arbitre, mais on a suivi la règle qui maintenant doit laisser l'action continuer avant de signaler la position. C'est nul. Eh oui, on n'est pas dans ses réflexes. Zoula écarte un peu. Il écarte pas Taliafico là. Il mange la ligne. Il faut qu'il mange la ligne. Et oui, mais là maintenant, il est dans une situation défensive. Il pense déjà à la perte. Et en plus, il est en retard. Donc, ouais. Paris est étonnamment dans un faux rythme un peu. Paris, ouais. Gère. Ça passe par-dessus pour Kylian Mbappé, monsieur l'arbitre qui ramène le sifflet. Ça jouait trop vite. Ouais, j'ai l'impression que Paris joue petit bras, c'est étonnant. Mais... Ouais, il gère. Bizarre. Alors, on va voir si Lyon a bien travaillé à l'échauffement. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ouais. Allez, coup franc suivre avec Neymar derrière ce ballon. Combinaison à deux rapide avec Messi qui va décaler sur le côté gauche. Ça revient de nouveau sur Neymar qui va mettre le ballon dans la boîte pied gauche. Mendes pour repousser de la tête directement sur un Lyonnais qui va réussir à conserver. Oui, c'est fait. Ça, c'est bien ça. Ouais, mais regarde, le petit penant qui a réussi regarde un petit coup. À laquelle vitesse le repli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 joueurs par ici. Faut la gauche, faut la gauche. Allez. On part à gauche pour Lyon avec la casette, la montée de Taliafico. Mais pourquoi il rentre la casette qui peut profiter de l'appel dans l'axe parce qu'on va ouvrir sur Toko sur le côté gauche. Toko en retrait derrière lui sur Cacré. Cacré avec Alex Lacazette, la combinaison ne passe pas. Il y avait sur la trajectoire Achraf Hakimi qui, attention, va partir comme un TGV. Cacré est plus lent. Et du coup, Achraf a le temps de laisser monter ses copains. Intervalle sur Messi. Derrière lui, sur Vitinha peut-être. Non, pied gauche. Aïe, mauvaise transmission. Messi. Ouais. Problème de communication. Aïe, c'était vers Neymar directement sur Mendes. Encore une fois, regarde là. Ils vont pas assez vite, Lyon. Ils remontent pas assez vite. Et voilà. Et du coup, ballon perdu. Et du coup, Messi récupère. Et du coup, Kylian est dans la surface. Super retour. Super autorité de Mendes. Tac dans les pieds de Kylian Mbappé. Voilà. Ils m'ont l'air éreintés, Lyon. Ils m'ont l'air très fatigués. C'est après la première mi-temps, ils ont commencé tambour battant. Voilà, sauf que quelque part Lyon ne dispute pas de compétition européenne, donc Lyon serait censé être peut-être un peu plus frais que Paris Saint-Germain. C'est vrai aussi, c'est étonnant. Tu nous feras, Mathieu Bolt, un point également sur le. Ouh, attends, ça passe. L'occasion de Paris avec un ballon sur le côté gauche, l'intervention de Lopez, ça va revenir une nouvelle fois avec Danilo. Danilo qui va récupérer, extérieur du pied pour trouver Vitinha, peut-être en position de frappe, pied face, Cacré dans l'intervalle pour aller chercher Achraf Hakimi, ça ne passera pas, touche pour Paris sur le côté droit. Tu nous tiendras informé également du résultat de basket, s'il te plaît. Alors nous sommes, nous sommes dans le quatrième carton et l'Espagne mène 80 à 70. 10 points, 10 points pour les Espagnols face aux Français. Il reste combien de temps? Je reviens, je te dis ça tout de suite. Il était bien ton là. Ouais. C'était bien. C'est le plus long ballon de l'histoire. Oh la vache. Ballon jusqu'à Ramos. Mendes à gauche, intervalle sur Neymar. Mauvaise transmission, mal au gusto. Touche pour les Lyonnais. Il reste 20 minutes, c'est... Rien n'est joué. Ouais, mais il se passe pas grand chose non plus. Rien n'est joué, mais
Ouh, la touche. Il faut sortir plus vite là, les Lyonnais. Il faut sortir plus vite. Salia Fico à gauche avec Toko. Toko qui attend derrière lui la montée de Talia Fico. Et oui, soit tu lui donnes, soit tu vas plus vite vers Cacré. Voilà qui est joué, voilà, vers Cacré. Toko. Talia Fico. Il ralentit trop le jeu, Toko. Le penant à hauteur du rond central qui va ouvrir la base sur Malo Gusto, côté droit. Tout le monde est replacé. Oui, là, Talia Fico, il doit commencer à écarter là, regarde. Mais Gusto, oui, pas la largeur. Regarde, il est trop rentré à l'intérieur. Pas la largeur. Regarde, Cacré là. Mange la ligne. Sur Talia Fico, qui n'est pas effectivement assez écarté, c'est central. Alors, regarde la casette qui lui fait signe. Va chercher, va chercher. Je comprends pas pourquoi il est pas. Lui, il pense qu'à jouer. Voilà. Il pense qu'à jouer derrière. C'est soit lui, soit Toko qui doit. Exactement. Il y en a un des deux qui doit venir. Voilà. Il y en a un des deux qui doit manger la ligne. Je me disais, j'entends une voix, je sais pas ce qui se passait. Et c'est Mickaël de l'équipe Free Ligue 1 qui est à nos côtés, qui nous proposait but pour Paris. But pour Paris. Non, pas but pour Paris. Sauvetage sur Neymar. Incroyable. Je me demande comment ce ballon n'est pas allé au fond. Parce qu'il l'a joué. Il a joué trop facile. Intérieur, pied gauche, pour aller marquer. Ça, d'après moi, c'est peut-être un tournant. C'est peut-être un tournant. Ça peut être un tournant. Corner à suivre pour Paris. Au premier poteau, je vais répondre oui à Mickaël qui nous a proposé un petit breuvage sans alcool pour passer dans cette deuxième période. Wow, Sergio qui fait des fins de corps. Choc entre Talia Fico et Achraf Hakimi. Ça m'a surpris l'action de... Est-ce que, les gars, vous me sortez l'appli? N'oubliez pas les copains, l'appli Clipping. Si vous êtes abonné Free, vous l'avez, c'est en premium, c'est gratos pour vous sur votre téléphone. Vous téléchargez l'application Free Ligue 1 et vous avez le Clipping. C'est-à-dire toutes les petites séquences qui morcellent le match pour in fine avoir 30 minutes de la rencontre. Si vous n'avez pas l'option premium... Si vous n'êtes pas un abonné Free, vous prenez cette option payante sur l'application. Elle est vraiment pour quelques euros. Et vous avez ce mode clipping pour avoir l'occasion. On la regarde. Regarde, viens voir Ju. Regarde l'occasion de... Il la joue vraiment facile. Il a joué facile. Simple. Il la joue facile. Intérieur, pied gauche. On était à la 72e. Il la joue trop facile. C'était le but du chaos, ça. Ouais. Téléchargez les applis. Il va y avoir un triple changement, je crois. Cherki. Cherki qui va rentrer avec son numéro 18, ça c'est sûr. Pour moi c'est trop... Trop tard. C'est trop tard, il faut le faire jouer une bonne demi-heure, je comprends pas. C'est toujours pareil avec ce joueur. À chaque fois il le fait jouer 10 minutes, un quart d'heure. Il va faire rentrer également Reine Adélaïde. Choix offensif pour l'Olympique Lyonnais, c'est logique, il faut aller chercher maintenant. Cherki et Reine Adélaïde vont entrer en jeu. Qui sort, qui sort, qui sort, qui sort? Ouais. Toko et Tété. Toko et Tété. Ouais. Ok, on voit ça. T'es d'accord? Oui, oui. Toko et Tété. Toko et Tété. Toko et Tété. Toko et Tété. Allez les amigos, Paris qui prend ce ballon. Transversal vers Achraf Hakimi, elle était lointaine de la part de Sergio Ramos. Récupéré par Talia Fico de la tête. Rattrapé dans sa volonté d'aller orienter par Mukiele. Mais le contre est favorable pour l'Olympique Lyonnais. Avec un ballon dans l'intervalle, c'est trop fort ça. Tété, c'est trop puissant pour aller chercher Toko. Ça ne passera pas, le double changement est annoncé. Hey, c'est Cacré qui sort. Cacré qui sort, Reine Adélaïde qui entre. Donc ça veut dire qu'on va aller jouer ultra offensif. Ouais, il prend des risques. Tété hein, qui sort. Tété qui sort. Ouais, c'est Tété. Ouais. Donc c'est un choix offensif. Ouais, René Dalida avec le penant. Donc, le penant. Cherki à droite là-bas. Alors attends. Le penant Adélaïde. Cherki à... Ouais, c'est Cherki à droite. Cherki à droite. Le penant René Adélaïde. Ouais, en fait, c'est du poste pour poste. Ouais. Le penant très bon dans les positions. Très bon le penant dans les positions. Ça passe. Ouf, Mukiele qui est sorti dans les pieds comme une balle sur Toko.
Honnêtement, Ramos, pour moi, c'est le pire match qu'il fait cette saison. Ouais, ouais. Il est vraiment surprenant, il perd des ballons assez faciles. Bon, dans le duel, il a été facile à être éliminé. C'est surprenant de le voir faire ce match-là. Ah, mais c'est Luis Enrique qui l'a flingué, il l'a pas convoqué, donc ça y est, là, il a perdu l'influx de la concentration et du retour de la Coupe du Monde. Attention Mbappé, qui a vu Achraf dans l'axe. La tête. Mbappé qui va accélérer dans l'axe. Oh non. Il n'a pas vu Achraf. Oh non, l'assassin. Ouais, là, d'après moi, il non, l'a mais vu. Là, c'est trop. Là. Et là c'est là, bon, il a déjà eu la dernière fois. Là, c'est encore plus flagrant. Là, c'est trop. Là, il abuse. Déjà tout à l'heure. Et qu'on ne parle pas d'ego, là, c'est son pote. Ouais. Donc c'est un choix vraiment fort. Lyon doit en profiter, les gars. Exactement. Lyon doit en profiter. Il y a trop d'actions côté Paris qui sont gâchées. Et Lyon doit en profiter. Il joue la ballon sur l'extérieur, sur le côté intérieur. On est à la 77e minute. Ballon dans la surface de réparation. Malo Gusto le centre. Oh, ça revient. Oh, la main. Pénalty peut-être. Non. Pénalty. Oui, non. Selon monsieur l'arbitre, ça va peut-être revenir. Et corner à suivre pour l'Olympique Lyonnais. Il y a hors-jeu. Position de hors-jeu. Alors, monsieur l'arbitre. Pas de hors-jeu. Si, pardon, hors-jeu. Pas de corner. Hors-jeu signalé. On est resté au sol du côté du Paris Saint-Germain et en attendant, pas de pénalty. On va revoir ça sur nos téléphones. Ce qui est sûr, c'est que Lyon doit y aller. Lyon doit y aller. Oui, mais c'est... Il faut y aller, il y a la place. Dès que tu dédoubles, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai pas. Attends, c'est quoi qui. Je vais voir si mon portable. Non, même pas checké. C'est même pas, c'est pas checké. Non, c'est le dédoublement, peut-être. Il lui met un peu tard. Ah ouais, peut-être. Et pendant que vous regardez l'action, petite brève pour vous dire que l'Espagne est championne d'Europe de basket. Score final 88-76. Qui est de la percée. Sur le côté, Malo Gusto déstabilisé. Messi qui va ouvrir là-bas sur le côté gauche avec Neymar. Neymar qui redonne à Messi. Ballon pied gauche. Quelle parade. Énorme parade de Lopez. Ouais, magnifique là. Le 1-2 et Neymar. Quelle vision encore une fois. Il attend le bon moment. Il met cette passe. Franchement, je n'avais pas vu venir celle-là. Non. Ça, non. C'est encore un signe fort pour l'Olympique Lyonnais. La dernière muraille reste. C'est Lopez. Encore un signe pour aller chercher le point du match nul. Il y a Lopez qui fait quand même un drôle de match ici. Lopez fait un bon match. Corner est à suivre. Frappé au niveau de l'arrêt de la des 6 mètres. Ça sera repoussé. Récupéré par Paris. La faute peut-être du Lyonnais. Non, c'est laissé à l'avantage pour les Lyonnais. Avec Cherki qui est parti comme une balle. L'appel sur le côté gauche avec Toko. Cherki qui temporise. Il y a faute de Danilo. Il y a faute de Danilo. Mais pas de carton. Mais c'est carton. Bien sûr que c'est carton. Peut-être que monsieur l'arbitre va lui remettre après. Peut-être qu'il va lui remettre après. C'est ce qui fait signe à Alexandre Lacazette. Ah ouais, comment il arrête le jeu, c'est peut-être. Oui ou non, ouais, mais on va voir la prochaine arrêt de jeu. J'aurais pas dû la jouer vite comme ça. Vitinha avec Neymar. Neymar, le ballon n'est pas sorti. On verra ce que dit monsieur l'arbitre après. Ballon jusqu'à Messi dans le rond central. Messi qui a passé la ligne médiane. On est plein axe. Ah, à droite, peut-être pour Vitinha. Messi qui va donner sur Neymar. La balle de match pour Neymar. Oh, le record. Thiago Mendes. Il fait une deuxième mi-temps. Lopez Mendes. Encore une fois, Messi, par contre, il se sert de l'appel de Mbappé. Et voilà, l'inverse de Dembélé. Ouais. C'est limite, hein. Ouais, il la ramène vers le coin. C'est limite, ça. Regarde. Ah. On est en train de vérifier la main sur le mode clipping, les amis, de votre appli Freeliga. Et là, on est passé sur l'occasion maintenant de Neymar et le superbe arrêt. Oh, parade qu'il fait. De Lopez. Messi est en train de monter en pression dans la fin de ce match. Il essaye de faire le moment de bascule, mais ça ne passe pas. Tu vois, regarde, Toko Ekambi, comme il remonte, regarde où il est. Non. Regarde, à deux à l'heure, et voilà. Taliafico avec Toko, qui repart maintenant dans l'axe, jusqu'à Reine Adelaide, qui cherche une solution à gauche, il n'y en a pas, ça c'est sûr. On repasse par le penant sur le côté droit, jusqu'à Malo Gusto. Cherki. Avec Cherki. Ça joue, ça marche. Là, ça joue à deux à l'heure, ça joue à deux à l'heure. On est entré dans les 10 dernières minutes.
Ouais, bah, alors là, je t'explique. Si tu comptes prendre Mounion vitesse, approche-toi. Rousseau qui avait tenté le coup, Vitinha dans la surface de réparation. Maintenant, tactiquement, ça passe la côté Paris. Techniquement, pardon. Ça passe côté Paris. Ramos qui manque encore. Son renvoi directement sur Cherki. Le 1-2 entre Alex Lacazette et Cherki, ça ne passera pas. Récupération de la défense centrale du Paris Saint-Germain. 81e minute. Directement sur Neymar. Vitinha la retombée. Là, ça va tomber, là. Choc avec Malo Gusto. On laisse l'avantage. Ballon dans la surface directement sur la poitrine de Marquinhos. En deux temps avec Ramos. Marquis qui redonne à Ramos pour sortir de la surface de réparation. Ballon sur le côté gauche. Rendu à la touche pour Lyon. Et Ramos, je l'ai rarement vu faire un match aussi mauvais. Regarde, il sent pas le coup. Hein, garçon, viens là, va. Encore, mange. Mais qu'est-ce que tu fais? Il va où là? Voilà. Tagliafico avec Reine Adelaide, Toko et Kambi. La solution elle est là-bas. Il recule là-bas, Toko, il recule Toko. Côté, devant Reine Adelaide qui reprend latéralement jusqu'à Le Penant. En une, voilà. En une, bien joué. Mendes là-bas au fond pour Cherki. À l'arrêt de la surface de réparation côté droit en regardant la cage de Donnarumma. Malo Gusto, le centre. La tête de Lacazette, elle est contrée, il y a corner. Le gros Pavard Stadium qui gonfle un peu plus. Oh, elle partait bien. Elle partait très très bien. On a Tonio 32 sur les réseaux qui nous dit est-ce que Lyon n'est pas en train de se saboter et en loupant les derniers gestes comme ça, est-ce que l'équipe va beaucoup regretter? Ben ouais, t'as raison, ils vont regretter si ça reste comme ça en tout cas, avec toutes les situations. Corner à suivre, deuxième poteau, la tête de Ramos pour ressortir, Le Penant à la retombée de ce ballon, en une qui remet une espèce de chandelle qui tombe directement dans les pieds des Parisiens. Récupération avec Neymar qui va pouvoir attendre, il va tomber. Voilà. Ouais, logique. Il fait la Neymar. Logique. Après, oui, Lyon va le regretter, mais par contre, si Lyon. Sans alcool, magnifique ça. Si Lyon marque, Paris va regretter aussi toutes leurs occasions loupées. Solaire qui va faire son entrée en jeu. Eh, c'est du jus de pomme votre truc? Bah on dirait. Une sorte de shampoing. Exactement, c'est ce que j'allais dire, une espèce de shampoing. Mais c'est bon. À droite, Danilo avec Achraf. 83e. Carlos Soler qui va faire son entrée en jeu. L'ex de Valence. À la place de qui les gars? Celle-là elle est bonne. La casette elle est bonne. Avec Dembélé la frappe. À côté. Le cadre n'est pas trouvé. 6 mètres pour le Paris Saint-Germain. Par contre, j'ai aussi beaucoup aimé le match de Danilo. Très très bon. Lui aussi j'aime bien. Mm-hmm. Alors à la place de qui, pardon, Carlos Soler? Messi, la spéciale ou Neymar? Ouais, Messi, je pense. En tout cas, je peux vous dire qu'il fait pas chaud à Lyon. Moi, je suis bien. Malo Gusto qui avait poussé dans le dos, Neymar qui avait pu prendre pour autant l'avantage, mais le ballon revient pour les Lyonnais. Cherki, il reste 5 grosses minutes avant de voir le temps additionnel s'afficher. Ballon derrière, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain, seul leader pour l'instant de la Ligue 1 après le match nul de l'Olympique de Marseille. Si Lyon égalise, statu quo du coup au soir de cette 8e journée. Ballon dans l'intervalle pour aller chercher Tagliafico. Corner! Non, là Donnarumma. Je suis d'accord. Pour moi, il y a 6 mètres. Il y a 6 mètres. Ouais. Il y a 6 mètres, c'est Tagliafico qui la met. Gigi Donnarumma, il est fou. Il est fou furieux. Non, mais tu imagines, tu prends un but là? Ça joue à deux. Ça joue vite. En deux temps. Avec. Ouais, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Ça joue en plus. Ah, oh là. Ouais. Non, ça, oh, ça s'appelle rattraper sa boulette. Ouais, ouais. Neymar. Il y a Galette qui vient de demander à Neymar si ça allait. Pour savoir quel était le changement, il lui a fait un signe. Oui, ça va, du coup, c'est Neymar effectivement qui change. Sinon, au dernier moment, je pense que Galette aurait changé. Ouais.
Entrée de Carlos Soler. Entrée de Carlos Soler pour les derniers instants. Les consignes passées avec Messi. Neymar moyennement content de sortir. Comment on se positionne là? Il passe à 3 là au milieu. Ouais, Danilo dans la défense et les 3. Ouais. Ouais. Okay. Vitinha, Danilo, Soler. Vitinha, ouais. Soler. Danilo, Vitinha, Soler, effectivement. Et Hakimi plus haut. Hein. Ouais, un cran plus haut. Du coup, ça va freiner complètement Toko. Qui avait déjà pas besoin de beaucoup. Hein. Ouais. Et Taliafico, du coup. On va oublier ce côté-là. Et du coup, Lyon va devoir aller travailler de l'autre côté avec le penant. Bon ballon de Mendes, loin justement, tiens. Sortie de la tête de Donnarumma. Achraf évite la sortie. 85e minute. 87e, oh, pardon. 87e. Ouh, oh, si, mais. Ouf. Et quid des critiqués, parce que en conférence de presse hier, question a été posée à Galtier sur son temps de jeu. Il a dit qu'il avait des schémas à adopter, il devait progresser, qu'il commençait à piaffer d'impatience, mais là on est à la 85e et c'était peut-être l'occasion de le faire rentrer, non? Il s'est même pas échauffé. Non, là, il est bien assis sur le banc. Il n'a pas été dans les choix d'échauffement. Alors que la jeunesse lyonnaise, un homme qui est entré dans ce plan de jeu de Bose, l'un des jeunes de la formation lyonnaise. Barcola qui va rentrer, t'en bouge pas. Attends, je... Qu'est-ce qui est sorti? J'ai même pas vu. Toko et Kambi. Toko, merci. Il a pris une belle petite ovation. Ouais, il se fait siffler, mais il sort en marchant. C'est naze. Enfin, je comprends pas, moi, c'est sifflé. Ouais, le bon. Penant dans le rond central avec Taliafico. Allez! On veut encore voir quelque chose. Là, du suspense jusqu'au bout. Reine Adélaïde sur le côté gauche. Donc, Barcola est venu se caler là sur le côté d'Achraf. Faire reculer Achraf. On est avec Cherki là-bas sur l'arrêt droite qui avait tenté le passement de jambe sur son vis-à-vis. Ça ne passera pas. Récupération Paris. Carlos Soler avec Vitinha. Ballon derrière jusqu'à Ramos. Décalage Mendes. Ramos de nouveau qui va ouvrir. Voilà qui est fait. Jusqu'à Mukiele sur le côté droit. Achraf la demande. Il est servi. Taliafico pour lui fermer la route. Intervention peut-être de Barcola, ça passera bien techniquement, ça passe parfaitement là du côté de Paris, entre Mukiele, Achraf, Danilo, jusqu'à Carlos Soler. Mbappé qui s'approche de la surface de réparation, qui va l'allonger maintenant, revient sur le côté gauche, extérieur gauche pour servir Carlos Soler. Vitinha, on recule, Danilo. Soler, Danilo, près du rond central, 89e. Voilà, il faut aller presser, je comprends pas là comme. Sincèrement, j'observe un peu la rentrée de Cherki. S'il change pas de rythme, je comprends pourquoi il rentre pas beaucoup. Hein. Ouais, si tu regardes ses courses, il demande le ballon à l'arrêt. Il met du temps à remonter alors que le bloc il remonte. Franchement, je suis énormément surpris de. Je m'attendais à un garçon qui rentre en montrant de l'envie. Avec plus de peps. Là, en ayant faim. Ouais. Ça c'est bien joué. Jusqu'à Messi. Bon, Messi derrière lui. Petit jonc jusqu'à Danilo. Regarde, Mendes sur le côté gauche. Cherki n'est pas sur la couverture. Ouais. Il laisse tranquillement Mendes passer à Mbappé. Il ne va même pas poursuivre. Il va le récupérer parce que le contre lui est favorable. Mais le coup franc est pour le Paris Saint-Germain. Faute sur Carlos Soler. Si défaite il y a de l'Olympique Lyonnais ce soir, est-ce qu'on va encore utiliser l'oxymore comme ça a été utilisé la semaine dernière, de défaite encourageante? Non. Celle-là, non. Franchement, non. Il y a eu des bonnes choses, mais non. Tu peux pas. Il y a eu le coup de tête de la Lacazette. Il y a eu quoi d'autre comme occasion vraiment très franche? 4 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'il y a eu d'autres occasions vraiment très franches? Non. Ils ont eu des situations, mais pas. Il y a eu situations, mais. Non. Pas de gros. C'était le tournant. Et puis même dans leur. Dans leur envie d'aller vers l'avant, je les ai pas trouvés plus incisifs que ça, quoi. Messi pour frapper le coup franc pied gauche. Lacazette s'est mis au sol derrière le mur pour éviter le ballon au sol à la demande de Lopez. Trois hommes dans la surface avec Ramos, Mbappé et Danilo. Les autres sont à l'extérieur de la surface.
Messi pour frapper, le coup français parti sur la barre transversale, cela revient. Hors jeu, hors jeu. But, mais position de hors jeu, c'était Ramos. Quelle parade encore. Quelle parade, il va la chercher dans la lucarne. Il y a main de Lopez, barre transversale, le ballon retombe sur Danilo qui ramène le ballon vers la boîte. Ramos le met au fond, mais position de hors-jeu de Sergio Ramos. 90e, on est entré dans ces 4 minutes de traditionnel. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il vérifie là. Je sais pas qu'il check, voir s'il y a but quand même. Hein. Le deux signé vite. Parce que je crois qu'il y a un joueur qui est. Ça joue. Qui était à la hauteur de Sergio Ramos. But refusé, ça joue. Allez, les ballons loin devant Peter Bosz qui est sorti, qui demande à tous ses hommes de monter. Ouais, mais c'est avant ça. C'est... Décalage de la tête qui est trouvé directement sur le pied gauche de Mukiele qui renvoie au plus loin jusqu'à Malo Gusto avec Cherki. Gusto vrai, derrière lui. Cherki, ouais, je suis d'accord. Il est hyper décevant là. Sa rentrée, il a 20 ans. Ouais. 20 ans à Lyon, tu rentres contre le PSG, je sais pas, tu viens de prolonger. Le choc entre Tagliafico et Vitinha, avec derrière lui Barcola, Muscle qui vient chercher, Lacazette qui est au sol, mais le ballon est passé, coup de sifflet de monsieur l'arbitre, faute, il y avait un ballon à jouer pour le penant qui va laisser, non monsieur l'arbitre laissez jouer là, ça joue, allez on est à 3 mètres, du coup Alexandre Lacazette va attendre que tout le monde rentre dans la boîte, toucher légèrement aux adducteurs, Lacazette, tout le monde va monter, le gros Pama Stadium va pousser, on se dit que c'est là, peut-être sur coup de pied arrêté, on est dans les derniers instants. Lacazette dans la boîte. Oh, bien tiré ça. Bien tiré. Les deux points de Donnarumma. Ça revient dans les pieds lyonnais. Second, pour second. Peut-être mettre Dembélé qui frappe ses corners. Non, c'est 6 mètres. 6 mètres pour Paris. Donnarumma, il a été costaud. Hein, sortir comme ça. Dans... Carton jaune sorti pour qui? Pour Donnarumma? Ouais. Temps de jeu? Ok. Ça, c'est... Ça, je comprendrai jamais. Ouais. Galette qui demande à ses hommes de resserrer tout derrière pour éviter et garder soin 1-0 précieux. 90e, le ballon est aérien. Il reste une poignée de secondes pour Lyon pour tenter de revenir. Ballon dans les pieds d'Achraf Hakimi. Poursuivi par Barcola. Tagliafico qui récupère avec Barcola de nouveau. Reine Adelaide, le penant. Ballon intercepté par Achraf Hakimi qui regarde de l'autre côté, qui a vu qu'il y a Mbappé. Pied gauche, le contrôle. Face à lui, il y a Gusto. Mbappé, la frappe, c'est contré. Dans les pieds de Cherki. Lyon pour reprendre. Avec Malo Gusto qui demande justement à Cherki de monter. Ballon loin devant. Dembélé accroché par Ramos. D'accord. Non. Ah ouais, ok, d'accord. Main de Dembélé sur le mouvement aérien alors que Ramos n'avait pas sauté. Il y avait plutôt peut-être faute du défenseur central. Ouais, complètement. Monsieur l'arbitre qui donne la main favorable du coup à la défense du Paris Saint-Germain qui relance. Voilà, mais si je t'explique, si tu ne montes pas dessus. Ça va se terminer. Monsieur l'arbitre qui a mis le sifflet à la bouche. Il regarde encore une fois son chronomètre. Le ballon est en jeu. Il regarde sa montre. Marquinhos a ce ballon. Le Paris va ce soir dormir seul leader de la Ligue 1 au soir de la 8e journée. Après le match nul de l'Olympique de Marseille, on vous le rappelle. Ballon dans les pieds maintenant de Carlos Soler qui s'approche du rond central. Voilà qui est fait. Qui repasse dans son camp derrière lui jusqu'à Marquinhos, le capitaine. Que dit monsieur l'arbitre? Il est joué encore. Ramos. Paris garde ce ballon au chaud. Ballon sur le côté gauche, récupéré peut-être avec Cherki. Non, ça ne passe pas, c'est terminé. C'est terminé. Paris leader seul, victoire 1-0 sur le but dans les 5 premières minutes, signé Léo Messi. J'ai trouvé Lyon décevant, sincèrement. Ouais. Alors ce qu'on va faire les amigos, normalement le son marche. Mathibold, on va continuer avec le son. Si tu vois qu'on décroche, tu récupères le temps pour nous de descendre. Ça marche? D'accord. Ok, enseignement les gars. Par où on va descendre là, Nico? On descend par là? On descend par là normalement. Hein? On est d'accord. Ok. Donc on doit descendre par là. Enseignement pour toi, Jus, c'était quoi l'enseignement majeur?
un lion qui a manqué d'ambition. J'ai pas trouvé qu'il jouait un grand match contre une grosse équipe. J'ai l'impression qu'ils ont voulu gérer je sais pas quoi, mais à 1-0 pour le PSG, j'aurais voulu voir beaucoup plus et ça n'a pas été le cas. Et mis à part la tête d'Alexandre Lacazette, on n'a rien vu. Rio, ça en valide, on est d'accord qu'il aurait fallu voir Lyon tenter un coup parce qu'il y avait de la place, on l'a répété, il y avait de la place. Ouais, on aurait aimé voir Lyon avec un peu plus de punch. Alors ils ont été capables de le faire par moment, mais après face à Paris, c'est pas évident de courir toujours derrière le ballon. Je pense qu'ils ont un peu souffert de ça physiquement. Il fallait de l'endurance mentale et ils n'ont pas forcément eu tout le temps. Et là où ils n'ont pas été bons, c'est dans leur moment clé, leur moment fort. Là, il fallait valider par un but et ils n'ont pas su le faire. Donc voilà, victoire logique du PSG. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez comme enseignement positif du Paris Saint-Germain? Au-delà de la victoire, hein, au-delà de ce... Tu vois très bien que le PSG, quand ils veulent et qu'ils veulent aller plus vite que les autres, c'est très facile pour eux. C'est très très facile et ils arrivent à leur fin sans un grand Lopez et être un peu plus tueur, ça aurait fini à 4 ou 5-0. Donc c'est compliqué quand même. Ouais, de mon côté, enseignement positif, je vois le travail défensif, mine de rien, des trois attaquants. On a vu Mbappé, on a vu Neymar revenir défendre. Je pense que ça c'est bien parce qu'ils ont, ils ont au moins travaillé dessus. Et après ils ont su gérer leur match, hein, tout simplement. Ils ont su gérer leur match comme ils le souhaitaient, à leur tempo. C'était à chaque fois qu'ils ont des tests, ils arrivent à les remporter. Donc pour moi, le PSG fait son match, même s'il manque d'efficacité. Ouais, ils ont manqué d'efficacité, mais encore une fois, comme je te le dis, sans un grand Lopez, ça aurait pu être beaucoup beaucoup plus lourd parce qu'il fait 4-5 vrais arrêts. Et s'il y a, allez, avec la tête d'Alexandre Lacazette, s'il y a 4 ou 5 à 1, il n'y a rien à dire, quoi. Le retour des Lyonnais est juste sous nos yeux, avec Alexandre Lacazette, avec Cherki, avec Taliafico, avec le petit Barcola, avec Dembélé qui avait ce choix offensif à deux attaquants côté Lyon pour tenter un coup. Cacré au milieu de terrain, l'entrée de Le Penant qui a donné de son côté également. Ouais, c'est pas facile, hein, quand on a livré ce match. Il y a quelque chose qui pouvait se faire, du côté de l'Olympique Lyonnais. Il fallait faire plus. Pour quelque chose, il fallait faire plus. Et ils n'ont pas su le faire, ça. Ils n'ont pas su le faire. C'est pas simple pour cette semaine de Paris, parce que on peut pas dire, là on a tous gardé l'adjectif de poussif après la Juve, après Brest, après le match face au Maccabi. Est-ce que vous donnez encore ça là? Non, comme je t'ai dit, j'ai vachement insisté sur le travail défensif des attaquants. Okay. Ils ont géré leur match, ils ont eu beaucoup de situations. Le gardien a fait pas mal d'arrêts, ils ont manqué d'efficacité devant le but. Non, franchement, ils ont fait un match complet, même si de temps en temps, ils se sont relâchés. Le seul bémol, c'est peut-être ça, qu'ils sont relâchés défensivement. Et Sergio Ramos, pas au niveau qu'il a depuis ce début de saison. Vous vous êtes exprimé également dans l'avant-match sur le choix de Fabian Ruiz. Vous l'avez validé. C'est un choix qu'on peut revoir comme titulaire, ou il y a des choses à faire pour voir Fabian Ruiz prendre une place de titulaire à Paris? Non, je pense que pour être titulaire, il en faut quand même beaucoup plus. Dans une rotation pour ce genre de... Pas ce genre de match, mais pour la Ligue 1, c'est bien. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, si ça va un peu plus vite et c'est un peu plus costaud, ça ira trop vite pour lui, pour le moment. Non, pour le moment, il n'y a pas photo. Vitinha, Verratti, c'est la paire qui doit jouer au PSG au milieu de terrain. Dans les enchaînements techniques, il a eu un peu plus de difficultés. Mais je pense que s'il arrive à monter en puissance, il pourra faire du bien au PSG. Mais pour le moment, non, c'est clair et net, Vitinha et Verratti. Oui, c'est... Alex, est-ce que tu me permets de vous donner quelques... Vas-y, est-ce que tu me permets de te donner quelques statistiques sur le match? Alors la possession finale. C'est 34,4% pour Lyon, 65,6% pour le PSG, 12 tirs dont 3 cadrés pour l'Olympique Lyonnais, 15
dont 8 cadrés pour le Paris Saint-Germain, 410 passes pour Lyon et 798 passes pour le Paris Saint-Germain. 798 passes pour le Paris Saint-Germain. C'est énorme. Les garçons, je fais un récap du coup sur les résultats de cette journée et donc le classement, l'incidence avant les premières réactions qui vont arriver à notre micro. Je vais vous montrer également les positions moyennes dans ce match. Je reviens tout d'abord sur les résultats. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que Monaco s'est imposé à Reims 3-0. 3 a battu Clermont 3-1. Match défaite de l'OGC Nice à domicile face au SCO d'Angers 1-0. Match nul donc entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, un but partout. Ajaccio s'est imposé à Brest 1-0. 0-0 entre Nantes et Lens et donc cette victoire du Paris Saint-Germain. Incidence au classement avec les résultats depuis vendredi. Paris est donc un seul, 22. Marseille 20. Lorient 19. Lorient est sur le podium. Lorient est sur le podium à la 8e journée avec 19 points. Lens 4, 18 points. L'AS Monaco est 5, bonne remontée de l'AS Monaco à 14 points. L'Olympique Lyonnais au sortir de ce match est 6e avec 13 points, tout comme Lille 7e. 8 pour Rennes, 12 points. 9 pour Montpellier, 12 points. 3, 10 avec 10 points, tout comme Clermont 11e place. 12, Toulouse 8, Nice 13, 8, Angers 14, 8. 16 pour Auxerre, 7. Les quatre derniers pour l'instant, Reims, Strasbourg, Brest et Ajaccio. Alexandre Lacazette qui va très certainement nous retrouver, le capitaine de l'Olympique lyonnais. Je voulais vous montrer également les positionnements moyens et qu'on voit certains axes sur certains joueurs. Je vais vous les montrer également à la caméra. On va revenir sur le match. Tac, tac, tac. Je reviens. Composition d'équipe, positionnement moyen. Voici le positionnement moyen sur les 90 minutes de l'Olympique lyonnais. Ouais, okay. Dans l'axe. Là, je vous montre le Paris Saint-Germain. Ultra groupir. Très compact. Quel joueur vous voulez voir la zone d'action, les garçons? Moi, j'aimerais bien voir Mbappé. Je pense qu'il a été beaucoup, sur le côté gauche, mais qui a encore joué pour moi la tête dans le guidon. Est-ce que si je me rapproche de la caméra, tu me dis la zone d'approche que je peux avoir au max pour que tu puisses voir le travail de Kylian Mbappé? Est-ce que tu veux que je rapproche un peu plus ou pas? Encore un peu? Voilà la zone de Kylian Mbappé. Vous voyez le positionnement moyen des Parisiens. Je vous montre le positionnement moyen des Lyonnais. Tac, que vous compreniez. Là, on attaque dans l'autre sens, vers le bas. On est d'accord? Ok, voici les Lyonnais. Vous le voyez, il y a un peu plus d'espace entre les lignes. Vous êtes d'accord, Jus et Rio? Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on mentionnait. Oui, il y a trop d'espace. C'est... Et notamment, regardez, entre les deux défensifs derrière et le milieu de terrain. Lorsque la Lacazette... La zone de la case, justement. Tu veux la zone de la case? Ouais. Regardez, tac. Je vous la mets, tac. Regardez, aïe, pardon. Regardez, zone d'action d'Alexandre Lacazette. Eh ouais, il est partout. Tu te rends compte, il est partout, quoi. Alors, il est bien évidemment c'est énorme parce plus qu'il... dans l'axe et devant, mais le ça mec. Ça représente son match, ouais. Regarde, tu vois l'étage dans sa surface. On va lui montrer ça d'ailleurs. Ouais. On va lui montrer le positionnement moyen et la distance qu'il y avait avec la ligne de derrière sur l'impact. Toujours ce choix dur d'aller, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule sur l'arrivée offensive de l'attaque du Paris Saint-Germain. Je regardais justement les zones défensives de Thiago Mendes, ok, nanana, et je regardais l'apport de Taliafico sur le côté. Ouais, quand même, hein. Mais il a beaucoup d'activité, mais sauf qu'à la fin, il fallait qu'il écarte pour mettre plus de largeur et faire tout le PSG. Et lui, il est à l'intérieur, donc il facilite le travail défensif de Paris. Hein. Tout le match. Qu'est-ce que vous gardez du coup aussi sur le choix de Peter? Est-ce qu'il doit aller travailler encore sur ce choix deux attaquants ou revenir à son original? Moi, je pense qu'il peut y aller. Il peut y aller parce qu'il n'aura pas le PSG tous les jours et ça a montré un peu de poids. Alors évidemment qu'ils n'avaient pas beaucoup de situations face à Paris, ils n'avaient pas trop le ballon, mais je pense que face à une équipe où ils vont dominer, ça peut leur faire du bien. Oui. Alex Lacazette qui se présente à nous. Ça va, Alex? Salut, Alex. Ça va? Tiens, je t'en prie. Toi. Voilà. Alex, je te montre un petit truc. Alors, je te montre ça. Tu sais, c'est le positionnement moyen de ton équipe au terme des 90 minutes. Ok, bon, ta position ici, on t'a vu absolument partout. Ok, on avait l'impression que tu étais avec ton frère jumeau et ton triplé. Dis-moi, on a été emmerdé sur un truc. On t'a vu à plusieurs reprises dire à tes deux centraux, les gars,
venez taper tout de suite là sur le dos des Parisiens qui montaient. Manque peut-être de rapidité, d'impact défensive, sans accuser les tiens, hein, mais pour monter, aller les chercher. On a senti ça vraiment dans les 20-30 premières minutes. Tu confirmes notre oui, sentiment? Ouais. Parce que j'avais envie qu'ils soient plus proches de Kylian, de Neymar et Messi. Après, forcément, quand je joue Kylian, il y a toujours cette crainte dans le dos parce qu'il va à 2000. Donc après, sur le terrain, j'ai toujours envie que mes défenseurs soient proches de moi. Mais c'est le match, je leur demande des choses, mais il y a la réalité aussi du jeu. Ils savent ce qu'ils font, donc ils savent très bien que c'est juste le match, je parle beaucoup, mais des fois pour rien. Ouais. Nous, on avait envie de te voir avec Moussa Dembélé, parce qu'on se doutait qu'il y avait des choses à faire ce soir. C'était peut-être pas le match parfait pour essayer, parce que c'était dur de vous trouver. Comment tu t'es senti, toi, sur le terrain avec Moussa? Bien, j'ai aimé cette position où un peu de liberté. Ouais. J'ai touché plus de ballons. J'étais moins au duel avec les défenseurs. Donc c'était pas mal. Après, on n'a pas eu beaucoup de temps. On a eu une semaine pour le préparer, enfin quelques jours. Mais peut-être qu'avec le temps, ce sera mieux. Tu penses qu'il faut persister dans ce système, d'ailleurs? Pour moi, ouais, c'est intéressant. Après, c'est le coach qui décide chaque week-end et pas l'influencer. Ouais, une question, Alex. Je sais que tu penses. Je sais à quoi. Tu sais ce que je vais te dire. Ta tête, ouais. Tu la prends parce que je voulais la croiser, puis j'ai vu que le gardien n'a pas bougé, du coup j'ai changé d'idée, et puis entre le temps ça va très vite et j'ai loupé ma tête. Du coup il y a beaucoup de regrets sur cette occasion. Qu'est-ce qui te manque d'après toi là pour le groupe là, pour il y avait de la place quand même, hein, il y avait une place pour aller chercher ce match nul. Ouais, il y avait après c'est vrai que Paris c'est une grosse équipe, ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Ouais. Techniquement c'est vraiment au-dessus de ce que j'ai pu voir dans le passé. Et c'est à nous de continuer à travailler, d'être plus réaliste dans les deux surfaces, parce que là, c'est là où ça se joue. Et je pense qu'on est quand même sur le bon chemin. C'est pas parfait, mais on va continuer à travailler comme ça. Ce milieu de terrain que vous avez avec Coco, Tolisso, là devant la défense, qui lui aussi doit avoir ce rôle pour dire aux défenseurs, venez les gars, venez taper. Et les deux jeunes qu'a créé Le Penon, on a nous fait un focus sur eux. Ce travail entre ces lignes-là, comment tu vois le travail de ces deux jeunes-là? Toi qui es le papa, un peu le grand frère de ces deux gamins-là. Ils ont beaucoup d'envie, même à l'entraînement et le monde, ils ont beaucoup d'envie, ils ont envie de progresser. Ils sont un peu embêtés des résultats de l'équipe, comme tous les joueurs d'ailleurs, mais je sais qu'en travaillant bien, il n'y a pas de raison qu'ils réussissent. Bon, on va pas t'embêter plus longtemps. Ça y est, l'histoire de la voix, ça y est, tout le monde sait. Et donc, tu vas avoir cette opération, c'est quand alors? C'est la semaine prochaine. Semaine prochaine. Ouais. Tu voulais pas en parler avant, en fait? Non, c'est ça. Tu voulais pas du tout en parler? Non. Non, c'était bien de. Ça a pu amuser beaucoup de personnes sur Twitter. C'est pas mal. En plus, t'as raison. Bon. Du coup, non, j'ai pas besoin de savoir. Non, il faut concentrer sur le football. T'as raison. J'ai pas envie qu'on parle pour rien. Bah, après, l'info a fuité, mais sinon, ça devait rester discret. Tu te fais opérer c'est en France? Oui, tu c'est ça? À Lyon. À Lyon. Ouais. C'est long ces trucs-là? Comment ça non, se passe? Non, c'est, je rentre le matin, je ressors et pendant une semaine, je dois pas parler. Donc, pendant une semaine, je parle pas. Non. Les collègues sont tu vois content les coéquipiers. Et après, je reviens. Bon, et on te souhaite le meilleur sur cette opé. Et merci d'être passé merci au micro. Beaucoup. Merci Alex, infiniment. Merci. Ouais. Merci Alex. Bon, voilà qui est réglé avec cette opération. Il voulait pas en parler, c'est simple. Hein ouais. Ouais. Ça fuite toujours. Comme d'habitude, ça fuite. Ouais, ça fuite. Et puis après, il y a toujours. Voilà. Et ça fait rigoler sur Twitter. Ça et oui, fait rigoler hein. Sur Twitter. C'est comme ça que ça se passe. Intéressant de voir. On a senti dans sa réponse que ce système à deux, ça lui plaisait. Il aime bien lui. Hein ouais, c'est... Mais ça lui plaît parce qu'en fait, lui, il redescend. Il est. Bon, on l'a vu. Hein, on a vu avec ton portable. Il est beaucoup plus libre. Donc, il peut venir chercher les ballons. Il aime faire le jeu. Ça ne l'empêche pas d'être à l'arrivée aussi, on l'a vu avec la tête dont Rio parle. Oui, tu as raison. Donc c'est son poste et c'est ce qui lui plaît. Après voilà, malheureusement, comme il l'a dit, c'est pas lui le coach, c'est pas lui qui décide, mais je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ouais, ça revient à ce qu'on disait avant qu'il intervienne justement. Ça confirmait que exactement. Vous sentiez que c'est là où il fallait peut-être continuer à travailler. Continuer là-dessus. Je pense que même Dembélé, bon, c'était la première avec les deux. Ils ont encore des choses à peaufiner. Et puis, je pense qu'ils tomberont aussi peut-être avec leurs joueurs de couloir qui sont dans un meilleur jour que ce soir. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très performants offensivement. Et du coup, ils n'ont pas été trop servis, notamment Dembélé. Mais voilà, à eux de faire des meilleurs choix. Et je pense qu'ils comme il dit, il n'y a pas de victoire, de défaite pardon, encourageante, mais je pense qu'ils sont sur le bon chemin quand même. Ouais, mais après, comme tu l'as dit, on ne joue pas tout le temps le PSG. Et là aujourd'hui, en plus, c'était un PSG quand même assez en forme.
On l'a vu, les trois redéfendaient, redescendaient pour défendre. Mis à part Ramos, que j'ai trouvé dans le dur, sincèrement, dans le dur. Oui, dans le dur, oui. J'ai pas vu de joueurs en dégâts de ce qu'ils étaient capables de faire au PSG. C'est surprenant parce que vous avez vu dans son élément de réponse qu'il a vraiment précisé qu'ils avaient eu une semaine pour le travailler. Même pas. Il a dit. Ouais, ou alors c'est vous qui allez me le dire. Hein. Je sais pas quand on bosse dans les entraînements et compagnie, on travaille toujours sur son système préférentiel ou on travaille aussi les variantes. Bon, on travaille quand même plus sur le schéma de départ. Bah, oui. On est d'accord. Le coach il a son idée, il travaille sur le schéma de départ et après, ben il voit ce qui se passe aussi. Ouais. Et son schéma, il peut le changer, l'orienter. Et là, en l'occurrence, il a dit avant, le coach, les entrées de Dembélé, il lui montrait des bonnes choses, donc il envoie des bonnes infos. Et il dit, il faut que j'associe mes meilleurs joueurs. Et Dembélé fait partie des meilleurs joueurs de l'OL. Faut pas oublier qu'il était le meilleur buteur la saison passée. Ouais. Donc là, il a voulu les associer. Du coup, ça fait changer son système. Ouais, non, c'est... Après tu... la semaine dernière, il n'y a pas eu toutes les séances où ils ont pu... les associer. Il y a des jours où tu travailles tactiquement, mais tous les jours à l'entraînement, c'était pas possible. Messieurs, Peter. Bon, on changera de costume alors. Non. Des fois, on se dit que c'est des costumes maudits et on les brûle. Bon, Peter, plus sérieusement, ce match, on a vu qu'il y avait de la place. Il y avait la place, nom de Zeus. Il y avait la place d'aller chercher ce pari-là, en tout cas. Et le choix était le bon. On a confirmé avec Alexandre Lacazette. Comment vous avez ressenti ces 90 minutes? Est-ce que c'est de la frustration ou pas? Quand je perds, il y a toujours la frustration, absolument. Passer une première mi-temps difficile. Trop de respect pour eux. On recule trop avec la défense. Ok. Et pour ça, on n'était pas vraiment rentré dans les duels. Bon, à la mi-temps, j'ai dit la dernière ligne doit être 10 mètres plus haut. Comme ça, on est plus proche, plus compact et tu peux rentrer dans les duels. Je pense que c'était mieux, même si le premier mi-temps, on a eu des occasions aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Et tu peux perdre le premier mi-temps. Eux, ils peuvent marquer 2-3 buts absolument, 100%. Mais nous, on a eu des occasions aussi. Donc, dommage qu'on n'a pas marqué. Coach Coco Tolisso, choix tactique ou une gêne, une blessure, quelque chose? Ouais, une petite blessure. Une petite blessure, d'accord. Et ouais, je trouvais dommage sur la fin de ne pas avoir essayé d'utiliser la largeur. Et je voyais souvent votre arrière gauche rentrer à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est Toko qui devait écarter, mais je pense que quand vous êtes passé par les côtés, notamment vous avez pu les balader à droite à gauche, vous avez pu trouver des solutions de centre. Non, contre une équipe qui joue à 5 derrière, il faut passer par les côtés. Parce que là, c'est l'espace. Ouais. Mais... tu sais, en fin de match, les joueurs sont fatigués. Quand tu es fatigué, tu penses moins vite et tu te replaces moins vite aussi. Donc, c'est rien contre mes joueurs parce que je pense qu'ils sont tous donnés aujourd'hui. Et oui. Malheureusement, 100 points. Il n'y a pas de défaite encourageante, je le sais. Mm-hmm. Mais comme disait aussi Alex, je trouve que c'est un match encourageant pour vous parce que vous avez montré les bonnes choses. Vous ne jouerez pas tout le temps le PSG. Je pense que même à deux, ce système-là, je trouve qu'il est intéressant. Oui, absolument. Mais il faut le dire, la semaine dernière contre Monaco, on a aussi bien joué. Malheureusement, pas gagné non plus. Mais je pense qu'on joue pas mal en ce moment, mais pas de résultats. Peter, on a montré le positionnement moyen de votre groupe à Alexandre Lacazette et on voyait effectivement, par rapport au positionnement du Paris Saint-Germain, très groupé sur les 90 minutes, on voyait effectivement cet espace-là. Et on a vu effectivement Alexandre dans les 20-30 premières minutes. Ça, c'est avec ou contre le ballon? Général, 90 minutes. Général, 90 minutes. En général, on a défendu. Parce qu'on est d'accord. Ils sont plus le ballon, donc en défense... On essayait de fermer le milieu, laisser jouer par les côtés. Quand je vois ça, on a bien fait. Donc ça veut dire que c'est positif par rapport à la consigne qui était... J'ai aucune idée, est-ce que ça c'est positif ou pas. D'accord, ok, non mais c'est intéressant de... Oui, si c'est avec ou sans ballon, c'est vrai. Est-ce que du coup, pour rebondir sur ces deux questions, ce schéma avec deux attaquants, est-ce que c'est quelque chose que vous allez garder dans la poche avec une envie de le développer ou on se dit que on revient sur sa base de travail principal? Non, j'ai dit depuis le début de saison, on peut jouer comme ça parce qu'on a de très bons attaquants. Et bien sûr, ça dépend un peu le match et
on demandera de notre joueur, mais bien sûr on peut garder ça, ça aussi. Quel est le principal chantier ou quelle est la principale carence aujourd'hui? Maintenant, 10 minutes après le match, dessus. Déception. Ouais. Ouais. Même quand on a joué contre une très très bonne équipe avec des joueurs exceptionnels, peut-être en ce moment, on réfléchit pas tout de suite, mais dans 10-15 ans, on peut dire une équipe comme ça, c'est pas mal. Hein. Ouais. Merci, ouais. Buteur. Voilà. Bon travail à vous pour la suite. Merci, merci. Merci infiniment. Merci. Monsieur Carlos Soler qui va venir à nos côtés. Rapproche-toi. Carlos, encantado. Soy Alex, Julián y Río. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo hacemos? ¿En español? Sí, sí, por favor. Ten. Español, sí. Aquí lo tienes. Soy valenciano, así que... ¿Valenciano? Sí. ¿Ah, sí? Yo de Puerto Sagunto. ¿Ah, sí? ¿Tú? Ostras, yo de Valencia, Valencia, capital. Wow, genial. Je disais a Carlos que moi je suis juste à côté de Valence, de Puerto Sagunto, y que vamos a avanzar un poquito. Lo hago despacio para traducir al mismo tiempo, claro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. No hemos visto, on n'a pas vu un París... al 100%, vamos a decir. Bien manipulando el partido, porque el Lyon tenía una adversidad bastante buena. ¿Cómo te ha parecido tú esta primera parte? Estabas tú en el banquillo. ¿Cómo tú has visto este partido? Je disais a Carlos qu'il était dans la première temps sur le banc ¿Cómo a-t-il vu lui ce match? Bueno, yo creo que sobre todo la primera media hora creo que ha sido muy buena del equipo. Los primeros minutos nos hemos adelantado en el marcador. Y hemos podido hacer alguno más, yo creo, en algún acercamiento de Fabián, recuerdo, alguna de Leo, de Kylian. Deux, trois occasions de Fabián Ruiz, Leo y Kylian. Y luego es verdad que después del descanso, pues ellos han salido más fuertes. Con la ayuda de su afición, que ha estado increíble. Y luego también creo que nosotros hemos tenido ocasiones para cerrarlo. Recuerdo la falta de Leo, recuerdo ocasiones importantes. No hemos podido cerrar el partido, pero también esto es fútbol. Y nosotros hemos venido a un campo muy complicado y hemos sacado los tres puntos. C'était compliqué, pero hemos conseguido sortir los tres puntos. Vamos a hablar un poquito de tu caso personal. Al final, ¿cómo se hizo esta llegada? ¿Cómo se hizo esto? ¿Quién te ha llamado? ¿Cómo te has venido aquí a París? ¿Cómo se hace ese transfer finalmente para llegar hoy a París? Bueno, me llamaron del París y los últimos días del mercado, pues lo decidí rápido. Vine aquí el último día prácticamente del mercado. Una decisión al final también difícil para mí, porque yo soy de Valencia y del Valencia desde hace mucho tiempo. Porque yo soy de Valencia desde hace mucho tiempo y, du coup, c'était difícil para mí. Pero bueno, también, pues bueno, es un paso adelante en mi carrera. Y yo estoy tremendamente agradecido al Valencia y siempre lo voy a estar. Si soy lo que soy es gracias a ellos. Totalmente, porque yo llevaba desde los 7 años allí. Y ahora pues a disfrutar de este sueño, ¿no? Que es estar aquí con grandísimos jugadores y en un gran club. Y ahora voy a intentar aprovechar porque es un enorme club. La última pregunta es, ¿con quién vas a diario en el París? Conozco ya tus amistades en el Valencia, pero ¿con quién vas a diario en este club? ¿Avec qui tu as les acquaintances ici à Paris? On connaît les siennes à Valence, mais avec qui? Leo, Fabián, los españoles, Ashraf, Sergio, ¿con quién? Bueno, tengo suerte de que he venido a París y somos 6 españoles en el equipo. On est beaucoup d'espagnols à Paris, on est 6. He tenido esa suerte y bueno, ya conocí a Fabián de la selección, conocí a Pablo Sarabia también de la selección. De hecho, con Fabián era compañero de habitación en la sub-21. Il était partenaire de chambre avec Fabián. Una buena relación y nada, me junto con ellos, con Sergio Rico, Sergio Ramos, también con los demás del equipo, obviamente. Estoy intentando aprender un poco de francés, pero poco a poco. ¿Te sientes bien? ¿Estás feliz? Sí, muy contento, muy contento. El equipo está bien, yo entrando poco a poco. Sabía que era complicado, pero bueno, adaptándome. Genial, gracias por estar. Gracias. De verdad, Carlos, gracias. Me has matado por el Valencia, pero gracias por estar aquí. A pasarlo bien, ¿eh? Chao. Voilà, il a insisté sur le fait, effectivement, d'avoir ses relations dans ce club et notamment ce noyau dur espagnol qui l'aide ainsi à pouvoir arriver tranquillement et progresser. Il est au début. C'est quelqu'un qui peut s'imposer, ça, d'après vous, à Paris? Moi, je pense Carlos que oui. Soler.
C'est un milieu plus léché dans les choix possibles pour Galette. Ouais, c'est quelqu'un qui peut, il est très jeune. Hein. Ouais. Donc il peut s'imposer, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'Espagnols, donc ça peut faciliter l'intégration et se sentir beaucoup mieux très vite. Mais encore une fois, quant à Verratti et Vitinha, c'est difficile de faire des choix. Voire même quasiment aujourd'hui impossible parce que les deux sont intouchables. Mais voilà, ils ne sont pas éternels. Le championnat, la saison est longue. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Il peut y avoir, je le souhaite à personne, mais des blessures, des suspensions. Et après, voilà, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer, mais comme il l'a dit, c'est un tournant très important dans sa carrière à ne pas louper. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça va être compliqué pour moi de s'imposer vraiment dans ce PSG. Il va être plus dans la rotation, je pense sincèrement, parce que là, pour des. Déloger le 11 titulaire, c'est quand même compliqué. Mais il va apprendre, il va gratter du temps de jeu. Et je pense qu'il peut être une bonne surprise. Mais dans un premier temps, très compliqué. Ouais. Qu'est-ce que vous allez poser comme question à Galette, les amigos? À Galette? Ouais. Il arrive là, il est en approche. À Galette, je vais juste lui dire que ces trois attaquants, ils ont bien écouté les consignes. Ouais. Et qu'on les a vus défendre. Bah, non, j'en sais rien. Est-ce qu'il a été satisfait? Est-ce que lui a été satisfait de ce match? Je peux lui demander. Je pense connaître la réponse. Il va te dire quoi? Ah, faut s'approcher un peu, les gars. Il va te dire quoi? Je pense qu'il va, il va dire oui, mais on aurait dû être plus tueur. On aurait dû tordre le match avant. Voilà. Je pense que c'est le cas. Je pense qu'ils auraient dû se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement parce qu'on l'a dit. Si Alex la casette la met au fond, c'est un tout autre match et ils ont eu énormément d'occasions, mais de vraies occasions pour tuer le match et ils n'ont pas su le faire. Donc aujourd'hui ça passe contre Lyon, ça passe, mais il va falloir à un moment donné être plus tueur. Regardez la zone de Neymar, effectivement, avec beaucoup ouais, également bon. De positions défensives ouais. Sur ce travail. Je regarde. Mais c'est avec ou sans ballon? Ah. Hein? Non, mais c'est. Non, mais en plus, intéressant ce qu'il a dit. Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'il dit. Après, effectivement, moi j'ai une position globale sur le match. Voici celle de Mbappé, également ici quand il vient chercher les premiers ballons, et celle de Messi. Ouais, c'est assez clair. Hein. Beaucoup plus éclaté. Il y a un travail plus défensif de Neymar, peut-être, non? Ouais. Sur les... On l'a vu faire des retours. Même j'ai vu un retour d'Mbappé. Donc, non, c'est bien, même pour le PSG, si ces joueurs-là arrivent à faire ça, parce que, évidemment, on sait que leur objectif, c'est la Ligue des Champions. C'est pas le championnat parce qu'ils vont l'avoir. Et s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, il va falloir qu'ils s'y mettent. Moi, je vais lui poser la question à Galette sur Ramos. je vais lui dire, après tout, il a fait des choses ce soir. On a trouvé que Marquis était le mec qui était à pointer du doigt sur les derniers temps, et là, c'est encore un mec de sa défense. C'est Ramos qui est ciblé. Donc, si chaque semaine il y a un cacique de la défense qui se fait pointer du doigt, il y a quelque chose qui faut travailler, non? Il a été très inquiétant ce soir. Je l'ai trouvé très inquiétant. Moi, pour ma part, c'est le plus mauvais match que je l'ai vu faire. Pourtant, j'en ai vu des matchs de Ramos. Hein. Mais là, déjà d'entrée, il se trouve deux fois de suite quand il tombe là. Et derrière, il veut relancer pied droit, poum, dans les pieds du Lyonnais. Et je pense que ça l'a mis bizarrement un peu dedans. Ouais, après, ça arrive aussi, hein, sa décharge, il revient. Il a fait un gros début de saison, il a été longtemps blessé. Tu peux avoir un match où tu passes à travers, et puis dans une saison, de toute façon, tu auras toujours un ou deux matchs où tu vas être moins bon, mais là, c'est plus que moins bon qu'il a été. Match de Kylian Mbappé, les garçons, votre avis? Kylian, je l'ai trouvé très collectif en première mi-temps. Il était vraiment dans l'esprit. Et après, malheureusement, son péché mignon, il court après son but. Je pense que, évidemment, tous les attaquants ont envie de marquer, mais il faut qu'il continue à garder cette constance-là sur tout le match, à être collectif, à donner le bon ballon aux partenaires, parce que là, sur la dernière course d'Hakimi, il doit lui déposer, parce qu'Hakimi, il en fait combien à le servir? Là, tu dois le déposer, régaler ton partenaire, et c'est encore ça la différence, et là-dessus, il doit gagner pour devenir le meilleur joueur du monde. Ouais, il fait une bonne première mi-temps. À l'image des Parisiens, où tout le monde s'est mis dedans, où ça a défendu, où ça a bien attaqué intelligemment. Et après, comme le dit Rio, t'as l'impression qu'il est à la chasse aux stats, qu'il veut
Alors, il s'en est pas caché, il veut être le plus grand joueur du PSG, le meilleur buteur. Mais en deuxième mi-temps, c'était la tête dans le guidon, lui et seulement lui. Voilà, l'action qui dit que Rio dit ou Achraf Hakimi, il fait 70 mètres pour avoir le ballon et juste pouvoir la pousser. C'est pas la première fois. Il l'a fait avec Neymar il y a pas longtemps, on en a parlé. Ce soir, il l'a refait. Donc voilà, j'aime pas trop quand il fait ce genre de match. Après, excuse-moi Alex, il y a un truc à prendre en compte, c'est que souvenez-vous, à l'époque, Messi Ronaldo, une concurrence. Peut-être que lui, ça compète avec Haaland. On ne sait pas. Hein. Il voit que le gamin, il marque dans tous les sens. Et lui, il pense à son ballon d'or. Peut-être qu'il est dans cette compétition-là, ouais, tu vois, oui, à distance. Peut-être. Ça, on n'est pas dans sa tête. Hein. Non, on n'est pas dans mais sa j'imagine tête. Que ça doit quand même trotter de voir que le Haaland, il enchaîne but sur but. Et lui, ben, je pense qu'avec ça, il s'y perd un petit peu. Ouais, mais quand tu vois les buts que met Haaland, c'est-à-dire des buts de fou. Et des buts de folie. Là, sur l'action où il ne la met pas à Kimi, c'est clairement son choix a été plus que mauvais. Il a été anti-football. Donc, faut pas dénaturaliser la chose. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu peux marquer, marque. Mais après, là, c'était trop. C'est pas la première fois, c'était trop flagrant. Match de Messi qui confirme ton focus, Rio ? Ouais, match franchement encore excellent. Excellent de la part de Messi au service du collectif et dans la surface de réparation chirurgicale. Je pense que c'est le mot qui, quand je pense à lui dans la surface cette année, tous les passes décisives qu'il a donné, tous les bons ballons qu'il donne en une, on se souvient à Toulouse, enfin combien de passes décisives il a fait cette année, il est déjà à 7 ou 8 je crois. Franchement, il n'y a rien à dire sincèrement, et on l'a encore même vu faire des appels en profondeur. Alors oui, défensivement, il ne va pas faire comme Messi, comme Neymar et Mbappé revenir sur les grandes courses. Mais franchement, avec le ballon, c'est un régal et toujours au service du collectif et la passe dans le bon temps, dans le bon timing. Mon jus. Ouais, non, le match de Messi, tu le vois, le but qu'il met, ça va très très vite. Sur ses appuis, il a 50 cm et il arrive à faire ce qu'on a tous vu, quoi. Christophe, merci. Ça caille, hein. Ouais, ça caille. Il est au Japon maintenant. De quoi ? Il reconnaît son pays. Qui ? Sakai. Ah, ça redescend. Ouais, on va la garder, mais bon. Ça c'est pas comme celle que j'ai sortie en conférence de presse, elle peut passer, non ? On m'a dit que j'avais un humour naze. Voilà, quoi. Alors, attends. Pourquoi tu vois, à chaque fois tu me mets comme ça pour la première question. C'est bien, c'est comme ça, c'est la vie. Dis-moi, je me fais un peu féroce, et pourtant c'est sur un copain à moi. Hein. On a eu l'impression de voir, je me fais féroce, le plus mauvais match de Ramos pour l'instant. Est-ce que tu trouves qu'il n'a pas été à son top level ? Bon, déjà Sergio enchaîne les matchs, il n'y a pas de rotation possible sur lui. L'an dernier il avait très peu joué, là il enchaîne les matchs. Il y avait aussi la volonté de Lyon aussi de beaucoup jouer sur son côté avec de la percussion. Je l'ai trouvé en première mi-temps intéressant, mais en prenant peut-être un peu trop de risques dans le jeu. Mais il a pris l'habitude de prendre des risques sur ce côté-là et de participer. Et c'était la première titularisation de Fabien Ruiz. Généralement, notre milieu compense. Quand Sergio monte, et Fabien n'a pas encore tous les automatismes, et c'est pour ça que pendant la première période et à la pause, j'ai demandé à Sergio d'être plus dans l'équilibre et la ressortie de balle que de participer à amener le surnombre. Après, en deuxième mi-temps, je me doutais qu'on allait avoir des problèmes au milieu, et j'avais demandé à Sergio de repasser sur le côté gauche si je faisais rentrer Nandine Mokele. Et après, voilà, il faut s'adapter d'être sur son pied moyen, les angles, les rotations, tout est différent. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très satisfait de ce début de saison de Sergio qui enchaîne match après match. Les garçons. Là, vous êtes féroce quand même. Hein. Non. Moi, c'est une question assez simple. J'aimerais avoir ton avis général sur le match de ton équipe. Je trouve qu'on a fait un bon match, je trouve qu'on a fait un grand match. On peut regretter. Déjà, il y a la grande prestation d'Anthony Lopez. Thiago Mendes qui a été aussi très bon sur un plan défensif. On a eu beaucoup de situations et voilà, on peut regretter de ne pas avoir au moins un but de plus.
pour avoir une fin de match plus tranquille. L'adversaire a toujours espoir à 1-0. On a eu beaucoup de situations, une très grosse première période où on a concédé qu'une situation sur un centre et une tête. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait de la manière dont l'équipe a joué, avec une grande possession de balle, avec beaucoup de jeux et de relations techniques. Malheureusement, il a manqué ce deuxième but pour nous mettre à l'abri plus rapidement. C'est clair. Ouais, Christophe, je voulais savoir quel a été ton discours sur tes trois attaquants. Parce que par rapport à mercredi, on les avait vus un petit peu moins être présents dans le travail défensif. Et là, franchement, ce soir, j'ai vu des retours très intéressants. Et je pense que ça fait du bien à l'équipe et aux coéquipiers, même à toi en tant que coach, j'imagine. Oui, bien évidemment, j'ai écouté tous ces débats pendant 2-3 jours, comme quoi, je ne voyais pas mes matchs. Mais oui, c'était très important de redonner un équilibre qui était très bon en début de saison, qui a été un peu moins bien face à Brest en deuxième période, et la première période face au Maccabi d'Haïfa. C'était mieux en deuxième période en Champions League. Il était important d'être beaucoup plus compact, et dans ce sens-là, c'est une grande performance de la part de Neymar. Ney a donné beaucoup d'équilibre, a donné aussi beaucoup d'apport offensif, mais beaucoup d'équilibre dans le repli défensif, et ça a rendu quand même une équipe beaucoup plus cohérente sur un plan défensif. Ça caille, non? Bon ben, non mais au moins on sait que tu regardes tes matchs. Ouais, il y a des gens qui pensent que je regarde pas. Merci Christophe. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon retour. Bon, est-ce que j'avais raison sa réponse? Je suis d'accord. Venez, les garçons. C'était sûr ça. Non mais c'est bien. Au moins on a mis le point là sur Ramos, on est revenu sur le travail des trois attaquants et sur ce timing général. Voilà. Et puis on sait qu'il y a de l'humour. Ça on l'aura compris. Bon les amis, on va refermer tranquillement ce nouvel épisode du Ruiz Club Free Ligue 1. Trêve la semaine prochaine. Je vous le rappelle. Non. Hein. Tu peux pas nous voir. Le temps que tu repasses les chemises, tout ça. Oui, c'est vrai. Je repasse les chemises. Nouvelle tenue pour. Je vous prépare une nouvelle tenue. Ah, okay, parce que je te cache pas que là, il caille un peu comme il l'a. Tu vois, ça caille. Nouvelle tenue pour après la trêve. On sera sur Paris Saint-Germain Nice à venir après la trêve. Match intéressant parce que ça commence à Nice. Ça commence à chauffer. On va voir ce qui va se passer autour de Lucien Favre. Mathy Bolt, ça va de ton côté? Oui, ça va. J'ai bien rigolé. Ouais. Il faut bien ça. Écoute, on t'embrasse très très fort et on te remercie infiniment avec tout le team de Wall qui était en régie à Paris. Merci Mathy Bolt. Merci, rentrez bien. Merci à toute l'équipe de production qui était à nos côtés également pour assurer ce rendu, et toute l'équipe de Free Ligue 1 bien évidemment, avec Mickaël et Nico qui étaient à nos côtés. Merci les Lascars. Ouais. Merci à toi. Merci. Ouais, merci à toi. Merci Rio. On se voit dans. Hein, t'as 15 jours là. 15 jours, papa. 15 jours. Pour entraîner ton équipe pour une victoire. On vous embrasse très fort. On reste ensemble sur l'ensemble des réseaux sociaux. Tous les produits vous sont offerts et disponibles, bien entendu, sur toutes les plateformes où nous suivez, sur les comptes officiels, et on interagit avec vous. Et on se donne donc rendez-vous dans 15 jours pour ces lives de 4 heures non-stop sur la chaîne YouTube pour le Paris Saint-Germain. Nice, pardon. Profitez des vôtres. On vous embrasse très très fort. Et à très très vite. Bonne nuit à tous. Salut.